Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur le stream, bienvenue dans ce hors-série Club Yu-Gi-Oh! Un petit peu particulier aujourd'hui, tout simplement parce que c'est un hors-série, c'est le nom qui veut ça. Mais aujourd'hui on va se préparer pour le championnat de France Yu-Gi-Oh! Qui a lieu le 8 et 9 juin prochain. Et pour ça, plutôt qu'être tout seul avec Xari, comme d'habitude, eh bien on est un petit peu accompagné. Alors vous voyez pas tout le monde, pour l'instant j'ai Lama. Lama, comment tu vas? Ça va très bien, merci de l'invitation. Ça fait toujours plaisir. Hein. Et ben on est très content. Enfin moi je suis très content de t'avoir là-bas. Moi pas trop. T'étais déjà venu. Bon, ouais bon Xari. Bon. Voilà, si, mais lui je l'aime pas de toute façon. Tu l'avais battu. Ah oui. Non. On va pas parler de ça. Tu l'avais battu très très vaillamment grâce à je sais plus quoi mais. Le soldat là, qui gagne 2000 d'attaque. Là. Ah oui. Le soldat Cypher. Ouais quoi, t'étais venu pour faire une draft. Ouais. À l'époque c'est bien sûr en replay sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aller checker ça. Et aujourd'hui tu viens voilà pour tout simplement train un petit peu. C'est une émission de 4 heures aujourd'hui donc vous aurez le temps. De découvrir ou redécouvrir peut-être le mode compétitif. De voir du misplay de mon côté en tout cas, c'est sûr. J'y arrive. Mais oui, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va jouer des decks compétitifs, des decks récents avec des cartes liens, avec des cartes X6, potentiellement des cartes synchro, des pendules. Tout dépend des decks qui vont être joués. Et je sais que Lama, il joue un deck que je ne connais pas du tout. Par contre, toi, tu connais le mien. Ouais, je connais très bien ton deck. Tu m'as donné la deck hier. C'est moi qui l'ai fait. Exactement. Non, mais ça va bien se passer, t'inquiète pas. Et alors, aujourd'hui, il y a quelqu'un que j'ai oublié de présenter. C'est Yori. Tu es là, Yori? Non. Ah, alors t'es là, mais on t'entend tout doucement, tout faiblement. Je sais pas si ça vient de toi ou de la régie, mais ils vont tenter de régler ça dans les délais les plus brefs. Et ils sont dessus. En tout cas, aujourd'hui, il y aura Doc Seven. Il y a Max qui a fait un petit deck. Enfin, je lui ai fait un petit deck hier soir où j'ai essayé de choper des cartes dans des displays. Et regardez, Lama, il rigole parce qu'il se fout de ma gueule. Voilà. Pas de spoil. J'en dirai pas plus. Pas de spoil. J'en dirai pas plus. Et on a aussi Guillaume et Samir qu'on vous présentera tout à l'heure, qui sont deux. Joueurs français qui font partie du top FR qui sont là aujourd'hui avec nous. Donc voilà, normalement il y aura de belles choses ce soir. Lama, je te propose de faire un petit BO3 dans les règles. Bien sûr. Ça te va? Bah de toute façon il y aura deux games. Oh là là. Eh bien écoute, ça tire à balles réelles ce soir. Ah ça y est, on t'entend Yori, comment tu vas? Bah ça va et vous? Écoute, aujourd'hui ça va être à un autre niveau normalement hein, pour les rulings et tout. Bon, c'est parti. T'as révisé un peu Yori ou t'es confiant? Ouais, bah c'est un peu plus mon domaine que tes cartes sorties du fond de je sais pas quoi. Et insulte pas pot de cupidité. Insulte pas pot de cupidité s'il te plaît. J'en ai essayé un moi. Je prends le dé divin. Ok. Prends tes nèbres, Zoulou. C'est pas ton dé d'ailleurs. Bah à la base. Ouais, c'est vrai. Zoulou, prends le ténèbre. Ok, donc bien prends sûr. Prends le ténèbre. Ouais, du coup, on l'a pas dit, c'est le plus petit qui commence. Hein. Ah. Non, je rigole. Ok, 4. Vas-y, tu as le choix. Je vais commencer. Ok, bonne chance à toi. On rappelle que émission est qualificative pour les champions du monde. Hein. Exact. C'est ça. Non, vraie chose par contre, il y a pas mal de gens qui, je pense, ne vont pas vraiment connaître les zones extra, les monstres liens et tout. Est-ce que vous comptez expliquer vite fait ou est-ce que. Première invocation, vous le faites. Ouais, mais de toute façon, de manière générale, avec l'arrivée des cartes liens, il y a deux zones qui sont apparues qui sont les cartes zone extra lien. Et en fait, dès qu'on fait une invocation depuis l'extra deck, on est obligé de le faire dans une de ces deux zones. On a une zone qui nous est... Enfin, on peut faire une seule invocation lien, et les liens vont débloquer d'autres zones à chaque fois pour pouvoir continuer à faire les invocations. C'est ça? Je me suis pas trompé? Voilà, c'est ça. Chaque joueur va avoir qu'une zone à la fois, de base. Et si un monstre lien... En fait, les monstres liens ont des flèches. Et s'il pointe une zone monstre main, eh bien, ça la débloque pour l'extra deck, en gros. Très bien. Bon, je suppose qu'on peut commencer. Lama, je t'écoute. J'ai une petite question. Est-ce qu'on peut invoquer Dragon Blanc sans sacrifice ou pas? Toi, t'as révisé. C'est bon, ça marche. Ouais, alors je vais juste prendre mon téléphone. Hop là, je vais mettre un petit chrono, 40 minutes. On se la fait comme au championnat ouais, de France. Ouais, bah moi je vais jouer le time. Hein. Ok, elle est relou. On verra bien. Écoute, Lama, 3, 2, 1, c'est parti. Bah, let's go. Je commence du coup. Alors. Voyons voir. Est-ce que t'es prêt?
Oh, je suis prêt. Donc t'as dit que tu commençais ? Je commence. Ok, ok. Après avoir vu ma main, bien évidemment. Je vais commencer par activer un terrain. Donc ça va être le Light Stage, c'est le terrain des Trickstar. Ok. Donc, ok. Ce terrain, quand il est activé, il va permettre de tuto un monstre Trickstar du deck. Donc, d'accord. Est-ce que ça passe ? Ok, ça passe. Ça passe, très bien. Ok, ok. Ok, ok. Alors, je vais tuto, du coup, Candina. Voilà. D'accord. Je ferai mélanger après parce que ouais. je risque d'y retourner. Oh là là, excusez-moi, il a déjà prévu une combo de l'infini. Du coup, Candina, j'ajoute à la main. Je vais l'invoquer normalement. D'accord. Je vais faire son effet qui va permettre d'ajouter à la main un autre, une carte Trickstar. Ok. C'est bon ? Enfin, j'ai déjà préparé la carte. Hein. Oh, pardon. Je vais mélanger, je pense. C'est vrai que ça, c'est une astuce en, quand vous jouez compétitif et que vous allez beaucoup tuto dans votre deck. Généralement, enfin, vous faire votre truc et quand vous allez piocher, vous laissez votre adversaire couper ou à la fin de votre tour par exemple, mais le faites pas à chaque fois, ça ralentit de fou. D'accord. Ensuite. Après, ça donne une indication à votre adversaire. Ensuite, je vais invoquer spécialement Sigu Farstar. C'est son effet, elle peut se spé si vous contrôlez que des monstres Trickstar. Voilà. Okay. J'ai deux monstres sur le terrain, je vais pouvoir faire une petite link. On commence à parler. Donc, première sérieuse. Link, tu prends deux monstres. Je vais faire Cerber. D'accord, que fait Cerber ? Alors il a un effet à l'invocation, mais je vais pas l'utiliser. D'accord. Voilà. Donc, je vais utiliser Cerber pour faire Sirène. D'accord. En fait, Sirène, on a besoin d'un monstre chevalier du cauchemar, donc Cerber c'est un chevalier du cauchemar. Voilà, alors donc pour ceux qui connaissent pas vite fait les invocations liens, ça ressemble un petit peu aux invocations synchro, mais c'est plus simple. C'est plus générique, on va dire. Donc vous envoyez simplement vos monstres du terrain au cimetière. Et après, il faut respecter évidemment les conditions d'invocation. Donc, je vais activer l'effet de sirène à l'invocation. Donc, comme tous les chevaliers du cauchemar, il permet de défausser une carte pour récupérer un effet. Donc, je vais défausser la carte. Ouais. Et du coup, l'effet, c'est que je vais pouvoir invoquer un chevalier du cauchemar depuis mon deck directement. Ok, je vais H. Ok, très bien. Alors mon coron, tu veux faire quoi ? Alors bien sûr j'ai, donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai joué Floraison de Cendres et Joyeux Printemps. Il est deck qui est une carte N-Trap qui s'active du coup depuis la main. C'est pour ça que piège, enfin N-Trap pour piège depuis la main. Et en fait elle me dit que quand, enfin je peux la défausser depuis ma main pour activer, pour activer un de ses effets, pour empêcher l'invocation spéciale. En gros, ça annule tous les effets qui touchent au deck, globalement, voilà, c'est à peu près ça. Ouais, t'as beaucoup mieux expliqué que moi. WPP, merci. Du coup, là je suis un peu emmerdé, c'est pas grave. Fin de tour. Non. Ça, franchement ça aurait pu, mais non, j'ai quand même d'autres ressources. Donc, oh là là. Je vais utiliser l'effet de Harp Horror au cimetière, je vais la bannir pour invoquer spécialement un Orcus du deck. D'accord. Donc... Ok. Et non, je rigole. Non. Ah. Je voulais juste voir sa tête. J'ai eu un peu peur. Hein. Double H. Je voulais voir sa tête. Double H, non, ça marche pas. Ça ne marche pas. Donc j'invoque. Surtout que c'est pas possible. Voilà. Oui, c'est qu'une fois par tour. Une fois par tour. Donc j'invoque. Alors qu'est-ce qu'il fait lui ? Alors il a. Globalement, il a juste un effet cimetière qui va permettre de le bannir pour envoyer du deck au cimetière à un autre Orcus. Donc on a envie qu'il soit au cimetière, globalement. D'accord. Je vais l'utiliser pour une link. Ok. Et je vais invoquer la petite Galatea. Alors, je sais pas si t'as vu cette carte, elle est sortie en ulti il y a pas longtemps là. Ouais, non, ça me dit rien. Elle est plutôt stylée. Du coup, je vais pouvoir récupérer l'effet de mon Orcus au cimetière. Je vais le bannir pour envoyer du deck au cimetière. Ah ouais, mais là, c'est un petit peu embêtant quand même ce que tu m'as fait. C'est vrai, je l'ai fait au meilleur timing. Bah, c'est très bon timing, vraiment. Oh là là, je suis un boss. Alors que franchement, pour tout avouer. Je pensais avoir mis timing sur tes premiers tutos, je suis putain. Non, c'est un petit peu le piège. Bah oui. On joue les Trickstar pour que la personne utilise ses N-Trap dessus en fait. Bah en fait, ah d'accord, ok. Ah c'est une très bonne info ça, c'est une très très bonne Entre info. Entre autres. Entre autres. C'est pas toujours vrai. Entre autres, c'est pas ma stratégie. En fait, l'idée c'est que le deck Orcus veut essayer d'avoir absolument deux matériels pour faire justement son combo que vous avez vu. Donc Trickstar est une des façons de pouvoir le faire. Okay. Du coup, j'ai envoyé au cimetière, je vais te proposer d'activer un effet de danger. Donc, est-ce que tu connais ? Vas-y, expliquer. Alors, un danger, c'est une carte, donc c'est un archétype. Vous allez révéler la carte depuis votre main. Ensuite, votre adversaire va choisir aléatoirement, donc il va lancer un dé en général. Et si vous touchez la carte révélée, elle ira au cimetière, elle aura un effet au cimetière. Si vous ne touchez pas la carte révélée, elle sera invoquée spécialement sur le terrain et vous pourrez piocher une carte. Voilà. Donc je la révèle. C'est fort.
tu vas pouvoir lancer un dé. Je vais dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactement. Ok, donc 5, 6, c'est celle-là qui est défaussée. Donc c'était le chasse-ciel fantôme. Okay. Donc comme j'ai expliqué... C'est vieux, ça. Ouais, c'est vieux, très fort. Elle est passée à 1 sur la baniste il y a 2 semaines. D'accord, ok. Ouais. Donc comme je l'ai expliqué, elle est invoquée spécialement. Et je pioche une carte. Ça va me permettre de faire une link en plus. On va faire Bardiche. Est-ce que tu connais Bardiche ? Non. Alors Bardiche, globalement, c'est assez simple. Je vais pouvoir envoyer du deck au cimetière. Attends, je... Non, je regarde pour la carte. Ah, d'accord. J'envoie du deck au cimetière à un chevalier fantôme. Il était là. Qu'est-ce qu'il fait ? Putain, mode. Il fait les tours de passe. Disparu. Il n'y a plus de carte. C'est une technique pour gagner. Ouais, c'est ça. J'envoie du deck au cimetière à un chevalier fantôme et je pose une magie pièce chevalier fantôme. T'étais là quand j'ai H, je t'ai vu tout rouge, mais. Bah, finalement, j'avais quand même des trucs donc. Ouais. J'ai quand même gagné. D'ailleurs, j'envoie quand même... Vas-y, continue la main. Et j'envoie dans le chat qui commence déjà à parler des 50 effets de la main. N'oubliez pas que là, il vous explique les effets au fur et à mesure. Hein, oui, oui. Son temps. Donc j'ai envoyé lui. En compétitif. Et j'ai posé lui. D'accord. Compétitif, tu dis, t'es obligé de... Bah, disons qu'en compétitif, généralement, les gens connaîtront les cartes. Donc t'as pas besoin d'expliquer en détail chaque effet. Quoi. Je vais faire son effet. Je vais le bannir pour ajouter une carte chevalier fantôme. Une deuxième. Ok, va te faire foutre. Je vais la poser, hein. Je te montre ce que je la pose, même si t'es pas censé savoir. Tu veux un petit café, Zoulou, peut-être? Reste encore 10-15 minutes à son tour. Là. D'ici 10 minutes, j'ai fini, ça marche? Ouais, ça marche. Je vais bannir le squelette, la harpe, la cymbale, pour invoquer spécialement un orcus du cimetière, donc lui. D'accord. Je crois une nouvelle règle dans Yu-Gi-Oh, c'est une invocation spéciale par tour. Ça ne marche pas, non. Du coup, je vais en profiter pour faire un nouvel Exis qui est sorti il y a une semaine à peu près. D'accord. Et lui, il dit que je peux attacher un matériel quand il est invoqué spécialement. Ok. Donc j'attache. Hop. Ah, mais pourquoi j'ai fait ça en fait ? Le matériel, tu vas le chercher d'où ? Tu veux replay ? Non, c'est bon. Ouais, ok. Ensuite, j'invoque lui spécialement vu que je contrôle un chevalier fantôme. D'accord. J'utilise les deux pour. Ah non. Oh, j'ai fait un gros misplay. Vas-y. T'inquiète la main. Je peux replay ? Ouais, bien sûr. J'ai par oublié. Contre, prends la win. Mais. En là, gros, et là, en championnat. Là, en championnat défaite. France, ce mec, il fait. Bah. Chier ! Et de monter. Là, je suis pas bien. En gros, je vais faire l'effet de Galatea. Je vais renvoyer un machine banni dans le deck pour pouvoir poser une magie piège. Ici, les gens, on est sur un entraînement. Hein. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Une préparation au championnat de France. Y a pas de problème. Je vais pouvoir poser le terrain. Des orcustes. D'accord. Si je fais pas ça, en gros, c'était nul. Okay. Donc là, j'invoque la Isis en attachant en matériel. En gros, j'ai utilisé 15 minutes pour faire de la merde. Okay. J'invoque lui spécialement, comme j'avais dit. Ça me permet de faire une autre link en plus. Et du coup, bah, c'est déjà pas mal. Hein. Globalement. Et t'as re Galatea, machin. J'ai refait Galatea. Galatea, c'est quoi ses effets, vite fait? En gros, tu peux prendre un monstre machine Ténèbres banni, tu le renvoies dans le deck et tu poses une magie piège Orcus depuis ton deck directement. Et en gros, elle a un autre effet, elle est pas destructible en combat quand elle est liée. Donc c'est pas mal. Et est-ce que je te fais un petit board parfait ou pas? C'est le but, hein, le but c'est gagné. Hein. T'en penses quoi? Bon, allez, okay. Je vais bannir lui pour tuto encore une carte chevalier fantôme. Là, c'est vraiment la consécration quand tu peux faire ça. J'ai Raigeki en main. Je vais tuto celle-là. Il est pas inquiet. Non, je suis pas inquiet. Quoi, t'as Raigeki? J'ai Raigeki en main. Vraiment? Ça t'embête? Ah, ça m'embête. Vraiment? Écoute, je te dirai pas. Je suis pas prêt. Imagine si elle est. Comme à la France, imagine. Non, mais fais pas ça, gros, regarde. Attends, tu mets le doute là. Vraiment, t'as Raigeki? Bah, non, mais. Est-ce que j'aurai Raigeki dans ma vie? Il est en full stress alors qu'il a su sortir un mot. Ouais. Oh, t'es bon, pas du coup, vu que t'as peut-être Raigeki, je vais faire ça. Et du coup, je vais lui attacher un matériel. Ah, il change son play. Ouais, franchement, ouais. Putain, j'ai réussi à le bait. Oh, j'ai réussi à le bait. Du coup, t'as fait quoi là? T'as fait un Inixis? J'ai refait un Inixis par-dessus. Et elle fait quoi celle-là? En gros, quand elle arrive sur le terrain. Tu sais, je l'ai déjà vu, mais. Quand elle arrive sur le terrain, soit elle attache un matériel banni, soit elle envoie au cimetière une carte adverse. Mais t'as pas encore. Ok, mais c'est pas un effet rapide, hein. Non. Okay. Et du coup, j'active mon terrain et je termine mon tour. Ok, que fait son terrain? Il permet d'avoir des effets rapides pour les orcustes. Donc en gros, tous mes orcus auront des effets rapides. C'est un orcus, ça? Ouais. Mais... Du coup, c'est un effet rapide maintenant. Oui, non, c'est un effet déclencheur. Mais celui-là, donc en fait, il s'active à l'invocation. C'est que à l'invocation. Okay. Mais celui dans mon cimetière, par contre. Et comment tu l'as invoqué, le X6?
En mettant par-dessus une link, c'est son effet en fait. Tu peux le mettre par-dessus une link. Ok. Donc voilà, j'ai terminé. J'ai terminé, il a dit ça. Combien de temps il reste Il a mis 10 minutes à faire son tour. 10 minutes 16. La main. Dingersu, tu peux l'invoquer spécialement une fois par tour. Ok, autant pour moi. Judge. Ah bah. Judge. Là, il se passe quoi là? Bon, la main t'es bannie, laisse ta place. Non, mais c'est parce qu'il m'a dit Raigeki, ça m'a fait stresser. Vous voyez comment gagner? Il se passe quoi là? T'as pas besoin de jouer des cartes. C'est surfait, Yu-Gi-Oh! Ah bah là, je me prends un warning direct. Et ça fait quoi un warning? Je sais même pas si c'est warning ou direct, je perds la manche en fait. Hein. Bah, Yori, j'ai fait un play interdit en fait. C'est pas grave, replay. Oui, non, mais c'est à cause de ton Raigeki ça. J'étais pas parti. S'il arrive à te baiser en disant un mot. J'étais pas parti pour faire ça. J'ai trop bon. Je suis un peu fort quand même. Bon, je vais faire le play initial. Vas-y. Donc, je vais poser ça. Vu que je contrôle pas de piège, je peux l'activer directement. C'est force de miroir. Ok. Du coup, ça s'invoque comme un monstre. Et je peux faire directement une nique avec. Et je fais Longiritsu. Et là, je termine mon tour. Alors, c'est quoi longue? En gros, quand il y a un monstre qui est pointé, donc en gros, quand il y a un monstre ici, je peux renvoyer deux machines bannies dans mon deck et j'envoie ton monstre au cimetière. Donc là, s'il invoque un truc en gros, si tu mets une link, bah, je renvoie deux machines bannies et je l'envoie aussi. Et ça, c'est en effet rapide en plus? Bah, grâce au terrain, oui. Ok. Ouais, c'est fort, c'est pas mal. Okay. C'est à moi qu'il a Raigeki. C'est à moi. C'est la Raigeki. Voilà, je vous la mets à l'écran pour l'effet précis. Alors, je pioche. Pas Raigeki, s'il te plaît. Trop noir. Force de miroir. Hey, Raigeki, ça t'embêtait vraiment? Ah, vraiment, ouais. Bah oui, ça tue. Bah parce que là, j'ai pas. Ça tue tout son tour, gros. Ça tue mes 12 minutes de jeu. En plus, s'il fait Raigeki, il te reste quoi dans la main là? Une carte? Une, ouais. S'il fait Raigeki, t'as perdu en vrai? Non, parce que j'ai beaucoup de ressources au cimetière. Ok. Ouais. Et j'ai deux faces cachées quand même. Deux forces miroirs. Je vois pas, mais ouais. Ok. Apparemment, je peux pas faire longueur sur mais... Oh, attends, faut que je vérifie ton piège, ils ont peut-être raison. Alors, est-ce que ton piège s'invoque? Ah oui, ton piège, est-ce qu'il s'invoque en monstre effet? Bonne remarque du chat. Putain. Vous êtes les boss! Les gars, arrêtez! Judge! Laissez-moi gagner, s'il vous plaît! Judge! Je vais afficher la carte, ça va me permettre d'expliquer une autre règle. Vous voyez qu'il demande de plus monstre effet. C'est comme un monstre normal, ça marche pas, ok. Ça veut dire qu'il faut que des monstres à effet. Voilà, mais c'est deux monstres plus. Et vu que c'est un Link 3, en l'occurrence, qu'a fait la main. Attends. Voilà, c'est attends, bon. J'explique vite fait pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. J'ai un Link 3, et en fait, ce que tu voulais faire, c'est utiliser un monstre et un monstre de Link 2, donc minimum deux monstres, et t'arrivais quand même au Link 3. Le problème, c'est que tu n'avais pas que des monstres à effet, donc ça ne marche pas. Mais tu sais, ça m'arrive au championnat de France, jamais je relis sa carte. Ça passe tous les jours, hein. Je suis en mode bah, ok. Je voulais la faire à l'envers à Zoom, mais. Il y a des gens derrière lui. C'est ça qu'il faut vraiment être. En fait. C'est même pas la connaissance de ton deck qui te fait gagner ou perdre, c'est genre tu peux presque dire ah mais t'as misplay là et hop je prends la win. Quel enfer. Bah du coup vas-y. C'est pas du tout comme Alors du coup elle a l'effet rapide de renvoyer un pour poser une carte du deck. D'accord, et ça? Ça n'a pas d'effet, c'est juste quand j'invoque une X6 dans une zone pointée, je peux détruire une de tes cartes en ciblant. Ok. Allez Zulu. Ouais, maintenant il faut que je joue rapidement. Franchement, moi, c'est mon gros problème. Tu slow play un petit peu, je trouve. Moi, c'est mon gros problème. Oh, tu sais, Zulu joue sans faire des règles de règles. Hein. Comment? Exactement. Alors, je vais. Pauvre Lama. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer Harpie Harpiste. Ok. Ok, à la 1700. Alors, rappelle-moi l'effet. Elle a deux effets. Un à l'invocation que je vais pas activer. Ok. Qui permet de renvoyer un monstre bête-télé de mon côté et un monstre à toi dans la main. Et un autre durant la une phase, quand cette carte est envoyée au cimetière, quand elle est au cimetière et qu'elle a été envoyée ce tour, vous pouvez ajouter un monstre. Je peux tuto une harpie à 1500. Ok, ça marche. Je peux tuto une harpie à 1500. Très bien. T'es sûr de toi? Ouais, je suis sûr. I am very sure. Ah, je peux jouer ça. Je suis désolé, j'ai pas assez practice avec mon deck. Là t'avais quand même 10 minutes pour réfléchir à ton tour. Ouais, t'as 12 minutes. Ouais. Moi j'ai mis 12 minutes. En fait,
si je piochais pas la bonne carte, c'était fin de tour. Ah ouais, donc, ouais. Non. Donc, ouais. Donc c'est pour ça que j'étais en sueur. C'est pour ça que ça a débloqué tout mon tour, quoi. Ah ouais. Ah. Bah, en fait, au début, il a fait ouh, juste parce qu'il avait H en fait. Genre, juste. Non, mais en vrai, contre Orcust, si tu mets H sur Sirène et que le mec a rien pour redémarrer son tour, il termine son tour en fait. C'est vraiment très fort. Si vous pouvez H Sirène, globalement, c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est ce qui permet de lancer les combos. Il fait quoi? Parce qu'il fait quoi lui Parce qu'il permet d'invoquer du deck un chevalier du cauchemar, et c'est grâce à lui que tu vas faire toute la boucle en fait. Ok. Je croyais que c'est le chevalier du cauchemar, moi. Alors, c'était que les monstres liens, mais en fait non. Je vais jouer égotiste élégant. Oui, donc ça permet de spé un monstre, c'est ça? Ça spé un monstre. Ok, très bien. Ça passe? Ouais, ça passe. Ok, c'est bien sûr la carte Speed Duel. Hein. Et oui. En super rare. Oh, wow, wow, wow. Super rare. Speed Duel. Que t'as eu genre 20 fois. Et je vais aller chercher un peu. Ouais, réfléchis pas trop parce que. Damar Pi 1. Ok. Damar Pi 1, 4 étoiles. C'est celle qui booste, c'est ça? C'est celle qui booste. Ok. Alors à l'invocation, je vais faire quelque chose. Ok. Je vais utiliser mon effet rapide Orcust, vu que j'ai le terrain. Ok. De lui. Donc, je vais le bannir pour invoquer spécialement un monstre de mon cimetière. C'est bon? J'invoque lui. Ah ouais, d'accord, ok. Du okay. coup, ouais. Quand lui est invoqué, je peux envoyer une de tes cartes au cimetière. Et lui, quand X6 est invoqué dans sa zone, je peux détruire une de tes cartes. Je vais faire attends, chaîne. Attends. Je vais faire. Attends. Je déclare ma chaîne. Tu attends. Puis-je déclarer ma chaîne? Attends. Parce que là, Zulu, il a rageki en fait. Moi, je vais faire ça. Attends, faut déjà que je déclare mes chaînes. Non, mais sur ton effet. Ah, d'accord. Alors attends. Ouais, d'accord, ça passe. Je pense pas que tu puisses, mais. Attends. Alors, c'est quoi le piège que t'as joué là? Alors, j'ai joué. J'ai joué le piège qui va s'afficher dans un instant. Bah ouais, mais si tu dis qui est le nom, piège Harpy, qui est en fait un entrap si j'ai une dame Harpy sur le terrain. Chiant, si j'ai une carte Harpy sur le terrain. Okay. Et. Alors, t'as le nom pour que Yori puisse. Alors, le nom c'est. Je suis en train de le chercher. Le dragon de compagnie. Ah non, c'est un misprint, non? Le nom. Ouais, le nom c'est un misprint, je crois. C'est Duzan. Bah, en fait, ils ont même réédité la carte avec ce nom-là. Ouais. Aucun sens, parce que le nom de base c'est Harpy Featherstorm. Donc ça devrait être la tempête de plume de Dame Harpy. Alors, ouais. Si vous contrôlez un monstre vent de type bête télé jusqu'à la fin de ce tour, annulez les effets de tous les monstres activés par votre adversaire. Et les effets de monstre, c'est les effets ouais, de bannis bon, dans la main. Ouais, je le trouve pas sur la base de données. En vrai, ça marche parce que je vais cibler. L'effet c'est de cibler, donc je vais le cibler. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir. Ah, si, je l'ai. Donc voilà, et c'est un effet que je peux, c'est une carte que je peux activer depuis la main. D'accord, donc ce tour-ci, tu ne peux activer donc aucun effet. Donc là, il n'a aucun effet, donc c'est pas mal. Un petit peu gênant. Bah, en fait, il peut les activer, mais ils seront annulés. Ouais, c'est ça. Donc tu peux les activer pour par exemple faire un coup, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Ouais. Et ça ne concerne que les effets activés, pas les effets continus. Ouais, bah, il est normal. Oh là, je sais pas quoi faire avec ta merde là. Fais quelque chose. Wow, tu te calmes. Il te reste minutes, 5 minutes. 40 là. Minutes, normalement, c'est pour le BO3. Ouais, c'est ça. Mais là, ça va faire une game. Hein. Ah ouais. Non, ça fait. Mais au championnat 3, c'est 40 minutes pour un BO3. Ouais, c'est ça. Putain, mais c'est dur de finir, quoi. Bah, si tu connais pas bien ton deck, c'est compliqué. Non, mais même si tu connais bien ton deck, ce que je veux dire, c'est que ça peut. Si tu connais, ça se fait. Crois-moi, ça se fait. Si tu joues. Si les deux ont des tours qui durent 15 minutes. Je vais 7 ça. Ouais. Je vais invoquer en X6 mon. Dragon Eternal. Ok. Je vais activer son effet, je vais détacher un. Pour péter une MP. Pour péter ça. Cela, ok. Ah oui, du coup, j'en profite, j'ai pas trop parlé, mais l'invocation ouais. X6, donc en fait, vous prenez deux monstres à deux ou plus, hein, selon les matériaux requis, en fait, vous les superposez sous le monstre X6. D'accord. Et après, vous invoquez ce nom. Et ça devient des espèces de munitions pour son effet, en gros. Je vais. Tu vas cibler ta carte, je vais activer mon épée, ouais. Qui permet d'annuler l'effet de ton monstre. Et il pourra pas ni attaquer ni être attaqué tant qu'elle est là. Et il aura plus d'effet. Bah va te faire foutre. J'ai quand même détaché ou pas? Ah bien sûr. Ok. Par contre, oui, les pour faire un X6, c'est forcément deux monstres du terrain. Ouais, c'est forcément ouais. Deux c'est monstres sur du terrain. Terrain oui. Donc c'est comme les liens. Plus d'ailleurs, ça dépend des matériels. Il y en a qui demandent deux, il y en a qui demandent trois. Sauf exception comme celle-là par exemple. Oui, non mais d'accord. Ouais, parce que lui, c'est te permet. C'est jamais de la main quoi. Non. Ok. Du coup, et juste ouais. Zulu, une petite astuce, essaye quand même de laisser ton matériel restant apparent. D'accord. Ouais, pour que. C'est plus pratique pour les deux joueurs. Ouais, surtout moi ça me saoule en fait de pas okay. voir. Donc j'ai détaché et.
Si je relis bien ma carte, durant la end phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée ce tour, vous pouvez ajouter un monstre de type bête ailée. Donc à la end phase, j'active son effet. Vas-y. Ça te va ? Je t'en prie. Ok, et je vais chercher un monstre harpie en 1500 au moins. Et je vais chercher harpie Chandler. Toujours en end phase, moi aussi je vais activer un effet. Ok. Je vais faire l'effet de Galatea. Je vais renvoyer la harpe. Ah, t'es toujours en. Attends. T'es toujours sous l'effet de le petit piège de Zou, du coup. Ah ouais, pardon. Ah non, tu veux faire le coup ? Tu veux faire le coup peut-être ? Je peux faire le coup, ouais. J'avais oublié tu l'effet peux activer de. L'effet. Moi je la renvoie dans le deck. Ok. Ouais. J'avais oublié qu'il y avait le. Et j'en profite pour préciser que sous l'épée, alors c'est l'épée brouillard parce que c'est Fuckblade en anglais. Vu que ton monstre peut pas être attaqué, ça ne veut pas dire que la map peut attaquer direct. Non, non, je peux pas attaquer ouais. Du tout, du coup. Voilà. D'accord. Ok. C'est bon, c'est à moi ? Ouais. Très bien. Ok, je vais piocher ça. Oh, intéressant. C'est un petit peu chiant ça. Je peux plus activer ces effets ? Non. Ah oui, c'est chiant. Bah, on me dit renvoyer dans le deck, c'est pas le coup, alors attends. Ah, ah effectivement. Peut-être ciblé. My bad, c'est ma faute, ça, je peux pas. Excusez-moi. Ok, je pouvais pas. Oh la main en PLS quoi. Ah, je joue le deck depuis c'est deux ma faute jours, là, pour le coup. C'est pas grave, bro, t'inquiète. C'est une préparation au championnat de France, c'est un entraînement. C'est ma faute, j'aurais dû vérifier. Y'a pas de soucis, Yori. Alors, du coup, je vais. Ça me dégoûte tout ce qui se passe là. Ça me dégoûte. On me demande pourquoi le X6 est en zone extra. C'est parce que t'as parlé des zones IA, mais en fait, les zones extra, c'est vraiment pour l'extra deck. Donc, même si un monstre fusion dégueulasse. Deck, il va en zone extra. C'est. Y'a pas une zone réservée au monstre lié. Mais là, actuellement, par exemple, Zulu ne pourrait pas invoquer de monstre puis l'extra deck. Il n'a aucune zone disponible pour ça. Donc, je vais. C'est pour ça que. Enfin, c'est trop relou. En fait, quand tu mets un X6 dans la zone extra, tu bloques la zone quoi. Même si j'utilise mon X6 pour invoquer un lien. Si t'as le droit. Alors tu peux, puisque ça va libérer la zone. D'accord, ok. Ok, du coup, je vais tout simplement refaire un Dinger Super dessus. D'accord. Ce qui va me permettre d'activer l'effet de Bardish et l'effet de Dinger Sous. Donc avec Bardish, je vais te détruire ton magie piège. Et avec Dinger Sous, je vais t'envoyer au cimetière le. D'accord. Dragon. Tu détruis mon sinistérique. Ah bah oui, je suis con. T'as vu, j'ai voulu le détruire quand même. Tu l'as vu la main. Oui. Écoute, je suis sympa, t'as vu. C'est alors il est trop concentré sur ses cartes. Oui, alors qu'en plus Dingirsu, il envoie au cimetière. J'aurais pu faire l'inverse, mais non. Ouais. C'est pas grave. D'ailleurs, vu que ça ne cible pas, et d'ailleurs, j'en profite pour profiter. Vu que ça ne cible pas Dingirsu, tu choisis ton truc à la résolution, donc t'as pas à activer et dire je vais faire ah, ça. C'est vrai. C'est une autre astuce. C'est intéressant. Et du coup, la magie là, qu'est-ce qu'elle fait, Zulu ? Alors, Sinistérique, quand elle est. En fait, elle a deux effets. Soit je peux l'activer normalement, et si je l'active normalement, je peux aller chercher un égotiste élégant de mon deck et le mettre dans ma main. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui permet de tuto, enfin d'invoke spé une harpie. Et c'est une magie continue. Et en fait quand elle est détruite et envoyée au cimetière, à la end phase, je peux aller chercher trois cartes harpies de noms différents et les mettre dans ma main. A savoir que je peux activer qu'un de ces deux effets durant le même tour. Donc je peux pas activer et prendre l'égotiste et la détruire. Normal. Sinon ce serait vraiment très très fort. D'ailleurs, ça s'active juste si elle a été envoyée depuis le terrain au cimetière. Elle n'a même pas besoin d'être détruite, donc ça n'aurait pas changé grand chose au final. D'accord. Ok. Ensuite, du coup, je vais invoquer normalement. C'est la Harp Horror. Ouais. Et. Qu'est-ce que je peux faire quelque chose en plus. Je vais rentrer en battle du coup. Ok. Je vais taper. Première battle phase du duel après 25 minutes. C'est 800 et 1007. Ok, je prends. Donc ça fait un total de 6004 normalement, si je dis pas de bêtises. Moins 6400 points pour Zulu. Putain, dans les duels rétro, à chaque tour il y a des points en moins. Là, c'est. Alors, du coup, je vais pouvoir faire enchaîner sur une link normalement. Ouais. Ça, c'est des monstres à effet, donc cette fois-ci j'ai bien le droit. Je vais faire ça. En régie, allô. Il y a moins 6400. Je vais utiliser l'effet de Harp. Ok, y'a pas de soucis. Pour bannir et invoquer du deck. Et. Du coup, cette fois-ci, donc là, c'est un bal. Et cette fois-ci, je pourrais aussi faire l'autre. Je fais une X6, je déteste un matériel et je t'en fiche 2000. T'as perdu. Et Longyearsu. Et du coup, là, je termine mon tour. Ok. Vas-y. Et elle, c'est si c'est pointé. C'est ça, je peux renvoyer deux machines bannies et je l'envoie au cimetière. Wouah, c'est fort. Ouais. Du coup, elle phase. Je me la remets. C'est ça. Mais c'est, tu peux juste envoyer un monstre lié, donc lié c'est extrêmement vaste. Un monstre lié c'est soit un monstre lien qui pointe un monstre, soit un monstre, lien ou pas, qui est pointé par un monstre lien. Mmh. C'est comme un statut qui lui est offert. Donc vu qu'il y a la flèche, ce sera un monstre qui est ici. Mais ça peut être aussi Zulu qui a des links et qui pointe ses propres monstres et tout. Ouais. Ah ouais, tu peux ajouter le piège avec ça. Hey,
Et oui, et c'est pour ça que c'est pas mal. C'est pour ça que c'est pas mal, mon ami. Est-ce que je la joue en all-in? Non. Est-ce que je te tue sourcil ou pas? Est-ce que je te tue sourcil? Please, no. Non, mais c'est comme si j'avais le choix, tu sais. Écoute. En vrai, ça, c'est, cette carte est vraiment forte, le piège. Je vais tenter ça, mais. Ah non. Eh oui, tu sais ce qui t'attend là, mon ami. Non. On peut là. Je pioche. Ouais, oh, vas-y. Refaise. Vas-y. Terrain de chasse. Ok, je vais réfléchir. Okay, peut-être activer quelque chose. C'est très bien ce que ça veut dire. Le terrain de chasse donc, augmente tous les monstres de type bête ailée de 200. Donc en attaque et en défense. Et s'il y a une dame harpie ou une sœur harpie qui est invoquée, je peux cibler une carte magie ou piège et la détruire. Ok. Sur le terrain. Donc quand tu actives, je vais activer l'effet rapide de la cymbale. À savoir qu'en plus, t'as même pas le choix de l'activer. Hein. Oui, oui, ouais. c'est. Donc ça peut oui. se retourner contre toi. Exactement. Je vais invoquer spécialement lui. Du coup, avec Bardish, je vais détruire ta magie piège. Et avec lui, je vais attacher une carte en Xyz. Voilà. fais le malin toi. Ah ouais, il chebine pas bien quoi. C'est dommage, bah t'as encore ta piège. Ouais. Mais bon, t'avais pas de monstre pour l'activer, c'est dommage. Alors, Harpy Chandler. Comme toutes les cartes Harpy que je vais jouer, elles sont traitées comme dame Harpy. Je peux défausser une carte Harpy de ma main et invoquer une carte Harpy de mon deck. Et si c'est un dragon, elle passe à 7 étoiles. Ok. Ça passe? Ouais, bah tu actives l'effet. Attends, je réfléchis. Donc toi t'as activé quel effet pour détruire ça là? J'ai activé l'effet de réincarner, enfin ramener du cimetière à lui, en bannissant ma cymbale. Et lui quand il arrive il détruit des cartes. Et c'est que quand il arrive? Ouais, là c'est il détruira plus. Ah tu m'embêtes. Ok, je vais activer ça. Je peux l'activer comme ça? Bah c'est l'effet c'est si tu contrôles un monstre blanc, ouais. C'est ça? Donc tu peux. Bon, on va attendre okay. la confirmation. Et du coup, je vais activer l'effet de Harpy Chandler. Donc tu dois te défausser en, oui, en coup, c'est ouais. ça? Coup. Okay. Il faut que tu contrôles un monstre vent bêtelé pour activer la carte. Mais si tu contrôles un Harpy, ça se met du deck, tu ça. Peux ouais. Attends, je vais activer ça. Je vais annuler. Ça va jamais se finir. Bon, si. Moi, je vois la fin arriver. Si, je vois la fin arriver. Bro. Merci. Tu vois la fin? En vrai, après, je peux pas attaquer avec ça, c'est chiant. Bon, ça devrait bien se passer. Ouais, bah, je m'inquiète pas trop pour toi, je te réponds. Je vais 7 ça, mm-hmm. et je vais dire fin de tour. Ok. End phase, j'active l'effet. Vas-y. Attends, tu as une phase, cette carte est dans le cimetière. Ok. Et je vais aller chercher la même. Ouh, attends. Oui, non, si. J'ai peur de tes pièges, là. De mes pièges, j'en ai qu'un, déjà. Ça me fait peur, quand même. C'est un raid qui Non, vraiment. Il me fait trop peur à chaque fois. Ah ouais, mais là, ça va être compliqué. Comment je te termine, en fait? J'ai plus rien. Ah, moi, ok. Ok. Super. Tu parles pour me blabla ou pour me bullshit? Non, mais j'ai vraiment rien, là. Ah si, ça va. Pardon. Donc du coup, je vais utiliser mes deux monstres pour faire un Link 2. Ouais. Link 2. Parce que vu que c'est un Link 3, en fait, comme c'est la maquille... Je vais utiliser l'effet de Phoenix, je défausse une carte. Je cible ta carte magie pour la détruire. Je vais chaîne, mais ça change pas grand-chose. Donc tu annules mon effet, ok. Ouais. Ça marche. Je vais pouvoir... Activer l'effet de cymbale. Ok. Pour ramener Dingirsu. Je vais pouvoir envoyer ton monstre au cimetière. Et je vais rentrer en battle phase.
Gorz. Et c'est la victoire du lapin. Bon, bah il reste 10 minutes, t'as bien joué à toi. Tu vas pouvoir jouer le time maintenant. Pour espérer une petite draw. Non, hein, je rigole. Il reste 10 minutes à peu près. Ah oui, il faut qu'il gagne et après il joue le time. Alors, on va side un petit cowboy. Non. C'est quoi, cowboy? Ça inflige du sang. Ouais. J'espère que je cut pas trop. Si vous voulez, j'explique le principe du side pendant. Vas-y. J'ai pas pris de side moi. C'est pas grave. Vas-y, explique. Oui, mais bon, là-bas en même temps. Bon, alors. Du coup, le side deck, en fait, c'est un deck de 15 cartes que vous avez de côté. Et dans un match, moi, je vais c'est un BO3. C'est le premier qui gagne deux manches qui gagne. Et entre la manche 2 et la manche 2 et la manche 3, s'il y a une manche 3, en fait, vous pouvez interchanger des cartes entre votre main ou extra deck et votre side. Du moment qu'au début, elle a fait. Tu peux te montrer en plus. Et tu ne faut pas montrer. Oui. Et l'idée du coup c'est d'adapter son deck ou son extra, mais c'est souvent le main deck par rapport au deck qu'on affronte. Et aussi si on sait qu'on va commencer ou pas. Puisque c'est celui qui a perdu qui décide qui commence. Tu décides du coup? Ah oui, je joue first. Tu joues first, ça marche. J'ai peur. Et du coup, comme je l'ai dit, dans le side deck on peut mettre de l'extra ou du main deck. Hein. Vas-y. Bonne chance. 3. Ah. Et ça. Ah. Il est incroyable. Il est incroyable. Petite main. Ah. J'ai 3 negates en main. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Sachez qu'en compétitif, faut pas le dire. Hein. C'est. Non, mais... c'est juste la main qui est trop confiante. Oui, c'est poker face, quoi. Eh ben écoute, je vais faire, le pire. Attends. Respecte-moi quand même. Je vais jouer Reine Harpie. Ici. C'est celle qui ajoute le terrain, ouais. Ça. Comment? C'est celle qui ajoute le terrain en défaussant, c'est ça? Exactement, mais je l'invoque. Ouais, du coup. Je vais jouer Reflet. Rappelle-moi. Lorsque. Bah, je me rappelle plus, donc. c'est une magie continue. Attends, je vais mettre mes cartes comme ça. C'est une magie continue. Lorsqu'une dame harpie ou sœur harpie que vous contrôlez est détruite au combat, vous pouvez invoquer spécialement un monstre harpie depuis votre deck de nom d'origine différent du monstre détruit. Si cette carte que vous contrôlez est détruite par l'effet d'une carte de votre adversaire, ciblez un monstre harpie dans votre cimetière et invoquez-le. Vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Quand elle est détruite. C'est quand cette carte est détruite. Ok, ça marche. Ok, je vais set ça et je vais dire fin de tour. Fin de tour, vraiment, très bien. Alors, je vais jouer assez rapidement. Oh, il reste okay, combien de temps? Décide-toi bien parce que je vais jouer ça. Ah, bon. Ok, je vais poser un monstre, du coup. Je vais poser deux. Et je termine à toi. Okay. Ouais, d'accord que j'aurais dû attendre que tu invoques. Potentiellement, ça dépend, ouais. Ça aurait été bien de me surprendre un peu plus, quoi. Ouais, c'est ouais, pas grave. Ouais. Non, mais tu vois, je demande parce que je suis pas encore un très bon joueur, quoi. Mais... MDR, zéro fun, Zulu. Donc je pioche. Je pioche. Je vais dire battle. Battle. Ok. Ça passe, tu détruis mon monstre. Il a pas d'effet. Enfin, okay. Pas au cimetière. Mais une phase 2, je cède ça et j'y fin de tour. Ok, t'as une carte en main, c'est ça? Yes. Ok, alors je vais pouvoir. Elle est petite, elle est rouge. Quoi? Et elle parle de quoi au juste? La carte. Ah d'accord. J'étais pas sûr. Je veux me la balle, mais sérieux. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui va faire la blague dans le chat, mais. Plateau, on en est là. J'invoque normalement un Neospace. Il me permet quand il est invoqué d'invoquer spécialement un Neospatien du deck. Est-ce que ça passe? T'as envie que ça passe pas? Est-ce que tu sais ce que fait Dauphin, le Neospatien? Oui, il permet de défausser des trucs de ta main. Mec Dauphin! Non vas-y, je vais faire ça. Non mais tu joues vraiment des Neospatiens là? Oui. Ok. Ok. Bah c'est stylé. Donc in fine on est d'accord que ce tour tu peux pas activer... Les cartes de colonne, ça annule tous les effets dans la colonne ce tour-ci. Ok. Alors attends, je vais juste regarder un truc. Ouais, c'est bon. Alors du coup, je vais poser cette carte et je vais pouvoir l'activer directement vu que je contrôle pas de piège au cimetière. Ou ça, c'est pété ça. Et je vais pouvoir faire une ligne 2. Et je vais pouvoir faire Phoenix. Ok. Je vais pouvoir défausser une carte pour péter ta magie piège. Me dis pas que c'est sinistérique. Toi, t'es vraiment un fou hein.
contre Harpy, tu pètes les MP. Ah, moi je m'en fous. Toi, t'es vraiment un dingue. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Yes. Et 90 balles qui partent au cimetière. Du coup, je vais pouvoir démarrer mon combo. Oh, pardon. Démarrer mon combo. Oh, voilà. La mobilette est lancée. Bon, je vais essayer d'aller assez vite. Donc, je vais faire l'effet pour défausser pour invoquer ce P du deck. Je vais faire assez vite pour te donner. Quoi? Oh putain. Enfin, franchement, j'ai pas bien entendu. Franchement, j'ai pas entendu. Non, mais ah, c'est tellement de la merde, l'entrap. Tu vas faire merde. Quoi? C'est chiant. C'est pas grave, j'ai des monstres au cimetière. Bon, je vais faire lui. Je fais le combo assez vite parce qu'on a plus beaucoup de temps. Donc c'est comme tout à l'heure, là je vais bannir cette carte pour invoquer ce P du deck. Ça va me permettre de faire une ligne 2. Ça va me permettre de faire Galatea. Je vais bannir lui pour mettre la cymbale. En vrai c'est un petit peu compliqué. Bah ouais. Le baisse gros, j'ai 1009. Je vais bannir la baguette pour ramener... Oh. En vrai, Zulu, ta deuxième infinite, t'aurais dû la mettre en face de l'autre zone extra. Ouais. De l'autre comme zone ça, extra de la... Bah oui, parce que comme ça, on les... t'as ton piège, tu l'avais même mis dans la zone la plus à ta gauche. Je vais faire en fait, tu la mets. Ma première infinite, je l'ai posée là. Ouais. La deuxième, je l'ai posée là. T'aurais dû la mettre là. Bah c'est ça. Pour ça. Dans une zone extra. Parce pourquoi que en fait. Bah non, attends, quoique, non, bah, je suis ça, con. C'est ça, ça affecte si... les. Ça affecte les MP. Ouais, ça affecte les magies pièges. Ouais, non, je confonds que. Je me disais. réponds pas. C'est mieux. Non, je sais pas lire, c'est tout. Je me dépêche, hein, je joue. Vas-y. Voilà. Mais gros, prends ton time. Hein. T'as rajouté 3 cartes dans tes manches. Oui, exactement. Non, donc je vais poser ça. Je vais invoquer lui spécialement. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Plus grand chose. Comment j'ai pu perdre avec mon piège, 2 infinis et une hache? Je suis vraiment nul. Quel bâtard. Je vais faire l'effet de Galatea pour pouvoir poser le terrain. Ok. Mais on est d'accord que ma piège harpie au tour 1 là, j'aurais vraiment dû attendre que tu. Bah ouais, et en plus t'avais pas de comme tu es derrière en fait, donc c'est dommage au final. Bah, ça tu c'est mon deck qui pue c'est mort hein. Ouais. Quel enfoiré. Je vais pouvoir faire Dingirsu. Donc je vais envoyer celui-là au cimetière et je vais détruire celui-là. D'accord. T'envoies ça au cimetière. Ça, ça fait quoi ça. Quand c'est détruit ça du coup, je réinvoque. Ah, quand c'est détruit, ça réinvoque. Ouais. Ok. Tu veux peut-être inverser. Non, c'est bon, t'inquiète. J'aurais dû. Ça va tellement les couilles. J'aurais dû demander avant. Non. Oh, c'est beau. Okay. Du coup, je vais taper. Je vais 2006, pas 2100 là. Ouais. Et 2006 dans la tête. Gros, je t'avoue, je suis pas bien. Et je vais finir le tour. T'es sûr. Je vais finir le tour avec ça. Et lui qui va me permettre d'avoir une négate en plus. Donc globalement, je t'explique. Je t'explique très rapidement. J'ai 4 négates face cachée. C'est vrai? Oui. Quel beau gosse! 4 négates. Quel énorme boss! Mais sauf que toi, t'as une négate de négate. Bon. Bah écoute, je pioche. Bonne chance. Et bah, je suis très heureux. Voilà. Fin de tour. À moi? Je suis très heureux. Boss. Ouais. Du coup. Combien t'as écrit? De toute façon, j'ai dit que s'il me battait, je leur invitais plus, donc... Ah non. Je suis confiant sur mes chances de victoire. Oh, oh là là, j'abandonne. Bon bah, je vais arrêter là. Hein. Je vais refaire lui pour spé du deck. Yes. Et après, je vais rentrer en battle phase. Non mais bon. Voilà. T'as gagné, bien joué à toi, Lama. Tu m'as 2-0, tel un boss. J'ai pas été au niveau, va falloir encore que je traîne. Hein, pour. Honnêtement, t'as mis les haches au bon moment. Sur Sirène, c'était très bien. Bon. Ah, c'était Sirène. J'avais bah, t'as, ouais, t'as fait sur Sirène. C'est celle qui permet de... C'est laquelle? Sirène, c'est, c'est ça là. C'est la, voilà. La sirène. Voilà. Okay. C'est la Link 1. Bah écoute, très bien. Merci à toi, Lama. Tu m'as défoncé. Bon, c'était serré la game. Après, c'était pas bien. Hein. Ouais. Si je peux défendre Zulu vite fait, on est quand même sur un deck très méta contre un deck qui ne l'est pas du tout. Ouais. Pas du tout. Voilà, c'est. Ouais. T'es gentil. C'est pas méta. Il est presque méta. T'inquiète pas. Il est pas que... Non, le deck est pas mauvais, mais c'est juste que c'est pas méta, quoi. C'est pas dans la même ligue, quoi. Non, mais de toute façon, même si tu joues un deck compétitif, t'as le droit de te faire 2-0 aussi, hein. Je veux dire, c'est. Mais honnêtement, la première, j'ai très mal joué, mais c'était serré, hein. Bah ouais, j'ai dit que j'avais raté. De toute façon, la première, en vrai, tu l'as perdu, hein. T'as défouine 2 fois, là. C'est ça. C'est vrai, on oublie trop de fois ça. On rappelle que Zulu, t'as 2-0 dans ton premier tour, vu que t'as 2 game loss.
C'est vrai. C'est vrai. Donc j'ai perdu. Bien joué. C'est bien cool. La mat, de toute façon, on te reverra ce soir. Je vais aller chercher Doc Seven et ouais, un petit aperçu. Oh, regardez. T'as tryhard. Attends, c'est pas Max qui traîne avec son deck. Attends, mais vite, Reed va chercher Doc Seven, vite. Ça tryhard. Parce qu'ils vont rejouer là. Comment? Ils vont jouer là, donc va chercher. Ah ouais, ouais. Doc et Samir. Tu sens le mec. Vous venez. Ça, c'est du c'est professionnalisme. Trop mal préparé, c'est... Ça, c'est du professionnalisme. Alors, je vais récupérer mon deck. Hop là. Xari, t'en as pensé quoi de ce duel? J'ai pas compris. J'avoue que j'ai plus compris le deck de Lama que le tien après. Sérieux? Parce qu'en fait, toi, t'as joué 3 cartes, j'ai l'impression. Alors que lui, il en a joué 27. Je t'avoue, j'ai pas trop pu m'expandre parce qu'à chaque fois que j'activais l'effet de ma carte maîtresse, qui est la Major Party, Danigate. Et c'est de là que je développe mon jeu. Alors, on va vous équiper en micro, les gars, ça arrive. Alors, Doc Seven qui lui joue le deck le plus pété de la méta, on est d'accord? Écoute, non. C'est vrai que Doc joue à mon deck. Par contre, je vais vite changer mes pochettes parce que je confonds les cartes de mon extra. C'est pour ça que t'avais tout le temps les pièges, t'as marqué tes pochettes. Exactement. Un petit coup d'ombre. Il y avait les haches aussi. C'est pour ça. Moi en fait, dans mon deck, il n'y a pas d'end trap, je suis dans la merde. Ah ouais? Non, en vrai, c'est pas grave, c'est marrant. Mon deck est marrant, mais il est nul, je pense. Mais c'est marrant. Bon, en tout cas, écoutez, moi je suis très content de voir que vous êtes aussi nombreux pour du Yu-Gi-Oh! Compétitif. C'est une première pour nous, donc voilà, c'est un test. Je suis très content de voir que vous êtes présents. Et en plus, voilà, moi je passe un bon moment. Ça ne s'arrête pas là, hein. On a encore 3 heures de programme pour vous, 3 heures de duel. Et duels, des belles personnes à découvrir, de duel. Non, ça va aller. Hop là. Alors, ils vont venir s'installer. Ils vont venir s'installer, n'hésitez pas à nous faire vos retours si vous regardez ça sur YouTube. Et Doc qui va s'installer. Ça va Doc, ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu dans Club Yu-Gi-Oh! Ouais. Très content. Et Samir, vas-y, installe-toi Samir. Alors on a Doc et Samir qui sont qui nous font l'honneur voilà, d'être ici avec nous pour Club Yu-Gi-Oh! Donc Doc, on t'a déjà vu, mais Samir, tu es nouvelle tête pour les viewers de Club Yu-Gi-Oh! Oui. Mais il y a peut-être certains joueurs compétitifs qui t'ont reconnu. Tes joueurs Yu-Gi-Oh! Depuis combien de temps, Samir? Depuis hier. 8 ans. 8 ans, ah ouais, pas mal. 8 ans, tu connais du coup très très bien le jeu. T'as même participé au championnat du monde, oui. C'était en 2016. Oui, c'est ça. 2016, t'as fait 11e. Ouais. Pas mal, belle perf quand même. Bon, bien sûr, non mais quand t'y vas, tu essaies de faire mieux que 11ème. Mais déjà y aller. Qui 11ème ici, déjà y aller. Qui ici peut. Ah, j'étais quand même 2ème avec ma médaille là, à la LAN, à Catalan. Mais Zulu qui parle mal à notre invité, c'est terrible. De quoi? Ouais, j'avoue. Je t'ai mal parlé et j'en suis désolé. Non. Ouais, bon, t'as le championnat de France, mais bon, on peut mieux faire. Hein. N'importe quoi. Non. T'as d'autres titres, Samir? Bah, j'étais champion d'Europe à Yu-Gi-Oh! Bah, en 2000. Juste ça. Pas fou. Après, j'ai quelques tops en Major Event à Yu-Gi-Oh! Ouais, genre des YCS? Oui, j'ai top. C'est quoi ton meilleur top en YCS? C'est top 16. Top 16? C'est à Milan. Ok. Au YCS de 1700 joueurs, je crois, de mort, ou 1900, je sais plus. Je crois 1900. Ok, t'as fait top 16, on t'a pas mal. Et aujourd'hui, tu vas donc affronter Doc. Doc qui a prévu un petit deck bien méta. Un petit deck Salamangreat. Oh là là, il l'annonce, il le colle. Il sait déjà ce que tu vas jouer, Doc? Celui-là, non. Ah, c'est la surprise. Écoute, garde la surprise. Moi, je reste là, je suis avec vous et je vous souhaite simplement un bon match. On fait quoi? On fait un match de 40 minutes comme au championnat de France? Ah bah moi je vais stall hein. Moi dès qu'il y a 1-0 je joue au time hein. Toi aussi? Franchement ça c'est bon. Toi aussi. J'ai une carte en main là, je sais pas si je la pose. Ouais, je sais pas trop quoi faire. C'est fin de tu stall, tu invoques Perrault et tu gagnes. C'est ça. C'est-à-dire Mystic Mine. Il est là fin ou pas? Tour canon ondulatoire. Il est là Perrault. C'est quoi Perrault? Alors Perrault, qu'est-ce que ça fait pour? Alors Perrault, c'est une carte que tu joues. C'est toujours là pour résumer? Pardon, excusez-moi les gars. C'est une carte que tu side parce que elle te fait gagner des points de vie. Ou perdre, non, c'est elle te fait gagner des points de vie. Ouais. Tout simplement, tu gagnes 2000 points de vie, donc si tu sais qu'il te reste 2 minutes à jouer, tu fais oui, je l'invoque, je gagne 2000 points de vie, c'est la fin du temps, j'ai gagné. Ah, okay. Sachant que tu peux le sortir depuis le deck avec. Ah oui, non, mais t'as tout un combo pour l'amener facilement, ouais. Ah ouais. Salamangreat. Ouais, c'est encore plus efficace que Cowboy, quoi, limite. C'est quoi Cowboy? Cowboy, c'est Cowboy Gagaga. Ah oui, oui. C'est un ouais. X6-4, tu détaches 1 et tu fais perdre 800 à ton adversaire. Tiens, et tu fais time. Une carte pour ton deck. C'est quoi? Non, mais c'est de la merde. Il je joue pas, là. Écoutez, messieurs, je vous propose de lancer le duel. Et je lance le time dans 3, 2,
1. Tu ne piocheras pas cette carte. C'est quoi? Tu piocheras pas celle-là. Non. Le plus grand. Vas-y, hein. Le plus grand commence. Je t'ai peinté, je savais qu'il avait fait ça. Je ne prendrai pas la lumière, je prends le divan. Oh bah bravo. J'ai fait divan, hein. Écoute, je vais commencer du coup. Vas-y. Alors, je suis curieux de savoir ce que va nous jouer Samir. Mais en fait, il joue un archétype que je ne connais pas, donc tu vas devoir nous expliquer souvent. Parce que là, on dirait vraiment que t'es si tu gagnes bolos, Samir, je te paye ton tacos la prochaine fois, je sais pas si tu le connais. Ah, parfait. J'attends que ça. Oui, pas tacos VG. Alors, je vois des sleeves Asia Championship Winter 2018. C'est des achetés ou tu les as récupérés en tournoi? Ça, c'est un ami qui me les a passés. Enfin, j'en ai d'autres, c'est celle de 2016, les World, justement. Ah bah, oui, j'en ai d'autres, bah, je vous montrerai. Forcément, après, forcément. Si vous voulez. Alors, Doc. Norman Summon. Paro. Buffalo. Le buffleur de flamme. Tu es trop. Faut expliquer tous les coups, ouais, bah, comment on fait. Alors, le buffleur. S'il quitte le terrain. Hein. Le buffle. Bah, avec c'est buffleur. Il y a marqué buffleur. C'est vrai, hein. Si j'étais buffleur. S'il quitte le terrain, je peux défausser un monstre Cybers pour piocher deux cartes. Waouh. Je vais faire une invocation. Lire. Link. Ouais, t'as pas qu'il tout va bien. Oui, bien sûr. Effet de buffleur. C'est le pire des coups, hein. Vraiment, vous allez me détester pour faire ça, mais bon, je défausse. Normalement, Doc. Pour piocher deux cartes. C'est pas. Il faut que tu déclares tes chaînes et ah oui, je me permets. Oh yo yo yo. Ça y est, ça devient technique là. Excuse-moi. C'est en fait, tu dois déclarer tes chaînes et en fait, c'est pas un coup, mais un effet. D'accord. Du coup, mais je pourrais chaîner quoi à ça de toute façon? Ah non, c'est ah, le tien. Ah oui, ça, c'est ouais. Ça, ouais. D'accord. C'est donc en fait, c'est 1 et 2. C'est ça. Oui, bah oui, je préfère aller chercher le terrain plutôt que de piocher, ouais. Enfin, c'est plutôt 1 et 2, comme ça. Si tu veux d'abord chercher le terrain. Ah oui, 1 et 2, c'est vrai que c'est d'abord 2 en premier. Merci. Putain, c'est bien d'avoir un prof quand même. Là, t'as défaussé quoi? Pourquoi tu disais que c'était pas bon? J'ai défaussé Gazelle parce que Gazelle, tu veux l'aspect en fait. Mais j'ai pas d'autres monstres en main. Je suis obligé. Donc là, t'as défaussé un monstre qui est genre ultra fort. Ouais, mais je vais le récupérer, t'inquiète pas. Ok, bah si tu le dis. Donc là, pour ceux qui n'ont pas compris, un Doc. C'est en main ou c'est. C'est en main. C'est en main. Doc joue à un deck Salamandre Grande, qui est un des decks que vous allez voir au championnat de France si vous venez. Ça, c'est donc, c'est deuxième, on pioche deux. Le plus budget. Comment? Le plus budget. Le plus budget, ouais. Ouais, c'est quoi? T'achètes 3 decks de structure et tu peux quasiment jouer avec. Ouais, c'est ça. C'est ça. On joue le terrain. Et on joue la volonté de la Salamandre Grande. Bon, alors elle a plein d'effets. Celui qui nous intéresse, c'est qu'une fois par tour, je peux spé, soit de ma main, soit du cimetière, un monstre Salamandre Grande. Tout simplement. Mais je vais pas le faire. Et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Mais alors lequel? Si, on va spé depuis la main. Le renard. Yes. T'as pas l'air de confirmer. J'aime pas, j'attends son regard à chaque fois pour voir si j'ai fait des bêtises. On sait pas encore ce qu'il joue, hein. Hey. On va lien 2. Allez, c'est parti. Aya. On lien 2. À partir de là, je sais plus trop quoi faire. bon, dans mon combo, je suis un peu. Bon. Oh. En vrai, c'est pas mal. Si, bah là, normalement, je dois le. Ah, il fait quoi? Je te laisse réfléchir tranquillement. Il fait quoi? Mais c'est qui? T'as des bons trucs à faire. Alors, lui, s'il y a un monstre qui est invoqué spé dans une des zones pointées, donc ce qui est intéressant, c'est aussi que l'adversaire, ça compte, et c'est souvent les gars se trompent et invoquent là. Ben moi, ça me gagne, je peux récupérer un monstre depuis mon cimetière dans ma main. Très fort. Son deuxième effet, une fois qu'il est réincarné, je vais devoir expliquer ce que c'est réincarné. Explique-nous ce que c'est réincarné, s'il te plaît, Samir. t'expliquera beaucoup mieux que moi. C'est grâce au terrain. Voilà. D'accord. Merci. Ah, tu veux dire quand on le réinvoque par lien? Bah c'est pas ça, c'est pas lien réincarné que ça s'appelle? Oui. Alors en fait dans l'animé, alors je vous explique. En fait dans l'animé ça s'appelle l'invocation lien réincarné. Il s'appelle ça comme ça. Ah d'accord, ça marche. Ah c'est pour ça que. Bah, c'est... Okay. En fait. Parce que littéralement tu réincarnes ton monstre. Ouais, techniquement oui, c'est vrai. Je savais pas, je suis pas le dernier. Tu utilises une copie de lui-même pour en invoquer un autre en fait. C'est ça. Ce qui ignore une condition basique de ces monstres, puisqu'ils montent tous minimum de monstres, mais avec le terrain, tu peux le faire qu'avec un seul monstre. Du même nom. Donc une fois par tour, en fait, je peux dire, eh ben tiens, le loup du soleil, je le dégage pour ramener un deuxième loup du soleil. Le loup du soleil. Et grâce à ça, il y a son deuxième effet qui apparaît, c'est que quand il est réincarné, je me souviens plus trop exactement. C'est qu'il récupère une magie piège Salamandre Grande. C'est ça. Il récupère que tu n'as pas que j'ai pas. Donc en fait, je le réincarne pas. Exactement. Yes. Et je suis un peu bloqué en fait déjà. Non, il y a un truc à faire. Ah mais si, il y a lui. Je peux le rechercher. Le renard. Oui. J'ai oublié ce combo. Alors le renard. Quand elle est au cimetière,
je découvre le deck. Imagine, les gars, je l'ai depuis une semaine. Plein match. Oh non, mais là, je peux faire ça. Si cette carte est dans le cimetière et qu'une magie piège face recto est sur le terrain, je peux défausser une carte salamandre grande et invoquer spécialement cette carte. C'est trop fort. Et ben, on va activer son effet. Ouais. On cible ça, on s'en fout. Oui. Que tu ne détruiras pas au final. On dégage là, sa l'autre volonté. Yep. On l'invoque là sur la petite zone. Oh, comme ça, on peut récupérer dans la main la gazelle. Ouf, heureusement, tu l'avais défaussé. Ensuite, Melrodin. Ce qu'on va faire, c'est. On va réincarner. C'est bien ça. Hein. Oui. On réincarne le loup. Ah, attention, vu qu'un monstre salamandre grande a été envoyé au cimetière. Chain. Ah. Non, non, on me dit pas. Ah, dans mon combo, non, je me suis trompé. Je te conseille de lire le loup du soleil sur la carte que tu récupères. Il est sympathique, hein. Il te dit pas. Oui, c'est une magie. Grosse merde, tu te trompes. Non, non, c'est pas ça. C'est pas pour. C'est pour l'effet de. Ta. Vous mais pouvez... le reste de ce tour, vous ne pouvez ni invoquer posé normalement, ni invoquer spécialement de monstres du même nom ajouté. Quel enfer. Ah ouais, donc je le réincarne pas en fait. Oh le nul. Donc je le réincarne pas. Pourquoi tu me dis que je dois le réincarner? Ça sert à rien. Il l'a pas dit. Il l'a pas dit? Non, il a rien dit. Ah yes, ok. yes. Ok, yes. Samir, t'es vraiment trop gentil. Merci. Crois-moi que. En ronde, un maximum de pouces bleus. En ronde, ce sera juste une défouine. Ah du coup je sais pas pourquoi je l'ai ramené lui en fait. Parce que je peux pas faire ma. Je peux rien faire. Après tu peux le ramener et dire fin de tour. Je peux le ramener et dire fin de tour ou faire Hitléo, mais ça sert à rien là de faire Hitléo, je peux pas faire ma X's. Je peux rien faire. Tu ferais quoi là à ma place? Là tu t'es bloqué. Je me suis bloqué, on est d'accord. Oui, sauf si t'as le petit niveau 3 en bas. Eh non. Fin de tour. Oh, il se fout de ta gueule. T'as voilà. L'adversaire qui se fout de ta gueule, ça fait mal. Hein. Alors qu'est-ce qu'il nous fait? Allons pauvre ce fiasco quoi. Tu veux pas jouer genre Greg Bajou plutôt? T'en bats. Ah, quel enfer. Manfay. C'est de la préparation, c'est de l'entraînement. Ah oui. En vrai, moi si je tombe contre Greg Bajou, j'ai perdu moi. Manfay. T'es pas obligé de te concentrer contre moi. Hein. Oui, bien sûr. C'est j'ai un truc normalement. Ray. Ah le bâtard. Hey, c'est SS. Tu joues SS? Ouais. Je croyais que t'allais jouer l'autre. Ok. Ah ouais, j'ai pas du tout prévu contre SS, mais j'ai pas prévu contre SS. Ray, si je te fais genre un Veiler, je pourrais quand même chaîner l'effet de tribute, ou sinon même, je peux tout simplement faire une c'est link, bien ça. Tu vois, à l'ancienne. Très bien. Mais à j'ai l'ancienne. Pas Veiler, hein, c'est juste au cas où. Hein, oui, c'est pas qu'à l'ancienne. Hop, je l'envoie au cimetière. Je vais invoquer Ayate. Il fait quoi, Ayate? Quand elle inflige des dommages, je peux envoyer une carte magie piège, à ceux de l'air au cimetière et elle peut attaquer directement selon le deuxième effet. Ok. Elle a 1500. Ok. Elle a 1500, elle peut m'attaquer directement. Normal, ouais, Yu-Gi-Oh! 2018. Il y avait les ghouls. Il y avait Jinzo 7. Il y avait Jinzo 7, tous ces trucs là, mais eux ils avaient 500 d'attaque. Ouais, voilà, c'est ça. C'était moins dangereux. 700 au max, non? 700, oui, c'est vrai qu'il y avait 700. Ah, je crois qu'il y en avait, elle était un peu plus costaud, il avait genre 700. Mais je me souviens plus c'est lequel. Ouais. Est-ce que c'est son effet de pouvoir attaquer directement? Oui, ça part de ses effets. C'est ça. Si tu l'annules, exemple. Mais... T'en joues combien d'Ayaté dans ton deck? Genre 3. Mais tu peux en faire qu'une par tour. Ah ouais? On va faire un Veiler dessus alors. J'ai pas trop envie que tu m'attaques en fait. Et que t'ailles chercher ta magie. Autorise-moi à chercher ma magie, s'il te plaît. Non. Il l'a peut-être en main. J'aime bien parce que. T'en joues combien? Ok, bah Veiler alors. ça marche pas. Hein. Il va dire 1, il va faire ok. Bon bah. Je suis pas bien. Doc, il est tellement désespéré, il demande des conseils à son adversaire. Ouais, c'est ça. Il va jouer avec une oreillette au CDF. Ah, je suis pas gentil, c'est bon. Super polymérisation. Quoi? Prends tes monstres, envoie-les au cimetière, s'il te plaît. Mais non. Mais non. Donc, super polymérisation. Alors, ça envoie ou t'as une carte fermée? Non, c'est utilise comme matériel fusion, en fait. Bah, je veux Phalanx dessus. En gros, je. Non, mais j'essaie de. Qui est une carte à laquelle l'adversaire ne peut pas répondre. Oust, Phalanx. Et qui permet d'utiliser des matériels depuis tout le terrain. Salut. Et je trouve qu'il a. Mais bon, mais d'où tu le joues en. Il joue ça juste parce qu'il savait que je jouais. Exactement, je me suis adapté à toi. Lui, il a side de compte, toi. Quoi. Du coup, c'est quoi la fusion là? Dans les méta, ce qui est important de savoir aussi, c'est que si on joue le deck dominant. Il est tout à fait possible d'affronter des gens qui jouent comme Presage et qui ont des cartes adaptées justement. Et faut donc ça c'est quoi? C'est une fusion que ce qui est dans mon deck. Ouais, voilà. Donc il décide de la jouer contre moi. Ouais normal pour utiliser mes sacrifier tes mobs quoi. C'est un peu ça ouais.
Je t'avoue que c'est pas ma version. Moi, je le joue pas personnellement. C'est une carte de méchant. Du coup, je garde la moitié de l'attaque de tes deux monstres. 2008, ça fait 1400. Trop forte, cette fusion. Ça veut dire qu'elle a 4002. Ouais. Yes. Bah, vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Je vais faire une autre invocation, lien. Tu veux pas faire avec elle? Fais-toi une lien 2 avec elle. Non. Shizuku. Alors, tu nous invoques quoi là? J'ai invoqué un assaut de l'air qui dit que tous les monstres de l'adversaire perdent de 100 points d'attaque par magie différente. Et aussi, à la fin du tour, je vais chercher une carte assaut de l'air de mon deck que je n'ai pas au cimetière actuellement. Voilà. Pas mal. Okay. Et du coup, bah, je vais attaquer à 1500. Du haut de ces 1500. Okay. Et je vais attaquer du haut de ces 4800. 200. 200, c'était. Ouais. Battle Fader. Ok, pardon. Ok. Fin de battle. Voilà. Enfin, non, mais je prends. Si c'était si facile que ça, comme moi, avec la main, c'est Raikiki qui en a. Il appelle la police en fait. Donc j'ai 2300, il me reste. Ah. Ouais, ça fait mal hein. Fin de tour. T'as mais le j'ai le droit 4... de poser des cartes face cachée quand même. Hey, c'est une phase. End phase, ouais. Je vais chercher une carte. Et je vais chercher la carte phare du deck. Celle qui fait rager beaucoup de gens. Assaut de l'air. Mobilisation à l'attaque. En gage. Il s'amuse trop avec la nourriture, c'est incroyable quoi. J'ai une question. Vu que t'as un monstre en main là, toutes tes magies que t'aurais pu poser, tu pourras pas les activer? Enfin, les assauts de l'air, oui. Tiens. Comment ça, les assauts de l'air? Enfin, c'est les cartes Sky Striker. En fait, c'est... Oui, 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 mais voilà, genre. Donc là. Ok. Ok. Yes. Ouais. J'ai pas compris mais la question. Mais les cartes là, parce qu'en fait, c'est propre à l'archétype. Tu connais c'est un ça, petit peu. Ouais. C'est en fait, tant que j'ai un monstre en main monster zone, je ne peux plus utiliser les cartes assauts de l'air. C'est ça. Les magies assauts de l'air. Sauf donc là, sa magie, il peut pas la jouer parce que là, il y a un monstre en main monster zone. S'il y avait que en monstre zone extra, c'est bon. Bon, je reviens, moi. Okay. C'est ça. Non, mais c'est important parce que, tu vois, dans un cas où j'ai, par exemple, Typhon, Twin Twister. De toute façon, en end phase, j'aurais pas pu répondre à tous les cas. Non, mais, ouais, ah, mais oui. là, je me dis, bon, est-ce que vraiment, tu vois, si je l'ai, est-ce que je la jette, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord. C'est à moi? Oui, bien sûr. Il va falloir top deck. Lame de carte. Top deck, en même temps t'as 44 gros, t'es pas bien. Yes, j'ai une question. Là, est-ce que j'ai perdu? J'ai une réponse. Je joue Péro. Je gagne 2000 points. Ouais, yes, mais que faire? Comment peux-tu vaincre Salamangrette Violette Chimera? C'est une très bonne question. À savoir qu'elle n'a plus son boost. C'est jusqu'à la fin du tour. Ah ouais? Je précise. Oh, ça va. Elle n'arrive plus qu'à 2800. C'est quand même chiant déjà, 2800. Ouais. T'inquiète pas, elle n'a plus que 500 points de plus de tes points de vie. Est-ce que je peux invoquer avec ça un lien? Il me semble que oui, il n'y a pas de restriction sur les niveaux et les monstres de mémoire. Oui, c'est le premier effet, c'est générique. Ah ouais, c'est générique. Le deuxième effet qui va te demander d'invoquer en défense. Oh, c'est trop fort, c'est ça. Bah, ce qui n'est pas possible. Je fais l'effet. Oui, parce que les monstres rien n'ont pas de défense et n'existent pas en défense. Thunder, c'est le sort, mais ça s'est pris deux banlists inutiles. Je mets ça là. Par contre, c'est pas en extra monster zone, c'est en main monster zone nécessairement. Alors, est-ce que je peux réincarner avec lui-même s'il est pas en extra? Ouais. Ouais, et il passera du coup en extra monster zone là-bas. Voilà. Parce que ton monstre, tu le places depuis le cimetière, pas depuis l'extra monster zone. Tu nous fais une phrase à la Osiris, par contre, si tu le réincarnes. Quel enfer. Sois digne de Takeru. Le perso qui joue ça dans l'animé pour ceux qui. Normal. Ouais. Effet. Alors son effet c'est que je peux regarder les 3 premières cartes du dessus de mon deck et ajouter s'il y en a une Salamangrande. Ce qui fait chier tout le temps au jeu time après tout. J'ai pas oublié hein. Ça passe ou pas? Oui bien sûr. Il s'en fout de toute façon, il va te baiser. Mais c'est gros. Clair. Mais non. On va prendre le cercle hein. Ah. En vrai là j'ai peut-être un petit moyen de remonter là. On va voir. On va. Et calmons-nous. William, calme-toi. Tiens, coupe-moi ça mon ami. Tu vas y retourner de toute façon, très cher. Toi aussi, tu as les techniques de slow play. Alors, peux-tu couper le deck, s'il te plaît? Plaît-il? Du coup, oublie pas, par contre, que tous tes monstres perdront 200 points d'attaque. C'est important. Au cas où, pour toi. Oui. Tu actives le cercle Salamangrette. Donc, je peux ajouter un monstre Salamangrande depuis mon deck à ma main. C'est ça. Tout simplement, on va aller chercher Rouleboule, parce qu'il nous manque un petit peu, hein, ce petit saligo.
C'est quoi que t'allais chercher là? C'est un monstre très intéressant. Je peux par exemple cibler un monstre. Lien ou pas? Non, je peux cibler un monstre face recto sur le terrain. Jusqu'à la fin du tour, le monstre que j'ai ciblé gagne 500 points d'attaque. Et pour ça, pour faire cet effet là, lui je dois le défausser. Et quand il est au cimetière, je peux dire, il faut qu'il y ait un... Si je contrôle un monstre salamandre, je peux dire bonjour, spé, depuis le cimetière. Gros, tu peux le défausser et l'invoque spé direct. Quoi. Je peux le défausser et l'invoque spé direct. Tu as tout à fait raison. Ok, c'est parti mon kiki, salut toi. Évolue. Phelanx, je t'appelle. Je te convoque. Effet. Fais attention, le feu que tu récupéreras, tu ne pourras pas l'utiliser ce tour. Le reste de ce tour. Phelanx, qui retourne. Ensuite, on va faire un truc intéressant. Ah non, Shane. Parce qu'il a été envoyé. Oui, bien sûr, il n'y a pas de... Il y a Gazelle. Il y a Gazelle qui est là. Effet de Gazelle quand elle arrive sur le terrain. Ouais, la PS4 s'est allumée, les gars. On sait pas pourquoi, mais... On jette rugissement. T'as fait quoi là avec le puzzle là? Je l'ai poussé. Fais bien gaffe. Pardon? Fais bien gaffe au puzzle. Fais gaffe toi avec tes pieds là. Hein. Attention. Je suis chez moi en fait. C'est vrai. C'est quoi les decks méta là en ce moment? Genre il y a Salamangrande. Il y a Salamangrande, Pendule, Sky Striker, des variantes de Garde Dragon. Il y a beaucoup de decks en vrai dans la méta. Il y a des variantes Danger, Thunder, Orcust. Tu vois, je t'en ai dit comme 7 différents et la plupart peuvent être splashés dans plein de decks différents. Ok. C'est est-ce qu'il y en a un qui est genre top ou pas? Qui est devant, au-dessus? Ah, il y a aussi Trudraco et Mystic Mind d'ailleurs. Mais en soi, c'est les plus grosses menaces, c'est Mystic Mind actuellement. Salamangrande, Sky Striker, je trouve. Et après, le reste, c'est un peu en dessous, je trouve. Ok. Objectivement. D'ailleurs, tu me confirmeras, Samy, hein, mais en gros, la méta, on l'aborde un peu en deux angles. C'est-à-dire qu'on a vraiment les quelques decks qui sont les tops, et on a les decks qui sont compétitifs, qui peuvent topper et tout, mais qui sont pas généralement la majorité des tops. Il y a un peu deux niveaux, même s'il faut se préparer à tout. Oui, mais Mindera, c'est deux niveaux, comme j'ai dit, en fait, il y a comme beaucoup de decks. Et là, je trouve, il y a plus un objectif de format qui va bien évoluer, je pense. Samy, j'ai une question. Oui, exactement. Bien sûr. Excuse-moi. Est-ce que je peux faire Chaleur Léo avec ces deux-là? Oui. Vu que c'est un 1 et un 2, c'est ça? Oui. Je peux faire un 3. C'est ça. Je sais pas ce que je fais, hein, je tente. Hein. Je sais pas du tout si je fais. Je tente les choses. Non! Invocation lien! Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez cibler une carte dans la zone magie piège de votre adversaire, tu la mélanges dans le deck. Plif, attends, plam, plouf, plif. Tu peux répondre? Tu peux pas répondre. J'active un. Je réponds. J'ai peur, moi je suis un lâche. Et les lâches répondent toujours. J'active super polymérisation. J'active. Appelé par la tombe. Non 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 non. Fais attention à qui tu vas viser hein. Tu peux dire adieu au seul qui a un effet. Quel enfer. Ouais. Mais d'ailleurs ton Chaleur Léo normalement tu actives tu cibles et derrière Samir. Non ça cible pas justement c'est pour ça. Bah c'est pas si ce carte invoquée par lien, vous pouvez cibler une carte. Ici son premier effet ici. Ah ouais oups. Bon bah je me suis fait avoir. C'est pas grave. Bah du coup je vais cibler ça là. Ouais vas-y hein. Je suis con. Je suis con dans ma tête. Parce que bon, du coup, s'il avait ciblé l'autre, il aurait pu en réponse et oui. Il était baisé. Quoi. Tu sais que j'ai cru que là, c'était pas prévu, ça, par contre, que tu me dégages roule boule. Hein. Dommage. Yes. Bah, c'est pas grave. Pensez à moi. Je fais Ramadan. Et du coup, là, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait avec sa magie? Tiens. Il m'a banni mon. Ah, la boule, là, le truc que t'avais pris tout à l'heure. Donc, du coup, tu pourras plus l'invoquer, quoi. Bah je suis un peu lock là surtout. Ah you are déçu man. Il m'a un petit peu own là. Je vais te tuer avec ton propre monstre. J'avoue putain. Putain grave, j'aurais dû faire loup et récupérer Rudissement. Tu l'as le monstre Doc, le monstre fusion là? Hein? Le monstre fusion tu l'as toi aussi? Bah ou pas? Ouais mais j'ai rien pour l'invoquer. Oui je me doute mais vu, c'est marrant quoi de se faire baiser hein. Seul un violette chiméra, peux-tu un autre violette chiméra? Bah je crois qu'il n'y a pas d'autre solution mais... hein. Mais si je me trompe pas, ouais, tu n'as pas encore réincarné ce tour-ci. Non, non, mais bon. Non, mais je sais bien, ça baisse son attaque. Ouais, je préfère pas dire de conneries, c'est pour ça. Yes. On va faire mieux, même. On va faire carrément mieux. On va le réincarner déjà.
Réincarnation. On va target ça. Sans mort. Donc il a combien d'attaques du coup? Bah ça dépend de ce que toi tu choisis hein. C'est, ça oh non je peux pas faire ça, quel enfer. Vas-y vas-y, je vais autrement si tu... Quel enfer. Non bah je suis obligé de target ça hein. Ça marche pour moi d'ailleurs. Parce que charge Borel il faut 3 monstres. Ah. Ah je t'aurais fait un petit charge Borel, je le prends, t'es fini. Oh là là. Ah là là. J'arrive hein, excusez-moi hein. Bon, bah, tu ouais, es arrivé, bah, écoute, 5, 6, 7, 8, c'est ça? Ah, mais du coup, on a la même attaque. Ah, mais non, c'est vrai que c'est ce qu'on fait. Ouais, il devient la attaque, t'inquiète. Donc, bah, il y est, on a. Oui, on a un petit illusionniste d'effet. Donc, tu passes à 0 d'attaque? Ok. Samir, c'est Escanor. Il ça attend. Passe à 0 d'attaque. Oh non. Je lis juste son petit effet. Par contre, okay. On te demande avant de prendre les cartes, s'il te plaît. Non. Battle. Oui. Là, c'est 1500 aussi ou pas? Du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est que tous tes monstres perdent 100 points d'attaque par. Du coup, ils ont perdu. Là, ils perdent 300. Ouais. Ça, j'avais retenu ça. Et je l'avais dit au début du tour, je l'ai dit, oublie pas ça. Il avait dit Battle. 200 et vu qu'il en a mis en une en plus, c'est 300 quoi. Ça marche, je prends 2000. Moins 2000. Mais une phase 2. Mais une phase 2. Ouais. Gros, ah bah. Ils s'en fichent. Hein. Non, j'écoute. Il attend juste que tu finisses ton tour pour te latter la gueule. Hein. Ça se tente ou pas? À tout moment, hein. À tout moment. Alors il fait quoi? Explique. Ça vient là. Ah, quand lui il arrive sur le terrain, je peux cibler un monstre feu dans le cimetière de mon adversaire et je l'invoque spé dans une zone pointée par, okay. par cette carte. Et quand elle est détruite au combat ou détruite par un effet de carte. L'autre aussi, non? Et qu'elle est dans, chez son propriétaire, je peux ajouter un monstre feu de. Ah, ouais. Du coup, je me permets, j'ai quand même une réponse. Une réponse à quoi? À Ita. Mais non. C'est pas possible. Illusionniste mais défait. Enfin, il m'a tout sorti. Et tu n'as plus de cartes à la mangrette pour. Oh là 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 là, il m'a tout sorti. Bah alors Doc. Allez, c'est terminé. Lui aussi son deck, c'est un deck méta, attention hein. Engage. Et il me reste 2300, bah t'as gagné en fait. Oui. T'as gagné de ouf. Si oui, il vient de te dire oui. Oh là là. C'est à moi ou... Bah attends. Non, il joue le time. Attends. Il joue la montre. Ah, j'ai une montre. Ouais, ouais, bah il a perdu la doc, mais il attend juste quoi. Non, mais refaites, t'as perdu juste. C'est loose, doc. Non, attends. End of the round. Il reste. Bah, il reste 5 minutes avant la fin de l'émission. Hein. C'est vrai? Mais non. Quoi? Quel enfer. Bon, allez, on la refait. Tu concides officiellement hein. T'as tout eu de ouf. En vrai, je veux pas être méchant, t'es mauvais. La super poly, elle a fait mal quand même. Ouais, elle a vraiment la super poly, elle a fait mal. Hein. Et puis ton call, là je fais tout mon combo. Du coup, super poly, t'en as combien dans le deck? Hein, Samir? T'en as combien dans le deck super poly? Il peut pas te dévoiler ça, sinon il sera obligé de te tuer. Mais non, mais... La carte est à 2, elle est repassée à 2. Aïe. En vrai, c'est une tech card, mais est-ce que tu peux la mettre dans le side, Super Poly avec. Ah, mais il faut la mettre dans le side. En fait, tu peux la jouer. Bah, lui, il l'a pas mis dans le side. Non, mais je veux dire. Bah, en fait, parce que tous les decks actuellement qui font des terrains trop forts, à part Mystic Mine, bah, ils se font remonter par justement Super Polymérisation. Il suffit d'avoir quelques places dans l'extra deck pour la jouer. Ouais. Mais c'est surtout, il l'a mise parce qu'il sait ce que je joue, hein. C'est juste pour ça, là, avant le duel, il a fait. Tu joues quoi? Ouais, ok, 2 secondes, je fais mon deck. Ça va, je suis gentil, regardez. Je prouve que je joue pas que contre Duck Seven. C'est quoi, hein? C'est Starving Venom, c'est de Monstre Ténèbres. Ah oui. De Monstre Ténèbres? Ouais, n'importe lesquels, de Yu-Gi-Oh! Tellement fin. Oh. C'est fort contre mon deck. C'est une carte du dessin animé, tu vois. C'est cool. Un peu fort contre mon deck. Je sais, Poupa Style, qu'il faut que je jette la fusion du feu. Imagine, j'en mets deux. Starving Venom est une carte de l'animé. Tu sais? Je suivais encore à ce moment. Samir, je t'ai laissé un peu. Respirer. Tu veux jouer à ce jeu? Tu en as mis combien de cartes? J'en ai mis deux. J'en mets 3 dans peu, ce cas. Je t'ai laissé un peu prendre tes aises maintenant. Merci, c'est gentil. On va se calmer, d'accord? C'est je vais reprendre le contrôle là, un petit peu. Je suis très honoré. Moi je parie quand même sur un 2Z. Hein. Un quoi?
un 2Z comme on dit dans le milieu. Non, non. Les gens ils disent SS. Samir, c'est pas que je t'aime pas, mais je vais commencer, d'accord. Les gens ils disent les decks SS ils ont perdu 2 Kagari, du coup il y a plus de place maintenant. Apparemment. Ok, Samir, j'abandonne. Non, c'est pas vrai. Ah, j'aurais préféré. J'ai une main décente. Nous allons commencer par l'éternel Salamandre de Renard. Je fais son effet. As-tu une réponse? Non, son effet passe. Son effet, je vous le rappelle, hein, je meule 3 et je choisis un salamandre. Un brelan? Oh. Yes. Ça, c'est fait. Ça commence bien. Pourquoi t'as eu fou de chiasse? Bah oui, comme d'hab. Hein. Il ne peut ajouter que des salamandres. Il en a pas eu. T'inquiète pas, j'ai pas besoin de ça. Tu veux couper ou pas? C'est les 3 cartes en dessous, les salamandres. Pourquoi je coupe en vrai? Tu vas forcément y retourner. C'est l'heure du feu lynx. T'as une réponse ou pas? Dépend de tes chaînes Link. Bah gazelle. Pardon, d'abord tu ajoutes ton terrain et après dans une nouvelle chaîne Link. Ah bah non. Il va foolish. Hein? Mais non. Ah si, parce qu'en gros ton phalanx... Je fais d'abord ça, comme ça tu peux pas me hache mon, ah oui, mon truc. Ah oui, bien sûr, genre tu dis phalanx 1, gazelle 2 de ta main. Oui, c'est ah, juste tu montes dans l'un. Gazelle 2. Voilà, comme ça. T'as une réponse? Non. C'est non, vrai. Gazelle arrive. Voilà. T'as une réponse? Non. Donc terrain, et puis ensuite ça c'est après, c'est une autre chaîne, ah oui, c'est par rapport à ça, c'est par rapport à l'autre chaîne. En gros la première j'ai pas de réponse. Et c'est la deuxième que j'ai réfléchi. Tu réfléchis là pour gazelle ou pas? Je réfléchis pas, j'agis. Ah, quel enfer, t'as vraiment. Tu penses qu'il faut pas utiliser l'effet de renard, mais plutôt celui de mon cimetière pour le ramener? C'est ce que tu me dis tout à l'heure en plus. Oui. Il me l'a dit tout à l'heure. Je suis vraiment trop con. C'est énorme. Oui, parce que renard, pour ceux qui ont lu la carte tout à l'heure, je vous l'ai peut-être vite fait, on peut utiliser qu'un seul des deux effets. Eh oui, c'est vrai. Et puis là, j'aurais bien fait ma petite X-Sive, tu vois. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, c'est non, pas. Non, t'es là pour jouer. Pardon, excuse-moi. T'es là pour fermer ta gueule. À tout moment, hein, il chante. Hein. C'est l'impro. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, les gars? On fait quoi? Je sais pas. Je sais pas ce qu'on fait maintenant. On va faire le loup quand même. Link. Et puis. Ah. Et puis à toi. Tu ne veux pas réincarner ton loup? Montre-moi la puissance de ta. Pour faire quoi? Pour pouvoir activer ta compte. Je vais réincarner mon loup. Avant la fin de mon tour, merci beaucoup. Je t'en prie. C'est à je toi. Je pioche une carte. C'est quoi l'utilité de réincarner? Il y a des cartes en fait, il y a un effet qui, en plus. Ah, y a un effet mais, en plus. Mais au-delà de ça, c'est en fait certaines de tes cartes salamandre ont des effets qui s'activent uniquement si tu contrôles des monstres liens qui ont été réincarnés justement. D'accord. Enfin des monstres Link. Je lis le chat. Aidez-moi, je veux connaître sa main. Je vais activer. C'est moi ou il a oublié l'effet de gazelle? Non, il me l'a hache. Cyclone galactique. Non mais t'es chiant. Oh là là. Détruis-moi celle-là. Alors qu'est-ce que fait le cyclone? Le cyclone galactique cible une carte magie piège sur le terrain, face cachée, et la détruit. Tout simplement. Et après depuis le cimetière tu peux détruire une face recto aussi. Pour la détruire. Tu as le droit, c'est tout à fait légal. Et dans le cimetière elle a un autre effet, mais je le dirai au prochain tour. Bah du coup je vais quand même la lire hein. Tu as le droit. Tu peux la bannir du cimetière pour péter une MP face recto. Du coup ton terrain par exemple. J'active terraformation. Ça m'ajoute une carte de terrain. Ah, tu veux pas que tu l'as défaussé là? Je pourrais te hache là. Ouais tu peux. Bah, mais t'as pas d'arrière. Ok. Mais j'ai dit je pourrais. C'était une question pour gagner un peu de temps. C'est vrai. J'ajoute Mystic Mind. Non. Il reste 11 minutes. D'accord. D'accord. Comme d'hab, bah les couilles. C'est genre. J'active l'assaut. Tu peux nous dire ce qu'il fait exactement l'assaut? L'assaut de l'air, espace aérien, zone 0, fait en gros qu'une fois par tour, je peux cibler une autre carte sur le terrain. Je révèle les 3 cartes du dessus de mon deck. Et s'il y a une carte assaut de l'air, enfin Sky Striker, je peux l'ajouter à ma main. Si j'ajoute une carte, s'il y avait une carte assaut de l'air, quoi qu'il arrive que je l'ajoute ou que je l'ajoute pas, je dois envoyer cette carte que j'ai désignée en début au cimetière. Voilà. Très bien. Et aussi le terrain, parce que tu m'as dit qu'il y en a qui déclaraient pas tous les effets des cartes. Oui. Elle a un deuxième effet rien à voir. Quand elle va au cimetière, je peux invoquer spécialement la Sky Striker Kagari. Enfin, non, Rei, elle s'appelle Rei. Très bien. Merci pour ces explications. À vous les studios.
effet, je cible ça. As-tu une réponse? Non. Allez, Brick, toi aussi, Brick. Voilà, voilà, votre retour de karma. Mais oui, monsieur. Il est trop heureux avec sa casquette, oui. Là, il me fait rire. Je t'avoue, il est tout le temps. Je déchatte depuis tout à l'heure, un peu de... Hein. Tiens, et celle-là, c'est celle que tu voulais piocher, tu la piocheras pas. C'est injuste, à toi. C'est tout? Tu fais rien d'autre? Rien d'autre. Eh ben, j'invoque Dragon Blanc. Quoi? Pas Dragon Blanc. Draw Fast and My Main. Ouais, ouais, ça marche. Denko Seka. Quoi? Benko Seka. Denko Seka. Ça veut dire quoi? Ah, c'est un monstre à Yu-Gi-Oh qui t'empêche d'activer des magies pièges une fois qu'il est sur le terrain. C'est joué dans Thunder, ça. Ouais, c'est ça. Ah là, je vous l'affiche. Denko Seka. Denko Seka. Alors, que va nous faire Doc? Là, il est concentré, là. Ah là là, Doc. Il y a trop d'options. Il y a trop d'options sur Salamandre. D'ailleurs, j'ai oublié les cartes que je vais filer. Bon. Tant pis. Merci. Ça fait plaisir. Bah, de rien, vraiment, un plaisir. Déjà, on va faire. Durant votre main phase, si vous contrôlez cette carte qui a été invoquée par lien comme matériel, je peux ajouter magie ou piège depuis mon cimetière à ma main. C'est vrai, tu peux. Moi, en réponse, je vais faire Assaut de l'air. Ça fait quoi? Ça annule l'effet de ton monstre. Je peux avoir une réponse à ça, non? Ouais, tu peux. Pardon? Pardon, je te prie. Excuse-moi, prends ta carte. Bah non, mais du coup, attends. Non, par contre, tu l'as. Attendez, pas de bagarre, ok? Calme-vous. Pourquoi je peux pas celle-là? C'est parce qu'en fait. J'aime bien son. Ah, attends, je vais t'expliquer, ne t'inquiète pas. Parce que là, il veut juste baiser, je le sens. Tu m'actives l'effet, tu dois désigner la carte directement. C'est ciblé qui a un coup de cibler une carte magie piège. Ouais. Moi, j'ai répondu comme ça en Chaining 2. Ouais. Tu m'as répondu en Chaining 3. Ouais. On résout la chaîne à l'envers. Ouais. Tu manues ma carte, tu me la détruis. Ouais. Et après, toi, ton effet se résout, ça s'ajoute, et en fait, c'est qu'à une fin de chain link que l'on envoie les cartes au cimetière normalement. Sauf si elles sont détruites en cours de chain link. Il me l'avait pas un peu à l'envers? Non, ok, très bien. Très bien, très bien. Non, il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison, ferme ta gueule, c'est genre. Ok. Je vais activer l'effet de Foxy au cimetière. Je te donne pas la permission. Oh là là, mais c'est pas. T'as tout! J'ai tout! Adieu! A bientôt! Mais quel enfer! Enfer et damnation! Tiens. Hey. J'ai peut-être des briques! Normal. Je dois payer le coût de Foxy en plus? Ah oui, des fois, c'est une carte à la mangrette. Merci, merci tout le monde, là j'avais oublié. Normal. Ouais, vas-y. Tu peux ajouter un... Ouais, je sais. J'hésite à prendre gazelle. Je vais prendre gazelle. T'hésites à le prendre gazelle. Moi je veux pas que tu prennes gazelle. Je te baise. Enchaîne. Salut. Mais attendez le gars, il fait quoi là? J'ai pas de main. Il fait quoi là? C'est pas grave. C'est pas grave. C'est un peu grave, mais pas trop. Mais quel enfer, mais tu m'as tout contré. Et tu vois, moi j'ai pêché une puissante en gage. Oh, je sais pas quoi faire. Je me comprends un instant pour remarquer la danse en arrière-plan de Samir. C'est caché, tu sais. Eh ben, battle. T'es sûr? Ouais. Certain. Ouais, je t'aurais enlevé des points de vie au moins. Vas-y. Bim. Je prends. Ah. Et bim, 1800 et 1400. Ça fait 3002. Non mais les gars, mais c'est dans quoi? Quel tour là que tu récupères ton truc là? Ça fait quoi déjà? Au prochain tour, je peux la retirer du jeu pour détruire une magie piège face recto sur le terrain. Non. Non. Lui, c'est lui que t'as annulé ses effets. Ouais. Mais du coup, il est toujours considéré comme réincarné. Ouais. Ok. Comment? Ok, ah. Comment? Bah oui, tu me cancel tout, je peux pas jouer. Eh, hey, j'ai dit quoi? En plus, il top deck. Engage! Elle fait quoi déjà cette carte? Elle dit que j'ajoute une carte Sky Striker de mon deck à ma main. Et si j'ai 3 magies au cimetière, je peux piocher une carte. Voilà pourquoi les gens y rage dessus. Par contre, tu l'as activé là ou pas?
Non, je passe là. Vas-y, ça te fait plaisir, je l'ai activé. Non, c'est bon. Tu peux pas mettre une permanence, j'ai pas de monstre. Bah, je peux le faire sur le mien. Non, t'es obligé à un monstre de l'adversaire, une permanence. Là, je dois faker que c'est une permanence. C'est absolument pas ça. Non, mais attendez, les gars, il top deck, il a tous les counters et je peux rien faire, moi. C'est vrai. Je peux rien faire. C'est vrai, je te baise. Là, C'est ce qui s'appelle avoir du talent. Ah ouais, là, c'est du. Ouais. Tiens, je prends assaut de l'air, manœuvre, ondule de brouillage. Tiens, vas-y, pioche deux cartes. Ah, le pot de cupidité. Tiens, il sort, il y a des cartes. Ah, il y a vraiment des cartes, j'en veux. Je suis bordiken. Quelqu'un qui me dit, Doc, t'avais gagné. Mais non. Pioche une carte. Non. Si t'avais gagné, gros, il suffisait d'invoquer lui, là. J'ai essayé, trois non, mais, fois. Non, lui, là. Lui? Ah, lui? Ouais. Il est insane. Assaut de l'air... Alors explique-nous parce que cette carte elle dit qu'en fait je peux détruire une carte magie piège face cachée et une fois que j'ai détruit cette carte détruire un monstre si j'ai 3 magies ou plus dans le cimetière. Parce qu'à partir du monstre Sky Striker atteint 3 magies au cimetière, avec il a 2 effets à chaque fois. Game, là. Normalement leur effet c'est du 1 pour 1 mais en fait à partir du moment où t'as 3 si leur effet ça devient du 2 pour 1. Ouais, du 1 pour 2 ou du moins 2 pour l'adversaire ou du plus 2 pour toi. C'est pas fort. Ah oui, c'est hyper fort. On les a... Allez, casse-toi. Et quel monstre va mourir? Je crois que j'aime pas trop le salamangre, je suis pas sûr. Mais le buffalo... Je lui fais un peu la gueule. Adieu, buffalo. Allez. Salut, mon petit buffle. Tiens. Allez, c'est fini. Je vais, par la suite, activer assaut de l'air, encre. À 3 monstres, elle peut voler le monstre. Vas-y. Je le vole. Et tu vas me faire un viol et une Kuribo. Ah, mon rêve, mon rêve. Je vais activer espace aérien. Link Kuribo avec un monstre Link 2. Bah ouais, et pourquoi alors pas. Pourquoi pas. Bon, regardez ma chance. Hein. Engage. Adieu. Engage. Bon, je mélange pas. Hein. Engage. J'aurais tout fait. Pourquoi Doc appelle Link avec le buff? Parce que j'ai plus de main. Ça sert à rien de Link avec le buff. Tu veux plus quoi de main, hein. J'aurais rien pu Link avec le buff. T'as plus de main, donc là en gros ce qui te reste c'est un terrain quoi. Ah ouais, mais maintenant j'ai plus de terrain. Hein? J'ai plus de terrain. Comment ça tu l'as plus? Moi j'ai plus rien sur mon terrain. Bah non mais ton terrain... J'ai mon deck encore. Non mais t'as magie de terrain. Ouais mais il va me la dégager là, regarde. Ah oui oui, évidemment, mais je veux dire pour l'instant tu l'as encore. Oh, non parce que tu peux la protéger avec Phalanx. J'active multi-roll. Elle dit... C'est vrai, pourquoi il y a plus le Phalanx? Lui. De quoi? Lui, ah parce que tu l'as enlevé avec ça? Oui c'est ça. Okay. Et multi-roll, je vais un peu l'expliquer la carte. Ça le dit à chaque fois que j'active une carte magie assaut de l'air, bah elle gagne un compteur. Et à la fin du tour je peux poser les magies pièges Sky Striker. Son deuxième effet, c'est je peux une fois par tour détruire une carte sur mon terrain. Et jusqu'à la fin de ce tour tu peux plus répondre à mes magies pièges. Ça c'est vraiment. Voilà de toute façon. Oui tu pouvais déjà plus répondre. Mais c'est pour faire le deuxième effet de la réa que je t'ai décrit tout à l'heure. Vas-y. J'invoque Ray. Je vais rentrer en battle. Je vais attaquer avec ma Ray directement. Vas-y. 1500. J'active l'effet de Ray. Vas-y. Je la sacrifie. Je vais spé Kagari. Ce deck est si fort, les gars. Et je récup. Engage. J'attaque. Bah ouais. Elle a actuellement 4, 8. Ça veut dire que tu prends 2300. Allez, 2300. Donc tu as pris 3008. Main phase 2. Je vais réactiver Engage. Elle a un compteur. C'est pas un vrai compteur, c'est plus un guide. Je vais ajouter Shark Cannon et je vais piocher une carte. Tiens, je me permets à chaque fois, il faut que je te fasse couper le deck. Je suis désolé. Mais Mignor, je préfère lire tes cartes et s'il vous plaît. Oh, j'avais oublié ça. Mais putain, j'aurais pu le réinca une troisième fois pour mettre Rugissement. Depuis le cimetière. Ouais, ça t'aurais pu par contre. Ah ça, tu me l'as pas dit, hein. Hein, tu me l'as pas dit ça. C'est hein ton adversaire. Je te jure. Non mais c'est bon à savoir ça pour les prochains duels. Tu pioches une carte. Et je vais... J'ai un compteur, je pose. Je transforme en Shizuku. Et en fin de tour, je vais d'abord déclarer Shizuku. Vas-y. Je vais ajouter. Fais ta life. Tu m'auras pas au TK quand même. Hein. Moi je te croyais plus fort. Hein. Excuse-moi. Ouais, désolé. Là, c'est un médiocre joueur. Et je vais directement activer l'Eagle Booster. On peut faire dans l'ordre qu'on veut, comme ouais, je t'avais expliqué. Ouais, c'est des effets répétitifs. Ouais. Et du coup, ça gagne un compteur. Et en fait, c'est pour que Multiroll puisse poser deux cartes au lieu d'une. Okay. Et comme ça, je peux avoir à la fois l'encre et l'Eagle.
L'eagle me protège mon monstre. Tu voulais dire un truc, Eric? Ah, je voulais juste préciser pour ceux qui savent pas que du coup tes cartes que tu reposes là, elles sont bannies. Elles vont être bannies et aussi je peux les poser dans l'ordre que je veux. C'est-à-dire, tu vois, tu sais ce que je vais poser, mais tu sais pas où elles sont. Ok. Genre, ouais, t'as le droit de les remélanger, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. À toi. Ah. Désolé. J'ai top deck, gros. Ah. Ah, la pire. La pire. Tu peux me faire un Ninkuribo à tout moment. Ouais, bah ouais. Je crois que je l'ai même pas. Bon, et ben écoute, ce fut expéditif, hein. Ah, t'as eu des bons counters quand même. Mais ouais, écoute, je peux pas faire grand chose, hein. Parce que monte. Bah pourtant, techniquement, ton deck est quand même fort. Hein. T'es juste qu'il t'a baisé là. Oui, suivi. Puis je le connais pas non plus à fond, non, hein, ouais. Le deck. Hein, Mais ça, ça va. Alors si pour répondre à quelqu'un, je l'ai pas acheté du tout le deck. Hein. C'est un copain qui me le prête pour le championnat de France. Donc je l'ai que depuis. C'est Youbel d'ailleurs si tu nous regardes. Quelle chance. Je l'ai que depuis une petite semaine. Donc j'ai vraiment pas eu le temps encore de bien le tester, de bien l'apprendre. Il est technique, ça la mangrette, parce que t'as quand même. Les cartes ont chacune au moins deux effets à chaque fois et faut pas les oublier et tout. C'est voilà, faut beaucoup de pratique. Merci. C'est vrai que là vous avez deux decks qui sont un peu plus. Alliance Discord rassemblement. Ouais, ils sont techniques les deux. Ouais. Oui. Bah en fait, on est dans une méta assez contrôle du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est vrai. Pour ceux qui connaissent pas les termes, je peux peut-être les préciser. Contrôle, donc c'est voilà, c'est des decks qui vont plus jouer sur le fait de contrôler ce que fait l'adversaire. Sur les ressources. Et au duel d'avant, vous avez vu un Orcus qui a un des aspects contrôle, mais qui est aussi un deck combo. Enfin, c'est plus un deck agressif, justement. Il part c'est plus un deck. Ouais. Oui, non, je parle contrôle dans le sens où il a des négates, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus combo. Ça, je te le laisse totalement. Bon, on vous laisse la place ? Ouais, bah, allez. T'avons mis juste au moins l'université. Mais grave. Merci. C'est quoi, j'avais mon rang en jeu. Écoute. Oui, parce que sinon, écoute, il devenait champion de France à la ta place. Hein. Qui c'est qui joue ? Et on va appeler donc Guillaume qui va être là. Guillaume, t'es équipé ? Vas-y, oui, vas-y, installe-toi. Okay. Installe-toi, Guillaume. Et Dari qui va venir t'affronter. Dari, t'es chaud ? Passe. Vas-y, viens, je prends ta place. Au pire. C'est le side qui est là ou non, c'est. T'as pas side out ? Ça va être une course. Vas-y, installe-toi, Guillaume. Bienvenue déjà. Guillaume, bienvenue. Je crois que t'es de la même team que Samir. Oui. C'est quoi comme team et du coup, c'est team Bendo Card Player. Bendo ouais. Na Bendo. Voilà, c'est inspiré de ça, bien sûr. Hein. Et voilà, nous, c'est surtout dans le très compétitif. On a un joueur qui a beaucoup de chance d'aller sûrement bientôt au World parce qu'il ouais. est dans les 8 premiers européens au niveau des points. Ah ouais, d'accord. Et en général, voilà, on cherche à faire le maximum de performances. Vous êtes combien dans la team ? Actuellement, on doit être environ 16 avec les semi-joueurs qui nous servent de staff aussi, voilà. Les semi-joueurs. Oui, c'est pas les semi-joueurs. Salut les semi-joueurs. C'est les cobayes. C'est on les salue. Ceux qui souffrent. C'est un peu l'extérieur. Les lapins, on les remercie. C'est plus dans le sens où ils jouent, mais ils sont pas autant focus que nous parce qu'ils nous managent un peu. Quand ils nous prennent des games, c'est exceptionnel. Quoi. C'est des sous-joueurs. Non. Okay. Bon, ça va être une exposition de son deck, hein, parce que moi, c'est la première fois que je joue le deck. Ah, et en plus, c'est un deck naze, donc on n'est pas très bien. Mais il est marrant. Enfin, je pense qu'il est marrant. Alors, du coup, ouais, on a Guillaume. Donc, Guillaume, donc toi, t'es le joueur pour la team Bendo. Et il me semble que t'es le champion de France en titre, c'est vrai ? Oui, voilà, c'est ça. Oh là 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 là, il me semble. Il me semble. Et aujourd'hui, tu vas affronter le champion en titre de Club Yu-Gi-Oh! Ah, avec quoi, des decks qui datent d'il y a 15 ans, quoi. Donc, bah, j'avoue, alors, Xari ici va jouer un deck. N'en dis pas. Okay, je dis rien, En vrai, il sait, non ? Ouais. Moi, je vais jouer. Non, je sais pas les sleeves là, elles correspondent à quoi. Et voilà. Il sait pas encore. Ouais, il sait pas. Ouais, okay. Autant faire la surprise. Hein. Ouais, voilà. Il sait pas. Eh bien, écoutez, messieurs, bon duel à vous. Un D, deux D, un D. Ok. Hop. Voilà. Donc, le 4. T'as un micro en fait. Tu peux bien aller en on va t'équiper d'un micro. Donc, je vais commencer. Vas-y. Ouais, bah vas-y. Allez, je vais prendre un petit café. Il commence, c'est terminé pour moi. Dans le désordre, j'ai mangé. Samir, il passe devant les câbles, il s'en bat les couilles. Ah. T'inquiète, t'inquiète, bro. Voilà, vas-y. Alors, voilà. Ouais, terraformation voilà, classique. Bon. Vas-y, voilà, vas-y, je vais chercher un terrain. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'il nous joue bon, bah, je concède. Il a Guillaume, il joue quoi, terrain, gros. Tu joues quoi, Guillaume ? Je sais pas. Comme Samir. Ah, tu l'as pas dit encore, pardon. Comme Samir. C'est Samir, il m'a rendu mon deck. On se doute que c'est pas les decks que vous allez jouer au championnat de France.
Mais bon, t'es. Si, moi je vais sûrement jouer ça. Ah ouais. Oh là là, ils sont pas les couilles. Tu sais, il y a des joueurs. Non, je vais pas montrer ma stratégie. Ah, mais ça fait environ un an que je joue le deck. Donc à peu près. Ah ouais, il est venu. En général, les gens savent ce que je joue en. Il est connu dans le milieu pour jouer ça en fait. Attends. Alors Xari va jouer contre le champion de France en titre avec son main deck. Si t'arrives à le battre avec ce deck là c'est le deck de Joey ou quoi? Écoute, je vais me divulguer. J'ai jamais joué de deck donc ça va être terrible. Voilà, donc le terrain, et j'invoque normalement Ray. Je vais faire l'effet du terrain sur Ray. Et je vais chaîner l'effet de Ray. Voilà. Alors par contre, il faut que tu m'expliques tout. Voilà, ok. Donc, effet du terrain, je cible une carte que je contrôle. Je révèle les trois cartes du dessus de mon deck. S'il y a une carte Sky Striker, je peux l'ajouter à la main. Ok. Et j'envoie au cimetière la carte qui est sur le terrain. Qu'elles soient encore sur le terrain ou pas. Ok. Effet de Ray, je l'envoie au cimetière en tant que coup. Et je peux invoquer un Link Sky Striker. Ok. Voilà. Oh là là, tout passe, très bien. Voilà. Ouais, alors on fait la remarque dans le chat. Mais effectivement, toi, du coup, tu respectes pas trop les zones sur le tapis. T'as l'habitude. Ah oui. Oui, parce que je. En fait, je joue plus en gaucher. Ah, tu joues en gaucher, ouais. C'est désolé. T'as le droit de faire ça au championnat de France? On m'a jamais. Spécialement. Ce voilà, c'est pour l'émission, j'avoue, c'est peut-être pratique. Game Lost, direct. Si tu peux. Ouais, non, sinon, Game Lost et. Il a gagné! Pour l'instant, on n'a pas fait une win-win du côté des nuls. Par contre, merci de ne pas m'inclure dans les nuls. Bah, on est trop nuls et on s'est fait baiser les points. T'as pris 2-0, voilà. Gros. Donc, voilà. Ça, c'est multi-role, c'est une carte Sky Striker. Du coup, je peux l'ajouter par l'effet du terrain. Ok, mais si là, t'en avais aucune, on est d'accord que t'es baisé techniquement. Je renvoyais les trois dans le deck et voilà. Là, je renvoie les deux autres. Un gobelin parvenu, j'ai peut-être gagné 1000 de points de vie et au time, je gagne. Voilà. Donc, voilà. Sauf que. Il est là. Ah, il est là. Oui, c'est parce que en fait, dans ce deck, c'est important d'avoir 3 magies au cimetière. Donc, du coup, donc, en fait, c'est juste une magie gratuite qui permet de piocher un. Des fois, même ses stratégies. Oh là là là. Ça veut dire qu'avec 3 magies, dès que t'as 3 magies, est-ce que tu la décides si t'es. Si t'es à la dernière manche. Ça. Pour jouer le time. Si le time approche, souvent, oui. Ça évite de donner 1000. Voilà. Ok. Mais j'avoue. Je donne 1000. Oh, fin du time. Ah, mais il y en a une carte, ils perdent des games comme ça. Il y a une carte qui s'appelle Red Reboot. Enfin, en français, c'est redémarrage rouge, je crois. Voilà. Et en fait, tu peux l'activer de la main, tu payes la moitié de tes points de vie et t'annules une piège que l'adversaire active. Mais il y en a, ils perdent au time parce qu'ils la gardent ou des choses comme ça. Ouais. Ça on a ou alors ils gagnent avec Perrault. <C'est genre. rire> On a plus de musique en plateau. Je vais déclarer end phase pour faire l'effet. Okay. Du coup, j'ajoute une magie Sky Striker qui n'est pas dans le cimetière. J'ai aucune magie, je peux ajouter n'importe laquelle. Tu penses demander laquelle, hein? Ah, engage. D'ailleurs, tu jouais des cartes françaises ou anglaises, toi? C'est plutôt français. Il y en a certaines anglaises, certaines françaises. C'est quoi la réglementation en tournoi? Je joue deuxième. On peut jouer les cartes de n'importe quelle langue. Le plus simple, c'est si on peut fournir directement une traduction, par exemple, si on les a imprimées. Certains joueurs font ça, mais la plupart du temps, on peut appeler un judge pour avoir la traduction si nécessaire. D'accord. À savoir que généralement en anglais ça pose un peu moins de problèmes parce que une carte en allemand, effectivement parfois le judge aura besoin de vérifier pour exemple. C'est ça. Ok. Et d'ailleurs tu dis que les langues, mais c'est les langues TCG, tu peux pas jouer une carte japonaise. Ah oui, voilà. On peut pas jouer les cartes dites OCG qui sont les cartes japonaises ou coréennes. Et est-ce que quelqu'un qui joue une carte Asian English, donc avec la face c'est en anglais mais avec le dos, enfin c'est des cartes en anglais mais pour l'OCG, est-ce que ça on a le droit? Est-ce que si tu en repères une dans le deck de ton adversaire, tu peux faire un Game Lost? J'ai jamais eu le cas et je pense pas que ça soit autorisé non plus parce qu'en soi c'est censé être fait pour l'OCG plutôt que le TCG. Je pense que les joueurs, de toute façon, ils font pas les cons quoi. Ah non, moi je vais demander au mec d'enlever toutes ses sleeves pour vérifier derrière, c'est pas des japonaises. Voilà, ensuite tu peux jouer, c'était Mind Phase. Waouh, voilà. C'est à moi! Et je pioche! Nice, la pire carte FR à piocher, vraiment ultra content! Yes, alors. Attends, j'ai fait. Parce que là j'ai vraiment pas la bonne main quoi. Non, mais je réfléchis. On est dans le club Yu-Gi-Oh! Mulligan! Moi, si nécessaire, c'est pas grave. Oh merde, donc Xari qui se tient le front ici, il se tient la tête! Yes! C'est peut-être déjà perdu pour le joueur! Je vais activer Livre de magie du savoir. D'accord. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe, ça passe. Donc j'envoie au cimetière soit un monstre magicien que je contrôle. Je contrôle pas de monstre magicien, donc c'est pas ça. Soit une autre carte livre de magie depuis ma main. Donc depuis ma main. Hop. D'accord. Et je pioche deux. Ah, Guillaume en sueur là. Il dit, mais contre quoi je joue là? Hop. Oh là là, c'est gagné.
Ok, yes, yes. Je vais faire un truc que je crois les joueurs de Yu-Gi-Oh! N'ont pas vu depuis des millénaires. Je vais set une carte. Ensuite, comment il rigole ce con. Ensuite, je pose deux cartes face cachée et bah, ça va être une belle entrée. Anecdote, à savoir que contre mon deck, c'est très fort en fait, de juste poser un monstre. Il avait tout prêt. Voilà, Il peut le faire ici. Attaque, j'arrive, champion de France. Voilà, parce que je peux facilement détruire un monstre qui est face recto, mais un monstre face verso, c'est plus compliqué. Tu nous le sacrifies, tu mets un mur du labyrinthe, 3 minutes de défense, c'est bon. Non, mais moi, j'invoque jamais face recto, donc... Voilà. Par contre, et pour le TF, ne mets pas tes magies sur les mêmes colonnes que les siennes. Ouais. Ah. Oui, voilà. Parce que si tu connais la carte une permanence, ou le nom français, je me souviens plus trop, c'est une piège en fait qui permet d'annuler dans les colonnes. Et surtout, il y a l'archétype McKnight aussi. Ah oui. Qui peut être dans la. Parce que là, tu mets jamais de la carte magie en dessous de ton propre monstre, parce que lui, du coup, il peut invoque spé un monstre. Ok. Sur la même colonne. J'avoue que là, j'en suis pas encore là. Après, c'est parce qu'il peut plus jouer McKnight. Oui, voilà. Il faut se prémunir de tout. Il vaut mieux le faire, au cas où, quoi. Je vais activer, voilà, du coup, la carte que j'ai récupérée au tour dernier avec le terrain, multi-roll. Alors, ça fait quoi, du coup ? À l'activation, ça fait rien. Une fois qu'elle est activée. C'est une des meilleures cartes du deck. Donc voilà, une fois activée, elle fait rien. Ensuite, une fois que l'activation est résolue, je peux cibler une carte que je contrôle et je peux tenter de l'envoyer au cimetière. À la résolution, tu ne peux plus chaîner quand j'active une magie. Ok. Et autre effet, à la end phase, on compte le nombre de magies Sky Striker que j'ai activées, donc à ceux de l'air en français. Et je peux en reposer autant depuis le cimetière, enfin maximum égal au nombre que j'ai activé ce tour. Ok. Voilà. Alors là, par contre, à l'activation, je peux chaîner un truc. Oui. Attends, je lis. Oh, ouais, t'inquiète. Je rappelle, c'est la première fois que l'île que je joue le deck. Donc voilà. Pep, bah, je vais chaîner ça. Oula. Destruction. 3 points d'exclamation. Alors, la carte. Donc, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain. J'envoie un monstre, l'interdit ou Exodia depuis la main ou deck au cimetière. Et si je le fais, je renvoie la cible à la main. Et si cette carte, elle est détruite pendant qu'elle est sur la zone magie et piège, je peux cibler un monstre interdit ou Exodia dans le cimetière et l'ajouter à la main. Voilà. D'accord. Je peux utiliser qu'un effet de destruction par tour. Et uniquement une fois par tour. Voilà. D'accord. Donc l'activation, c'est bon. Ouais. Au cas où tu connais l'autre effet de Ray. Alors, je connais rien, donc vas-y, hein, dis-moi tout. Hein. Si j'ai un de mes links qui est soit envoyé au cimetière, soit détruit au combat, qui est envoyé au cimetière par un de tes effets cartes par contre, je peux la réinvoquer depuis le cimetière. Okay. Et elle a un effet rapide qui dit, voilà, durant le tour de chaque joueur, je peux la sacrifier et invoquer un link directement. Okay. Mais son piège, là, ça te renvoie pas à la main ? Si ça renvoie la main. Ça renvoie la main. Mais du coup, ça quitte le terrain par un effet carte et je peux l'invoquer. Donc c'est pas envoyé au cimetière. Tu nous as dit envoyé au cimetière. Oui, d'accord. Désolé, c'est vraiment quitter le terrain. Oui, c'est quitter le terrain. Ah ouais. Ok. Ensuite, là, voilà. ça. Je vais faire l'effet du terrain sur cette là. Voilà. Effet donc, tout passe. Voilà. Je n'ai pas des entrapes. Hein. Je vais. Voilà. Non, voilà. Il en a une. Donc voilà. une carte à solaire, du coup je vais la prendre et je vais envoyer ça au cimetière. Voilà. Tu me diras au moment, à quel moment je pourrais plus chaîne sur tes magies. Là tu peux plus là. Là je peux plus là. Non. Si, là tu peux pour l'instant. Là je peux encore. Voilà. Voilà. C'est quand j'aurai activé ça. Ah, tu l'as pas activé. Pour l'instant j'ai juste activé, et j'ai pas encore fait l'effet. Et quand tu l'actives, est-ce que je peux chaîne sur l'activation de cette carte Oui. Ok. Voilà. Là par exemple, là je vais faire l'effet sur le terrain. Là si tu veux chaîne quelque chose dessus, tu peux. C'est maintenant quoi. Voilà. Écoute, j'hésite. En fait, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas s'il pète mes MP, j'en sais rien. J'ai vu qu'il avait le. Alors, le buff, mais l'oublie pas. Oui, voilà. Son deck, c'est un deck contrôle. Voilà. Eh, tu sais quoi? Je vais chaîne. Ah. Je chaîne Avidité de ta mère. Mais non. Je pioche 2 et je saute mes 2 prochaines draw phase. Voilà, donc j'envoie le cimetière. C'est risqué ça. Et pourquoi tu fais ça maintenant et pas à ton prochain tour? Bah, parce que je sais pas, il peut peut-être me la cancel. Si me la cancel, c'est chiant, tu vois. J'en sais rien, je connais pas le deck. Voilà. Je vais activer, voilà. Donc, on s'arrête de passer ici. Alors, okay. Donc ça, voilà, ça c'est la meilleure carte du deck. Ça me permet d'aller chercher une carte Sky Striker depuis le deck ajouté à la main. MP, et si j'ai 3 magies, je pioche une carte. Ouais, ça j'ai retenu ça. J'aime bien. Ce que j'aime bien Guillaume, c'est qu'il t'explique en 3 étapes comment il va te baiser. Oui, bah, là, c'est ça. En plus, j'avais pas une très bonne main. Je vais pas vous mentir, mais ça fait du bien. Celle-là, je peux cibler un monstre, annuler son effet, et si j'ai 3 magies ou plus, j'en prends le contrôle.
Yes. Voilà. Ça va. Bon, hey, tu peux pas cibler mon monstre. Hein. Oui. Il est face verso, donc là j'ai bait. Va falloir attaquer un moment, Guillaume. Hein, hein. Hey, déjà, je tiens un tour alors. Alors, donc, t'as perdu en deux tours, donc. Pas le malin. Je vais déclarer battle phase et je vais attaquer. Oh là là. Il a combien d'attaques? 1005, mais tes monstres ils perdent 400 parce que j'ai 4 magies. Dis-moi que c'est la bibliothèque. Ah ouais. Voilà. Hop. Ah non. Tulut. Hop, donc détruit et je peux tuto un monstre qui a 1500 de def ou moins. Qu'est-ce que je vais prendre moi? Mais j'avoue, un Mystic Mind Exodia, ça peut être drôle à jouer. Je pense que c'est compliqué parce que Mystic Mind il joue carte de l'exécution. Si tu connais. Ouais. Et t'es pas obligé de le jouer au pire. Oui, t'es pas obligé de le jouer, mais le deck veut beaucoup piocher. Attends, je réfléchis. Après, hein. Je pense en soi c'est faisable, mais ça serait plutôt fun par rapport à la version qui existe actuellement. Ouais. Je vais tempo. Mais en soi, oui. Après, ça. Pourquoi pas essayer. Hein. La temporisation. Ah, ouais. C'est 1500 de def ou moins, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et dans la main, du coup. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr que tu joues le deck comme il faut que ça. C'est son premier duel avec le deck. Non, mais là, il en fout pas, tu sais. Non, mais là j'ai rien en main, gros. Je suis obligé de tempo. Là. Surtout j'ai peur de ce qu'il a. N'aie pas peur, de toute façon ça va être douloureux. Ouais, ça mais là regarde. Peur. Déjà là, il est en battle phase, il m'a mis 0. Main phase 2. Ouais, vas-y. Ouais, je vais poser une. Ouais, et end phase, je vais faire l'effet de ça. J'ai activé une magie alors qu'elle était face recto, je vais en reposer une. Voilà. Ah, donc en gros, à chaque tour, tu vas piocher gratos, quoi. Voilà. Ouais, yes. À moi, du coup, je ne pioche pas, puisque je suis sous l'effet de avidité, téméraire. yes, alors, je vais... C'est une carte. Déjà, première chose, c'est une carte. C'est déjà ça. Il faut que je pioche, en fait, parce que là, j'ai rien. Donc, je vais jouer, normalement, magicien... Du livre de la magie, de la prophétie, ouais, toujours plus. Ouais. Est-ce que ça passe? Non. Yes. Tu fais l'effet, je suppose? Bah ouais, je fais l'effet. Je vais activer ça. Voilà. Alors, du coup. Donc, je vais en annuler l'effet. Ouais. Et vu que j'ai 3 magies dans le cimetière, je vais en prendre le contrôle. Vas-y, mais prends. Mais prends. Y'a aucun souci, prends. Yes. En plus, tu t'enlèves 3000 points de vie parce que comme ça. Ok. Yeah, ouais. Non, ça je vais le faire en battle phase. Voilà. Et bien, ça bloque mon combo, comme dirait Doc. Ok, donc là, je lui fais une invocation normale. En plus, je suis dans la merde. Bah, y'a aucun souci. Ce que je vais faire, c'est que. Je vais dire fin de tour. Okay. Du coup, en end phase, je te rends ton monstre. Reviens. Voilà. Okay. Et draw phase, je pioche par une carte. Il a 500 d'attaque. Aïe, aïe. Donc, stand-by. Tu fais aucune action en stand-by? Si, je vais faire une action. D'accord. Je vais activer. Ouais, beaucoup. D'accord. Voilà, on temporise. Voilà. Je suis désolé. Le mec, il joue des cartes de 2002, tu sais. Ouais, je suis désolé. Non, mais alors, carte. Alors, Guillaume, ça fait un an que tu joues ce deck. Depuis juillet août dernier, ouais. T'as, donc, déjà, à peu eu, t'as déjà eu beaucoup en face de toi ou pas? Oui. Non. Ah ouais. Depuis que je joue ça, non. Sauf que voilà. Là, ce tour-là, il va faire quoi? Bah rien. Parce que Wabuku, t'as fermé la main. Main phase, du coup. Vas-y, voilà. Elle a fait tout ce que tu veux, gros maman. Voilà. Je vais activer ça, je vais cibler ton monstre. Ouais, bah si. Je vais tenter de le détruire. Et vu que j'ai 3 magies ou plus au cimetière, je peux détruire une magie ou une piège avec. Quoi? Ouais. Ok, alors. Alors là, du coup, je peux faire l'effet de destruction, oui. Ou pas? Je cible mon propre monstre. D'accord. Et je le renvoie au deck. Et ça renvoie dans le deck. D'accord. Ça renvoie dans le deck, ouais. Je cible un monstre sur le terrain, mais ça peut être le mien. Mmh. Envoyer un monstre depuis ma main ou deck au cimetière. Et si je le fais, je renvoie la cible à la main. Non, je renvoie dans la main. Donc, d'accord. Je vais renvoyer dans la main. Et voilà, donc ce que je vais faire, je vais envoyer jambe droite. Et du coup, ça, si ça passe, évidemment. Ouais, question con, mais pourquoi tu renvoies pas sa carte à lui? Parce que sinon, son monstre revient. Voilà. Après, j'ai juste à réinvoquer ça, en fait. Ouais. Sinon ça me permet de détruire son monstre, ouais, c'est détruire magie, en fait. Voilà. Ah d'accord. En fait, si ça fait quand même l'activation, ouais. Il détruit même P, c'est ah, chiant. Ah oui, OK. Voilà. Non, excuse-moi, tu es au-dessus de moi. Je sais, je sais. Du coup, ouais, je vais déclarer end phase et je vais reposer encore. Ouais. Mais je tiens tellement de tours, bande de bolos. Attends, c'est laquelle que t'as reposé, celle qui fait quoi? Celle qui annule un effet qui prend le contrôle. Okay. Yes. C'est bon à savoir. Attends. Donc là, en gros, on est d'accord que c'est là, si je rejoue le magicien, je me fais baiser. On est d'accord. Je pioche toujours pas. Parce que t'as fait un oui de la tête quand même. Ouais, ouais, je pioche toujours pas. Allez.
Pourquoi t'as avancé deux cartes magie piège? Celles-là, c'est celles qui sont reposées par multi-rôle en fait. Parce que quand elles vont être activées, elles vont être bannies et pas envoyées au cimetière. C'est pour c'est un moyen technique. Ouais. Voilà, c'est ça. Il y en a certains, je sais qu'un joueur pose des genres de galets sur les cartes pour s'en souvenir, ou certains n'aiment pas du tout qu'elles soient avancées et les remettent comme ça, tout simplement. Mais ils peuvent oublier, et s'ils oublient, voilà, tu peux faire monsieur l'arbitre. Voilà, c'est ça. Enfin, en général, simplement, je lui dis ou je le fais pour lui. Mais c'est surtout que, comme ça, il sait où sont les cartes que j'ai reposées, je sais où sont elles okay, sont aussi. Ok, j'ai fait une erreur tout à l'heure. Alors attends, je fais vraiment un truc, je suis pas sûr. Donc j'invoque normalement ça, je fais l'effet. Donc là, tu vas faire ta merde. Voilà, et là du coup je peux chaîne avec destruction ou pas? Oui. Ok, donc là j'envoie de mon deck un monstre Exodia, donc par exemple cette merde, le bras gauche, et hop, je le remets dans la main. Et là ça c'est banni maintenant. Oui. Ah. Et du coup tu ajoutes ta carte. Oh Guillaume en PLS. Et du coup tu ajoutes ta carte livre de magie. Ah du coup je le fais? Oui, parce que ton monstre n'étant plus sur le terrain quand je tente de résoudre encre, je ne peux pas annuler l'effet. Ah, oh! Bah, du coup, ajoute là! Bah, je vais le faire, mais oui, je vais le faire! Oui, parce que tu mets mais tu peux faire que ça, du coup, là! C'est trop fort! Tu juste bosses! Il a trouvé la loupe! Oh là là là! Contre le champion de France en titre! Avec son deck fade! Il va peut-être le faire! Avec son deck de 2004! Non, pas du tout! Allez, ensuite, je vais activer Livre de Magie des Secrets. D'accord. Ça passe? Oui. Waouh! Le mec est trop vieux! Ça passe? Waouh! Et du coup, livre de magie du savoir. Sauf que là, ça va s'arrêter bien vite. C'est une invoque normale. Je peux pas vraiment invoque spé vu ma main de mort. Mais y'a aucun souci. Je me fais même pas de sous. Prochain tour, tu pourras repiocher. Oui, oui. Ça va être une délivrance, quoi. Yes. Ça, c'est très très beau. Et je vais, tu sais quoi, je vais même jouer ça. Et je vais récupérer. Faire des normes. Les D'accord. deux. Alors, ça, en gros, je joue et je peux récupérer deux monstres normaux de ma cimetière à ma main. Et il a gagné. Et là, Exodia. Et fin de tour. Yes. D'accord. Draw phase, standby phase, main phase. Non mais cherche pas, tu ne peux rien faire contre ma puissance. Voilà, j'ai activé engage. Donc là, quand tu l'actives, bah, pareil, elle va être bannie. Oui. Ok. Ouais. Ok, engage, c'est quoi déjà? C'est tu vas piocher et... J'ajoute une magie qui est pas dans le cimetière et tu pioches. Non, ça c'est son effet celle-là qui dit j'ajoute une qui est pas dans le cimetière. Celle-là, je peux ajouter n'importe quelle carte de Sky Striker. Ok, et tu pioches. Putain, ce qui me saoule, c'est qu'on a l'impression qu'il s'en sort, cet enfoiré là. Ok, il est rincé, il a trois cartes en main. Tu pourrais nous expliquer ce que c'est LLDS, pour ceux qui connaissent pas? Ah, voilà. Alors, les LLDS, c'est des tournois qui se passent La round 1 se passe environ du mois de juillet à septembre, à peu près. Et en fait, c'est des qualifiers pour la round 2. La round 2, c'est un tournoi... voilà. Les rounds 1 se passent dans ce qu'on appelle les DC, Duel Center. Voilà, c'est les boutiques dans lesquelles... Duel Center, comme dans Pokémon. Voilà. Pokémon Center. Voilà. La plupart du temps, ça, c'est là où on fait les tournois un peu toutes les semaines. Voilà, c'est... Et weekly. Voilà. Ah, juste une question, là, quand t'as pris la carte de ton deck à ta main, tu dois pas me la révéler? Je te l'ai pas montré. Ouais, non tu me l'as pas montré. Voilà, donc c'était le terme. Ouais, évidemment, ouais. Ok, désolé. Hey, Judge, Miss... Et ensuite, la round 2, c'est pour les nationaux. Donc ceux qui sont qualifiés, c'était les premiers et deuxièmes de la round 1, de chaque tournoi de la round 1. Ok. Et du coup, là, cette année, on devait être une soixantaine à la round 2. Pas tous les qualifiés peuvent forcément venir parce que là par exemple c'était proche de Bordeaux, donc ceux qui n'ont pas accès ou autres sont pas venus. Et voilà. Et du coup la round 2, c'est dans tous les pays, il y a ça, voilà. Dans tous les pays européens en tout cas, il y a ce système là. Aux États-Unis ils ont un autre système, en OCG je sais pas s'ils ont de tournoi comme ça. En fait, si je comprends bien, c'est un mini championnat de France qui te demande d'être qualifié. Qui te demande d'être qualifié et la première round se passe dans les boutiques, quoi. C'est un qualifieur, c'est un gros qualifieur. Et toi de ça, tu l'as gagné? J'ai gagné, voilà, en plus de gagner le championnat de France en 2018, j'ai gagné ça aussi. Ah, t'as gagné les deux? Oui. Ah oui, t'es vraiment le boss, quoi. Quelle honte quand tu vas perdre contre mon deck. Je vais faire... Non, je vais poser ça. Je vais faire effet du terrain sur la posée. Fais tes trucs, gros. Entrap. Voilà. Je vais prendre... voilà.
Assault l'air, mec armure, base Hercule. Ok, prends voilà. Concours sur la carte, voilà. Mais je te fais confiance. Voilà. Bah c'est juste c'est une carte à solaire, voilà. Ouais, ouais, pour l'instant, elle fait pas grand-chose. T'inquiète, t'inquiète. Je sais absolument pas ce qu'elle voilà. Fait, mais y a pas de souci. Je te ferai couper quand je dois. T'inquiète, fais tes voilà. Trucs. Mais de toute façon, je ne coupe même pas. Vas-y. Hein. Je vais faire effet de multi-role. Ouais. Et je vais faire effet du terrain pour invoquer voilà ce monstre-là depuis le deck. Ok. Alors du coup, l'effet du terrain, c'est obligatoirement un monstre qui est dans. C'est obligatoirement un monstre à solaire depuis le deck. Mais et le seul monstre à solaire qui existe dans le jeu, qui est mettable dans le main deck, c'est Ray. Ah ok, d'accord, donc t'as voilà. Celui-là. Parce que ça... voilà, en fait, y a, en monstre à solaire, il y a Ray et il y a les Link. Ok, ok, c'est d'accord. Tout. Voilà. Tu te souviens, c'est parce que toutes ces magies, il peut pas avoir de monstre. Ah oui, c'est vrai. Ça marche que s'il a des Link, donc ça sert ouais. À rien pour lui d'avoir plus de monstres que ça. Ah, donc, ouais. Si, donc quand je vais activer Raigeki, ça va me bien. Il essaie d'utiliser la même technique. T'empêche, là-bas, il est parti en frustration. Là-bas, il était en frustration. Il est devenu tout. Je crois que c'était la finale pour gagner 100 000 dollars, gros. Il était comme ça en mode. Et j'ai fait Raigeki, pas... et il était là. Il a tu l'as joué finalement. Non, non, je l'avais pas. Je le joue pas dans ma liste. Oh, le brain. Non, bah, du coup, tu fais un Link 2. Il jouait 2. Ah, c'est un Link 1, ça. Il jouait quoi là-bas? Link 2. Oh là là. Je le connais, je l'ai, lui, je crois. C'est un Link très générique. C'est lui. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Yes, je l'ai. Donc, non, tu peux faire des Links avec ton Exodia. Bah, évidemment. Son effet, je peux défausser une carte et cibler une carte magie ou piège que tu contrôles pour ouais. La détruire. Ouais, je la contrôle pas. Elle. Voilà. C'est ça. Et deuxième effet, si les monstres colliers ne peuvent pas être détruits par combat. Voilà. Ok. Bon là, elle est pas colliée. Voilà. Je vais faire l'effet. Du coup, je vais tenter de détruire ça. Ah, tu le tentes et malheureusement pour moi, ça passe. Ouais, ouais, ouais. Alors si cette carte par contre est envoyée depuis la MP au cimetière, je peux cibler un monstre l'interdit ou Exodia dans mon cimetière et l'ajouter à ma main. Mais t'en as plus. Non. Est-ce que tu as utilisé le premier effet? Excuse-moi, j'ai été un petit. Si si, il l'avait fait. Ouais. Est-ce que ce tour-ci t'as activé le premier effet? Ah, c'est ce tour-ci. Comment ça? Moi? Pour envoyer un monstre à la main. Ah okay, ouais, non, je l'ai pas fait. Parce que tu ouais. Non, parce que justement, tu peux faire qu'un seul des deux. Ah non, je l'ai pas fait. Seul, les deux effets. Je l'ai pas fait, mais du voilà. Coup, est-ce que c'est pas mieux de faire. Du coup, ça marche. C'est comme tu veux. Est-ce que je peux chain sur ça? Est-ce que je oui, peux faire ouais, ah, oui. Parce que du coup, vu que j'ai rien dans c'est autant le faire. Choisir. Bah, du coup, je vais faire l'effet. Et je vais envoyer depuis le deck. Et je vais envoyer bon, alors, jambe gauche. Je précise quand même, hein, parce que bon, j'en fais des tonnes avec le fait que Guillaume soit là, qu'il est champion de France, champion. Et du coup, LLDF, du coup je renvoie. Et ta carte on est d'accord ouais. qu'on aide un petit peu Xari quand même. Donc voilà, il ouais. faut bien comprendre que. Et Guillaume est très gentil, il propose de faire des replays et tout. Donc, je préfère quand même remettre les choses à l'heure. Comme toi, par rapport. Ah, désolé. Par contre, oui, voilà, j'avais oublié d'envoyer ça au cimetière avec. Ouais, la super poly, ouais. Voilà. Là, tu vas rien pouvoir poly, je crois. Quoique si, en vrai. Il y a deux. Je vais normal ça. Ouais. Voilà. Je vais tenter d'entrer en Battle Fader et d'attaquer. Tu vas tenter voilà. Eh ben, mec. Battle Fader mec, ouais. Ouais, Battle Fader. Oh, mais okay. En plus voilà. Oh là là. Bah oui, je suis allé le récupérer. Ah, c'est pour ça qu'il me tente. Mind Phase 2. Ouais. Voilà, je vais. Donc, Mind Phase 2, c'est quoi déjà l'effet ça? Tu l'envoies? Non, ça c'est. Là, c'est... je le fais sans l'effet. Voilà. C'est, Ah, c'est pour faire un link là. Voilà, là, c'est okay, juste je fais un link normalement. Ok, ok. Voilà. Donc je vais invoquer Shizuku. Et tu renvoies, et donc lui, c'est celui de tout à l'heure. C'est celui qui, voilà, qui me permet d'ajouter du deck à la main, une magie qui n'est pas dans le cimetière. Alors les amis, si vous voulez vous lancer... Par exemple, Gobelin parvenu. Si vous voulez vous lancer non, dans les tournois... Non, c'est juste les magies à solaire par contre. Ah ok. Il voilà. Y a une petite information, si vous tombez contre les decks SS comme ça, Sky Striker, il faut sider des monstres qu'on appelle Kaiju. C'est très très fort contre son deck. Ouais, tu sacrifies, tu comme sacrifies ça, son Link ouais. Et tu lui imposes un monstre dans sa zone principale et du coup il peut plus faire. Non, ça sert à rien. Il peut plus faire de magie derrière quoi. Ok. Voilà. End phase, je vais faire l'effet. Je vous montre le Kaiju voilà. le plus visé. Ouais. Le plus fort parce que c'est celui qui a le moins d'attaque. Exact. J'avoue. Cabassiel. Et je l'ai hein, en main donc. Aucun Kaiju tient limite de zone A pour qu'il puisse pas attaquer. Voilà. En tout cas, je trouve que pour l'instant, il m'a affiché zéro avec toutes ses manips là. Bah, il y a eu Waboku, il y a eu ça. Ridicule, voilà. Voilà. Et j'ai tapé un monstre en défense. Mais tu sais que je gagne à la meule, moi, dans ce deck. Hein. Voilà. Attends. Fais bien attention à toi. Hein. Il fait grave. Donc là, je pioche. Parce que c'est fini. Alors ça passe. Vas-y. Oui, ça passe. Et ouais, il gagne 1000. Ah, il gagne 1000. Oh là là, oh, c'est gagné. Je vais faire un Link. Non. Je crois que c'est banni ouais, quand t'as utilisé la fille. Ok, mais je peux quand même faire un Link. Oui, oui. Oh là là. Attends, c'est pas un monstre normal? Non, c'est... non, ça passe. Non, c'est un monstre de niveau 1. Hey. Oh, excuse-moi, Oxari, c'est un monstre de niveau 1. Et ouais, alors oh là 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 là. Première invocation Link de ma vie. Eh, les bookmakers sont en transpiration. Ok, fin de tour. Non. On va essayer de faire autre chose. Yes, alors, yes. Attends, c'est la première fois que je vois Xari faire un Link, quand même. Bah, c'est la première fois que j'en fais un de ma vie, donc...
Ouais, donc là, je pourrais peut-être faire un truc. Ouais, je vais aller regarder ton cimetière. Je pense que je vais utiliser une de tes machines. Non, j'ai gagné. Alors, je sais pas ce que t'as en... Hey, c'est quoi? Je vais invoquer normalement. Ici. Et... Oh là là. Oh, il bluffe. Ça passe? Non, ça passe pas. Ouais. Je vais en prendre le contrôle. Ouais, ouais, bah prends-en le contrôle, ouais. Ok. Yes, alors... ça avait pas l'air d'être prévu, hein. Non, bah non, c'était pas voilà. Prévu, non. Et ton monstre, il perd... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 800. Voilà. Donc, il a 0. Osef, c'est bien courir, ouais. J'en ai rien à faire. ok, la ok, ok. La corde directe de Xari passe à 3. Mais ça, c'est vraiment agité. Non, mais je peux encore tempo là. Là, on est d'accord qu'avec l'Incuribo, lorsque tu déclares une attaque, je sacrifie et toi, un de tes monstres aura 0. Voilà, le monstre qui attaque, ça t'a 0. J'ai 8000 points. Mais là, je suis désolé. Normalement, le deck tourne, hein, vraiment. J'ai pas de carte. Allez, à toi, vas-y. Donc, il y a une phase, tu récupères ton monstre. Et ouais, je le récupère. Et je vais faire l'effet de multi-roll pour reposer un. Ouais. T'es obligé de le remettre dans la position dans laquelle tu l'as pris ? Ou tu fais ce que tu veux. Non, c'est toi qui choisis la zone. D'ailleurs, ah, la position oui, oui, ouais, obligée ouais. En attaque, mais oui. Par contre, tu choisis la zone. Ouais, voilà. Ouais. Au moment où je le vole, je choisis la zone. Je et préfère, voilà. Mais je vais le laisser là. Okay. Donc, je vais juste reposer encre. Voilà. Je vais piocher. Ouais, ouais. Alors ça, c'était quoi déjà, pardon. Encre. Voilà. Ah oui, le truc qui bannit mes couilles là. Putain, mais à chaque fois, il le fait deux fois du coup. C'est relou. C'est combien de cartes de même exemplaire déjà dans Yu-Gi-Oh! Voilà, j'ai activé ça. Voilà. Ouais, donc ça premier c'est... effet, le monstre équipé peut attaquer deux fois, mais uniquement des monstres. Okay. Deuxième effet, s'il détruit un monstre et que j'ai 3 magies ou plus dans le cimetière, je peux piocher une carte à chaque fois que je détruis un monstre. Ok, ça me paraît faire. Troisième effet, quand elle est envoyée au cimetière par un effet carte, je peux recycler des cartes Sky Striker que j'ai dans le cimetière. Ok, ça me paraît correct. Voilà. Donc je vais faire multi-roll sur la base. Ouais. Et je vais faire l'effet de recycler. Ok, en fait ciblant. Fait voilà. Non, j'avais pas, j'avais plus de livre des secrets, les gars. Je l'ai plus, je l'ai déjà utilisé. Ouais. Pour ceux qui se demandaient. En fait, là, j'ai une main. Normalement, je pioche un peu avec le deck quand même. Là, je vous avoue que j'ai pas beaucoup de cartes. Mais ça. Et pour l'instant, tant que j'ai 8000, tout est possible. Bon, après, il y a une carte qui va dire j'annule tous les effets que t'as fait ce tour et nique ta mère. Ouais, donc maintenant, je vais faire engage. Ah, engage. Donc là, j'ajoute une carte deck à la main. Et en plus, tu pioches. Voilà. J'ai gagné à la meule, hein, je te le dis. Regarde. En vrai, tu tiens. Hein. Bah, je tiens parce que j'ai Wabu beaucoup et toutes ces merdes, quoi, et pendulier et tout. Mais j'aimerais bien quand même faire un début de combo. Là, à chaque fois, je mets le magicien et il me le baise. Bah, là, il pourra plus, là, ça y est, il va être banni, là, la prochaine fois. Mais du coup, ouais, quand j'active le magicien, c'est quoi la carte que tu me fais? C'est celle-là, là? Voilà, celle-là. C'est celle que j'ai reposée. Ah, oui, ça annule les effets parce que j'étais voilà. En mode tu prends le contrôle, mais ouais, t'annules aussi les effets. Oui. C'est pour ça que je peux pas aller tuto, quoi. Ok, ok, pas de soucis. Alors, je vais activer ça en ciblant ça, j'active ça en ciblant ça, et ça en ciblant ça. Attends. J'espère que tu vas pas one-shot quand même. Je sais pas si c'est un deck. Non, normalement, les SS ils ont TK pas. Donc là, les deux là, ils sont détruits ou c'est quoi? Non, je vais en prendre le contrôle. Je réfléchis juste ah oui, par okay. Rapport à ça, lequel je cible. Oh, tu le sens le charge-bord? Ah oui, t'as fait deux fois ça là. Et je vais cibler ça. Voilà. Ok. Alors. Donc là t'as voilà. Quoi avec ça? Alors, premier effet de ça, je peux cibler une carte, un monstre dans ton cimetière. Ouais. Premier effet, je le bannis. Deuxième effet, si j'ai 3 magies ou plus, à la place de le bannir, je peux l'invoquer spécialement sur mon terrain. Ok. Et effet de ça, bah voilà, j'annule ouais. Les effets, je prends le contrôle de tes monstres. Tiens. Ah, tu préfères pas le bannir? Non. Voilà. Ah, ouais, c'est le beau jeu. Voilà. C'est le beau jeu. Parce que là, si tu bannis, c'est gagné. En vrai, Osef. Enfin, c'est pas Osef, c'est chiant, mais c'est pas horrible. Voilà. Donc. Tu peux récupérer des parties bannies? Non mais t'inquiète, c'est géré. On nous dit juste dans le... Il est en train de transpirer. Non, c'est géré. Non, je précise pour ceux qui connaissent pas trop. Il y en a qui disent mais la encre du coup elle passe pas vu que t'as un monstre à la résolution. Mais non, c'est juste la condition d'activation de la magie. C'est pas parce que pendant la résolution... En fait, vu que j'ai activé une encre, puis une autre encre, puis mon autre magie, ouais. Au moment de l'activation, j'ai aucun monstre dans les zones. Ouais, donc okay. Pour l'instant, je peux encore les activer. Alors ça, lui, c'est qui lui? Alors elle peut attaquer directement. Et si elle combat, vas-y. Si elle combat, je peux envoyer une carte Sky Striker depuis mon deck au cimetière. Ok, aucun souci. Voilà, donc je vais faire un link avec ces deux-là. Pour un il a utilisé ma propre jambe pour faire un link. Du moment qu'il one-shot pas, j'ai encore une Phoenix. Chance. Voilà. Ensuite, je vais utiliser voilà, tes deux monstres et mon link. Mais non. Oh là là, il est là, il arrive. Voilà, pour faire le légendaire. Et le papa, dragon il est là. Voilà.
Ok, donc dragon, ouais, c'est mort, effet, c'est bon, c'est effet quoi? Alors, épée Borel. Épée Borel, yes. Voilà. Alors, je sais plus dans quel ordre c'est les effets. Épée, t'es mort. Voilà. Épée, t'es mort. Voilà, premier effet, non destructible au combat. Osef. Voilà, contre ce deck-là, pas du tout. Deuxième effet, une fois par tour, je peux cibler un monstre en attaque. Ouais. Le passer en défense et il peut attaquer deux fois. Et tu peux pas chaîner sur cet effet-là. C'est que des monstres adverses ou ça peut être un à toi? Ça peut être un des miens. Ok. Et troisième effet. Okay, aucun souci. Troisième effet, quand il attaque un monstre, il gagne la moitié de l'attaque du monstre et ton monstre perd la moitié de l'attaque. Ça cible ça le monstre ou pas? Non, vu que c'est une attaque en fait, quand on attaque un monstre, les effets qui font perdre de l'attaque et gagner de l'attaque ciblent très rarement. Mais il n'y a aucun souci. Voilà. Ça ne me fait absolument pas peur. Je vais... Parce que de toute façon mon bras gauche il a 200 donc voilà. On va prendre la... Voilà, t'aurais un kaiju. Bah il pleure. Mais j'ai Raigeki. Voilà, je vais activer Engage. Oui, bah vas-y, ouais. active. Il a plus de cimetière que j'ai de deck. Ah, c'est une bonne question, ça. Il reste combien de temps là dans est-ce qu'il aurait pas pu chain Link Kuribo? Non, parce que c'est quand on attaque Link Kuribo. C'est que quand il y a une attaque, ouais. Ouais, quand on déclare une attaque, ouais. Ah, oh, bah ça m'ennuise. Et mon plan machin médaille. Mon plan de meule. Ouais, je vais tenter d'entrer en battle phase et d'attaquer. Alors le battle pass je connais pas, mais battle phase. Ouais battle phase. Okay. Il attaque deux fois lui? Non là juste une fois parce que j'ai pas passé de monstre en défense. Ridicule. Donc je prends 3000 c'est ça? Oui. Moins 3000. -88 balles, je parle de quoi là? Du Borel Sword. La carte qui ah oui ça coûte cher. 90 euros je l'ai acheté. Ouais. C'est fort apparemment. Et je l'ai joué une fois et j'ai perdu. Tu t'es fait c'est pas en cyber tu t'as niqué là ou non comment il s'appelle? Ferme-la. Je vais faire mind phase 2. C'est par où pour éviter le gamin? End phase. Enfin, je vais activer l'effet. Faut que fasse le tour. Ouais. Je vais poser ça. Non c'est bon. Fais le tour. Ah d'accord. Ça. Attends c'est quoi l'effet de ça déjà? Pour chaque magie de l'archétype que j'ai activé avant dans le tour, je peux en reposer jusqu'au nombre maximum. Et mais après ils sont bannis. Mais après, elles sont bannies quand elles sont activées. Enfin, quand elles sont, quand elles tentent d'être envoyées au cimetière. On est d'accord que là, voilà. C'est bientôt la fin. Là, j'ai banni deux ancres et. Donc là, Donc je repose un terrain. Elle est où ma moitié? Et voilà, je repose ancre et engage. La mienne. Donc, j'ai pas à te montrer exactement où j'ai posé 4 cartes. T'inquiète. Et je sais exactement. J'ai plus mot de Damarki donc. Alors, ça va être au cast de ce qui je vais pouvoir voir. A-t-il une partie de l'interdit? Écoute. Pas vraiment, ok, yes. Je vais pas te mentir que je suis dans une petite sauce. Attends, je peux relire encre vite fait? Oui. Je cible encre, un monstre, je tente d'annuler l'effet. Si j'ai annulé l'effet, je peux tenter de le voler. Ou pas? Oui, tu peux chaîne. Mais ferme-la. Il y a Doc qui lui donne des conseils. J'en ai rien à foutre de mon corrigeant. Réveille Zodia, c'est le moment. Non mais j'ai une très mauvaise main. Alors ta main c'est le moment. Et j'ai une très mauvaise main de départ là, je vais pas te mentir. Je réfléchis hein. Je vais faire sûrement le pire truc mais je vais invoquer normalement jambe droite de l'interdit. D'accord. Est-ce que ça passe? Oui. Ok. Ah, attends, je vérifie. Ah oui, à savoir aussi ça je suis obligé de cibler un monstre qui a un effet. Par exemple ce monstre là, je pourrais jamais le cibler pour tenter de le voler. Voilà. C'était prévu. Il a invoqué la jambe droite de l'interdit. Il a compris ma stratégie. Je vais jouer le livre de magie de savoir. Envoyer au cimetière un monstre magicien que je contrôle et je pioche deux. Oui, c'est bon. Tout ça pour piocher. Hein. Allez. C'est deux pour deux quoi. Tin. Pue sa mère. Oh, pas mal. Il a vite changé d'avis quand même. Oh, pas mal. Oh, il a vite changé d'avis. Je vais. Le Raijeki qui est top. Je vais jouer ça. Un tour de paix. D'accord, on pioche chacun une carte, on prend plus de dommages jusqu'au prochain tour. Ouais, donc ça me fait tenir encore un tour. C'est genre le mec trop refait alors que ça pue sa merde. Ouais. Attends, et t'as pris la carte aussi qui détruit les MP, mes couilles? Ah non, c'est ça qui détruit... Non, ça vole les monstres, celles qui détruisent les MP... Voilà. Est-ce que tu l'as repris ou pas? T'as repris le terrain? Non, alors, voilà, c'est le terrain. Et la troisième que t'as repris? Ancre et engage. Ok. Voilà. Je vais mettre ça en face cachée. A savoir aussi, voilà, celle-là, elle détruit. Je cible un monstre face recto, je tente de détruire une magie ou une piège après, mais il y a l'inverse aussi. Je cible une magie ou une piège face verso, et si j'ai 3 magies ou plus, je tente de détruire un monstre. Voilà. Ok. Voilà. Et celle-là, tu l'as? Je l'ai dans le deck, je l'ai pas. Ah oui, voilà. Non, mais c'est pas celle que t'as récupérée. Voilà. Désolé, hein, je suis un peu loin la détente, y'a pas de soucis. Bah, du coup, fin de tour, j'ai mis un jour de paix, j'ai encore un tour. Draw phase.
Ouais, trop fast. Standby phase, main phase. Ouais, alors attends, tu peux me rappeler deux secondes. Attends, je reviens. Non destructible au combat, ok. T'as vu ce qu'ils ont noté, okay. En vrai, contre le deck d'exergue, juste que. Alors, du coup, je vais chaîne à ta drophée, je vais chaîne. Enfin, je vais activer. D'accord. J'active destruction 3 points d'exclamation. Et du coup, là, je peux faire l'effet direct en fait. Oui. Bah, je vais le faire. Je cible dragon mes couilles là et je le renvoie dans ton deck, c'est ça? Quand t'actives l'effet, je vais faire H. Ouais, bah voilà, obligé de faire H sur mon dernier carte. T'es obligé de faire ça. Allez. Et comment tu peux faire H du coup? Parce que dans l'effet, ça comprend une partie d'envoyer un monstre du deck au cimetière. D'accord. Et je peux voilà. Mais je peux le faire de la main au cimetière aussi. Oui, mais vu que dans la partie de l'effet, je peux pas. Par exemple, si t'as toutes les autres parties en main, je peux pas le savoir en fait. Donc le jeu suppose que théoriquement, t'es censé pouvoir envoyer du deck au cimetière. Donc dans ce cas-là, je peux faire H. Ok, ouais. Pas de soucis. Parce qu'il a toutes les parties en main, il a pas besoin d'activer la piège. Non, mais en fait, je l'essaie depuis le début. Hein. Je sais pas si tu sais compter, mais j'attends juste. Oui, t'attends attends juste le bon moment. T'imagines le bâtard. À la fin, hop voilà. Et j'attaque. Est-ce que c'est un effet rapide en fait? Est-ce que genre il peut me dire j'attaque, je te tue et là je fais bah non en fait. C'est pas un effet en fait, dès que tu les as, tu dois les montrer. Ah, voilà. Et si je les montre pas, est-ce que techniquement. Tu peux dire que tu la top deck par la suite. Je vais faire. Voilà. Ouais, okay. Fait tes trucs. Voilà. Vas-y. Oh, j'avais pas vu. Oh, j'ai Exodia, tu vois en fait. Ah, j'ai oublié, pardon, j'avais Exodia en main. Eh, hey, mais en vrai, la meule, hein. La meule, boys. Et la verre aiguillon. T'imagines, il sort de nulle part. Vise la meule. Enfin, je vise la meule là, il reste 10 cartes. En vrai, ça sent. Et à toi. Oh, ridicule. À moi. Alors. Putain, il y a encore une encre, ça casse les couilles. Je vais faire. Levons tous les mains pour qu'il je vais faire l'effet de ça en ciblant ça. Voilà. Je vais chaîne ça. Bah ouais, je me doute, ouais. Voilà. Ça fait quoi? Celle-là, alors elle rend mon monstre inaffecté par les effets cartes, excepté ses propres effets. Uh-huh. Et vu que j'ai 3 magies ou plus au cimetière, il peut pas être détruit au combat. Mais il était déjà pas destructible au combat, toi. Ouais. Donc là, il est. Ah, mais c'est. Il est inaffecté. Voilà. Inaffecté, mais. Ah oui, c'est juste. Oh, j'ai cru que c'était un équipement et c'était à vie. J'étais en mode, bah il est invincible, le mob. Ok. Et bah, il y a aucun souci. C'est jusqu'à la fin du tour, du coup, ça? Oui, jusqu'à la fin du tour. Il reste combien de temps? Par contre, tu envoies quand même la pièce d'Exodia. Ah, il y a le time. Ouais. Il reste 2 minutes 40. Ouais, sur les 40 minutes Quoi? Ouais. Mais je vais gagner au time. Ah bah non, merde, j'ai. Inverse tes points de vie. Hein. Et là, je joue Unity, on se serre la main et on partage nos points de vie. Ok, bah je vais. De toute façon, le truc il peut l'accepter. Hein. Moi, je l'accepterai à sa place. Je vais faire ça. C'est ça. Et là, je vais me faire baiser, c'est ça? Tu actives l'effet, ouais. Bah ouais. Du coup, tu chaînes, du coup, tu prends en contrôle. Voilà. Mais ça, c'est banni. Donc là, il n'y en a plus des encres. Voilà, là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ah, mais tu vas mourir. Et bah, du coup, fin de tour. Voilà, end phase, je te rends ton monstre. Ouais. Et je vais faire l'effet de multi-rôle pour reposer ça. Pas de tous. Et qui sera banni si tu le réutilises. Ok, draw phase. Donc là, je chaîne et je fais. Ouais, beaucoup. Alors? T'aurais pas dû attendre. Non, bah, comme ça, au moins, il peut rien chaîner dessus, tu vois. Ça change rien, de toute façon. Concrètement, il a raison. Je vais activer. Parce que là, sinon, il va me. Enfin, je sais pas, j'ai pas envie qu'il m'active des trucs. Voilà, je vais activer Hornet Drone. Donc, ça invoque un token Ace Sky Striker. Voilà. Donc, c'est comme si c'était ce monstre-là ou un Link. Pour faire ça. Mais c'est un token. Voilà. On a une demande pour pas que ça s'arrête au time. Mais oui, on va aller au-delà du time. Mais alors, juste une question, le fait que tu récupères ça, c'est à Mind Phase que t'as fait oui, ça? Oui, c'est ça, c'est à Mind Phase. Okay. Je vais. C'est quoi comme magie? C'est celle qui rend inaffectée. Ouais, mais c'est une magie normale? Non, une rapide. Ok, oui, parce que j'étais en mode. Ok, d'accord, pas de soucis. Mais non, on ira pas au time. Je vais. Putain, ce duel avec Zary qui tient tête au champion de France. J'ai joué à 3 mois beaucoup, un pendulier. Je vais activer l'effet et je vais tenter de récupérer Afterburn. Non, mais tente, tout passe. Je n'ai pas de end trap, je te le dis direct. Je vais faire l'effet de multi-role sur Kagari. Ouais, y'a pas de soucis. Je sais même pas ce que c'est. J'ai vois beaucoup. Ah oui, tes monstres peuvent pas être détruits. Oui, mes monstres peuvent pas être détruits. Mais Au combat. Ah merde. Okay. Oh, ma gueule. Résolution, tu fais quelque chose ou pas? Attends, mais j'ai même pas compris si ça passait. Ok. Donc, effet de multi-role, je cible une carte sur le terrain, je tente de l'envoyer au cimetière. Ouais. Et à la résolution, tu peux plus chaîner quand j'active une magie.
Voilà, c'est pour ça que j'ai ciblé Kaga. Ouais, okay. Et du coup, bah, il y a. Mais en fait, je vais chaîner destruction et je vais envoyer une partie de mes couilles là. Mais du coup, une partie d'Exodia. Attends, Jeff, regarde mon cimetière. C'est pas une carte plus, hein. C'est pas une cible valide. C'est vrai. Ok. Donc je fais le coup, mais est-ce que tu chaînes ton truc là du coup? Non, je cible ça. Je peux pas chaîner, j'ai un monstre. Et voilà. Oh, je suis le boss. Ok, donc Exodia l'interdit. Oh, il est beau. Magnifique. Et au cimetière. Et si je me souviens bien, Exodia c'est limité. Ouais. Ok. Oh, il commence à suer quand même. Oh, il y a une... Oui, il y a une goutte de sueur. T'es un genre d'animé, t'as pas le droit d'être ce gars. Tu l'as mis dans la bâtisse pour le duel. Du coup, j'active le terrain. Encore 10 tours, il a perdu la meule. Hein. C'est vrai. J'ai encore 3, moi beaucoup. C'est ça. Je suis à 7. T'en as 3. J'en ai un. Mais c'est vrai que là, du coup, j'aurais pas dû activer Wa beaucoup, mais je connais tellement pas son jeu que je suis en mode. Ouais. Je vais normal Ray. Ouais. Il y en a combien là que t'as déjà, t'en as 3 là déjà dans le cimetière ou t'as 3ème ou pas? Non, j'en ai renvoyé une du coup. Okay. Ça doit être la 2. Ouais, c'est la 2. Ah okay. Non, c'est la 3ème, c'est la 3ème. Ok, ok. Ses forces, ça me nuise. Ouais, je vais mettre ça. Ok, pas de soucis. J'ai quand même fait un seul lien, c'était le plus gros lien. Je vais activer post-combustion, je vais cibler ton monstre. Alors post-combustion, rappelle-moi. Alors je cible un monstre face recto, je tente de le détruire. S'il est détruit et que j'ai 3 magies ou plus au cimetière, je peux détruire une magie ou une piège avec. Et ben ouais, ça va passer. Voilà, donc je vais tenter de détruire. Et voilà, je détruis avec. Et du coup, il n'y a pas l'effet puisque voilà. J'ai déjà fait l'autre. Attends, j'ai fait détruire sa piège là. J'ai tout perdu. Je déclare une phase, je déclare l'effet. Ça demande à quoi sert la piège. C'est juste, tu peux renvoyer un monstre sur le terrain dans la main. Dans la main. Et envoyer une partie de Exodia de ton deck au cimetière. Ou de la main. Ou de la main. Ouais, ça, c'est le coup. Et par contre, le deuxième effet, c'est si elle est détruite, je peux récupérer une partie qui était au cimetière dans ma main. Mais je peux faire qu'un seul des deux effets. Là, vu que j'ai renvoyé à la main, je peux pas faire le deuxième effet. Voilà, je vais faire multi-roll et je vais tenter de reposer Shark Canon. Alors, c'est laquelle celle-là? C'est celle qui bannit un monstre depuis le cimetière. Ok. Voilà, à toi. Alors, commence à avoir un peu les couilles qui font bravo. Stand-by. Ouais, vas-y. Il est fessé d'un coup. Ouais. T'inquiète, vas-y. Je vais faire Shark Canon et je vais cibler Exodia le maudit. Oh là là, il a trouvé la stratégie. Y'a aucun souci. Ah, je le banne. T'es un méchant, t'es un méchant. Mais non, mais y'a aucun souci. Voilà. Je vais du coup, ma carte j'ai tout prévu dans le deck. Et du coup, ouais, il se passe quoi? Vu que t'as 3 MP, ça fait un truc en plus. Alors, j'aurais pu l'invoquer. Ah oui, mais là, tu t'en fous. Mais tu voilà, là, je l'ai juste. Tu peux le faire. Voilà. Ok. Alors, permets-moi de regarder mon propre cimetière. Je sais plus ce que c'est, ça. C'est le truc qui fait que c'est un ciblable. Qui est inaffecté. Inaffecté, ok. Et en plus, qui le rend pas non destructible au combat. Ouais. Et ça, je vais pas trop à m'en soucier, quoi, on va dire. En fait, si t'avais pu détruire ça rapidement, ça aurait été mieux. Voilà. Non, mais. Ok, allez, c'est le moment. J'invoque bras gauche de la croix. Et j'invoque spécialement l'incarné du légendaire Exodia. C'est Kevin. Alors, on a fait pour les effets de trois cartes, une fois par tour. Le cimetière votre main. Alors, cette carte est négative. Je suis la petite surprise. La petite douceur, elle est là. J'arrive, c'est qui va le surprendre. Il a 4000-0. La prise à la gorge ici directement. Ouais, c'est ça, 4000. Ok. Ok. Oh là là, tant de rebondissements dans ce duel. Yes. Donc, j'ai 4000-0. Elle fait quoi déjà? Alors, tes monstres perdent une attaque égale au nombre de magie que j'ai, sauf que ton monstre est inaffecté. Il est inaffecté, mon monstre. Pour faire simple, elle a 1500 et du coup, elle a pas d'autre effet. Je vais la défoncer. Voilà. Voilà. je réfléchis vite fait. on est bientôt au time là, c'est j'ai trop d'avance, ça va. J'ai trop d'avance. Je vais rentrer en battle phase. D'accord. Et je vais attaquer ton monstre. Je vais faire, voilà, du coup, pour la protéger. Donc, du coup, il est indestructible, mais tu prends quand même. Je prends 2500. 2500.
Il n'y a aucun sous. Et du coup, end phase. Et là, du coup, je récupère une carte. J'ajoute un monstre Exodia interdit depuis le cimetière en main, à ma main. Voilà. Voilà. Donc, je récupère n'importe laquelle. Allez, le bras gauche. Voilà. Et moi, je vais reposer Ornette Drone. Alors, lui, c'est lequel déjà? C'est celui qui invoque un token. Ok. Donc là, du coup, il a plus que 3000. Hein, vu que j'ai récupéré une. Alors. Il va me bâillir toutes mes parties pour qu'il soit mis 0. Tu l'as vénère, je crois. Hein. Oui, oui. Pas dû récupérer un morceau. Pas de morceau. Ouais. Je vais activer retour magnétique. Ouais. Je vais tenter d'invoquer un monstre machine ou rock qui est soit banni, soit dans le cimetière. Alors, durant time phase. Machine rock. Qui ne peut pas être invoqué normalement. Du coup, je vais cibler Kagari. Ok, et bah je vais activer ça. C'est pendant ton tour. Ok, voilà. Allez, n'active pas ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais faire l'effet de Kagari. Vas-y, et je vais récupérer... Détruis-moi, voilà. Détruis-moi. Hercule Base. Ok, ok. Alors ça, c'est lequel déjà? C'est celle qui recycle. Yes. Voilà. Voilà. Du coup, dommage. Draw phase. Ouais, ouais, draw phase. Standby phase, main phase. Oh, les gens qui vibrent hein, dans le chat. Voilà, je vais activer Cyclone Galactique. Ouais, bah ouais. Quand elle est activée sur le terrain, je cible voilà. Une phase verso, je tente de la détruire. Bah ouais, de toute façon, osez. Et deuxième effet, quand elle est dans le cimetière, je peux la bannir et détruire une phase recto. Ouais. Voilà. Mais pas durant le tour où tu l'as. Voilà, pas ouais. Durant le tour où elle a été. Yes. Ouais. Ça, je connais. Ça, c'est dans Duel Links, je connais. je vais poser. Ça, c'est sur Duel Links. Ça, ouais. Ah, ça, c'est joué de, pas mal dans Duel Links. Tu m'étonnes. Je vais faire l'effet de multi-roll sur la nouvelle posée. Ouais. Je vais faire l'effet et je vais tenter de renvoyer. Voilà. Le bouillonne. Voilà. Hop. Et deux. Attends. Rien, c'est duel quoi. Rien n'est fini car j'ai encore un ou à beaucoup. Et là t'as fait, alors attends, t'as reçu. J'ai renvoyé Deray et Shizuku. Ok, ok. Voilà. Tu me dis des monstres comme si je les connaissais personnellement. Ah bah, mais... c'est non, mais t'inquiète, t'inquiète. Non, mais... voilà, c'est le niveau 4. En fait. Oui, oui, voilà. Y'a aucun souci. Oui, Ray c'est le seul monstre que t'as. Non. Si tu veux après on fait un duel Madoshi contre Damarpi. C'est deux, quoi trois, Madoshi. Madoshi, je connais pas. 6, 7, 8, 9, 10. Je commence à 3000, au moins 2500. C'est assez vieux, ça date de 2013. Comme ça M-A-D-O-L C-H. Voilà. Ouf, ça me fait déjà mal à la tête. Des gâteaux. C'est des gâteaux. Écoute, on verra. Zari qui regarde son extra deck. Zari qui transpire. J'ai pas fait la combo du deck en plus. Hein. Ok. Insane. Elle peut attaquer directement. Oh, mais non. Voilà. Deux fois en plus non, une seule fois. Okay. Je vais attaquer directement. Zari, tu gagnes la okay. Cuisine de quelqu'un. Voilà. Du coup, tu prends 1500. Je prends 1500. Je gagne quoi? Zari, si tu gagnes, je te laisse ma cousine. Oh, bah là, écoute, Xana, ton pseudo est retenu. On va prendre ton adresse. Ok, donc là, j'ai pris moins 1500. C'est ouais. Ça, c'est bon, ça a été fait. Je vais. Poser 2 et je vais dire à toi. Voilà. Elle gagne 100 pour chaque magie que j'ai dans le cimetière. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle gagne 1000. C'est tout. Ouais. Ridicule. Ok. Rah. Comment Xari va s'en sortir ici? En fait, je dis ça parce que Xari ne peut pas perdre. Donc, je veux juste savoir comment il s'en sort en fait. Oula. Oh, il invoque le bras bravo, ça passe quoi? Oui, ça passe, ça passe. Je vais invoquer à l'incarné du légendaire Exodia. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Du coup, ils ont tous les deux 4000. Oh, regardez la tête de Guillaume. Il essaie de tenir la face. Mais il se met à transpirer. Yes, alors. J'espère que t'as du bon puis deodorant. Puis je vais attaquer. Je vais passer en battle phase. Oui. Je vais attaquer. Alors attends, est-ce qu'il y a des monstres qui sont invincibles ou je sais pas quoi? Non, là il y a rien d'invincible. Juste elle a 2500, elle a 1500. Bah j'attaque d'abord là. D'accord. Donc tu perds? Je perds 2500. Oh là là. Je vais activer l'effet de Ré. Ouais. Voilà, pour la réinvoquer. Ok. Et je vais attaquer là du coup. Allez lequel? Bah lui. J'en sais rien en fait ce qu'il faut attaquer, mais donc. Bah voilà, elle, je peux faire l'effet rapide pour invoquer un Link. T'inquiète, t'as raison, attaque Kagari. En gros, si j'attaque là, tu vas faire l'effet rapide et du coup, il y aura plus de cible, c'est ça? Enfin, je vais invoquer un Link et du coup, il y aura un autre Link. Elle, okay. Si tu l'attaques, vu que j'ai déjà fait l'effet de réinvoquer et que j'ai pas d'autres raids dans tous les cas, voilà. Je prends 1500. Vive moins 1500! Vive trop lune! Oh là là! Attends, vive la PCP! Il passe devant! Il passe devant! Xari est devant! Time! Xari est devant!
Aïe. Ah, putain, c'est dommage là, j'aurais pu faire un truc là. Un incroyable duel, on se retrouve, je suis tout seul sur le stream maintenant. Mais, non, mais j'arrive pas à tenir en place moi. Je vais faire un X-Seize. D'accord. Attends, il fait quoi? Ah non, tu l'es. Ouais. Je fais un X-Seize. Non. Le super cuirassé canon ferroviaire. Une fois par tour, je peux détacher un matériel et infliger 2000 points de dommage. Non, non. J'enlève un matériel. D'accord. Non. Ok, il me reste 500, c'est ça. Fais la Turexis. Il peut pas battle. Il a déjà ouais, battle. J'ai déjà battle. Ah ouais. En fait, il y a un monstre train qui a 6000 d'attaque et qui peut attaquer plusieurs fois. Ok, bah voilà. Non mais... Voilà. Là, en fait, c'est pour ça que j'ai regardé ton mode. Non, il ne laisse pas jouer. À 500, on avait gagné, dommage. Non, mais c'est juste... je sais pas s'il l'a, en fait. C'est, voilà. Non, non, j'ai... Ok. Bah si. Comment ça, si? Moi, je pense que oui, mais tant pis. Allez, garde tes Exodia. T'étais sûr de gagner. Ah ouais, je l'avais en fait. Ah oui, c'est celui-là, voilà. Donc en gros, si j'avais invoqué ça, techniquement j'aurais pu win. Je sais plus combien de points de vie il me restait, mais c'était possible. Ou alors, non. Est-ce qu'il est... Je rappelle, c'est la première fois que je joue le deck, donc... Non, t'inquiète. En vrai, si, il y avait moyen, parce qu'il aurait fait Gustave. J'aurais pu faire Kaina, en fait. Sûrement. En fait, j'ai un monstre dans mon extra deck qui peut empêcher tes monstres d'attaquer. Ok. Bon bref, voilà. Je l'avais, mais j'étais même pas au courant. Voilà. Première fois que je joue le deck, comme je dis. Yes! Ah ouais, beaucoup, il t'a gagné! Ah ouais, beaucoup, j'ai gagné! Zarek, crois en l'âme des cartes! Non, mais c'est sur mon tour là, je parle! Des ouais, beaucoup! Il a touché des ouais, beaucoup! Je vais set ça, et je dirai à toi. Draw phase. Ouais, beaucoup. Standby phase, main phase. Ouais, c'est mon rêve que ça soit cessé le feu, les gars, la carte passe cachée. Je vais activer ça. Voilà. Et là, c'est Wabuku. Non, en fait, c'était un bait. J'ai mon storyboard. Alors. Non. On a tenté. De le bait. 2, 3, 4, 5. J'aurais dû garder les incarnés. En fait, 9, je me suis dit, c'est 11. Trop beau, tu vas de le faire. Bon, il a 500. De toute façon, en vrai, je suis dans la merde là. Mais... 11. En fait, je connais tellement pas mon deck et je connais tellement pas le sien que je suis en mode bon. Oh, mais tu sais qu'il est bloqué, je crois. Après, il a quand même 3 Samir, il est. Je vais poser une. Il est explosé de rire. Voilà. Elle, chaque fois que j'active un effet ou une carte Sky Striker, enfin un effet de magie ou que j'active la magie, je récupère 100 points de vie. Son but est de passer à 2100 points de vie avec sa Kaina. Je vais activer Jamming Waves. Je vais cibler cette carte-là. Je traque. Donc je vais la détruire. Ouais. Vu que j'ai 3 magies ou plus, je peux détruire un monstre avec. Je vais détruire ton monstre. Bah mec, GG. Et je regagne 100 points de vie. Ok. Là. Ah ouais, là il est pas bien. Je vais... Oh, Xari, il aurait pu gagner. À 500 points de vie, hein. Il te reste. J'aurais pas dû jouer Gobelin parvenu. C'est ça qui m'a fait perdre. Je vais activer l'effet du terrain sur celle-là. Non mais là ici, c'était vraiment pour le beau jeu. Hein. De base, j'aurais dû garder évidemment les deux Exodia. Je me suis juste dit. Voilà. Non, mais Xari, tu trolls. Ah ouais, tu trolls. C'était trop beau. C'était trop beau. Tu pouvais en faire un truc contre les Exodia ou pas? Non, après, non parce que j'ai, non, j'ai mal joué Exodia. En fait avec ça. C'est impossible. On peut pas les gagner les deux Exodia. En soi, je pouvais, mais c'est parce que j'ai fait des mauvais ordering sur les tours précédents. Ils avaient 2000, les Exodia. À son tour, ils avaient 2000. Donc, comment ça se fait, ils avaient 2000. Il aurait récupéré deux. J'en récupère une. T'es obligé de récupérer des morceaux. Ouais. T'es obligé de récupérer un morceau par mec. Ah. Donc j'aurais eu 2000 et donc ça aurait été un peu. Mais tu pouvais pas mettre le gros sur le petit? Les canons ferroviaires? Si, mais il me l'aurait détruit avec un effet. De toute façon, il l'a détruit avec un effet. Oui, si, j'aurais pu jouer le gros par-dessus, j'aurais pu jouer lui, mais ça sert à rien. Notamment, le pot de cupidité peut te le donner à tout moment. voilà. Oh non, Xarek, il va échouer à 600 points de vie. Voilà. C'est quand même, c'est marrant. C'est avec le terrain, j'ai révélé une carte Sky Striker, mais je suis pas obligé de l'ajouter. Et du coup, vu que j'en ai quand même révélé une, ça s'est envoyé au cimetière. Ok. Voilà. Du coup, j'ai récupéré 200 points de vie avec ça. Ok. Je vais activer voilà, Hornet Drone pour me faire un token. Du coup, je récupère 300 points, enfin, je récupère encore 100 points de vie. Ok. Je vais changer le token pour faire un Link. Ouais. Voilà. Et je vais normal. Ouais. Je vais tenter d'entrer en battle phase et d'attaquer à 1500. Ouais. Encore à 1500. Ouais. Et encore à 1500. Battle Fader. Non. Et c'est la victoire de Guillaume qui l'emporte finalement face à Xari. Bien joué. Quel match. Mais quel match. Wow. Quel game. Quelle soirée en sur fait, le stream. Alors je tiens juste à dire que normalement, mon deck ne se joue pas comme ça. Normalement, vous avez
ces petits monstres qui vous permettent d'invoquer les parties d'Exodia, après faire des links, etc. Et aussi de les mettre vite dans le cimetière. Et bah, je les ai pas trouvés, hein, les petits pandas. Je les ai, et le et les envoyer au cimetière, ça te permet de, juste de récupérer avec la magie ou il y a autre chose? Non, mais en gros, non, j'ai, en fait ouais. Mon deck, c'est pas du tout un deck Exodia, c'est un deck vraiment incarné, quoi. Donc en gros, quand, vu que je les envoie au cimetière, lui, il est plus fort, quoi. D'accord. En gros, genre, par exemple, je peux faire la lien 4. Oui, en fait, le but, c'est de faire lui, oui, c'est de faire et lui. Pas de gagner par Exodia. En gros, je peux faire bah, la lien là, que tu viens d'ajouter, c'était quoi déjà? Comment il s'appelle? C'est pas mal. Cette lien là, avec les 4 monstres. Ah oui, c'est donc, du coup, je pioche 4 et puis je peux envoyer les petites parties. Et après, je mets lui et quand c'est une 5000 qui est insensible à tous les effets, je suis pas mal, quoi. En fait, j'avais un moyen de les passer sinon, c'était. Mais par contre, tes pandas, il en manque un là. J'en ai 3 maintenant. Et à 2000, tu aurais pu les passer ou pas? Oui, à 2000, oui. à 2000, normalement, oui. Oui. Parce que je pouvais faire. Attends. Il y en a que des pandas. Attends. Après, je vous avoue que connaissant pas son deck, j'ai vraiment joué beau jeu en mode. Oui, je le mets le plus bas possible, quoi. Mais... Parce que je pouvais faire un Link 3 à 2500. Ok. Voilà. Oh là 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 là. En tout cas, et très très beau duel. Merci à toi, Guillaume. Ah non. T'as peut-être transpiré un petit peu. En fait, oui, le truc, c'est quand même... j'ai eu des. Enfin, c'est de ma faute en fait. Je m'attendais juste à Exodia. Ouais, voilà. Non, en fait, voilà. Quand il a banni la carte, j'étais en mode. En vrai, c'est chiant, mais Ozef, je peux gagner 100. Juste, il sera 4000 et pas 5000, quoi. Mais en vrai, s'il avait pas banni, il aurait été 5000, j'aurais gagné du coup. Enfin, je t'aurais mis un peu plus de dégâts. Ça s'est joué à rien du tout. C'était quand même. T'étais surpris quand t'as joué les incarnés, du coup, tu y attends. Oui, non, je. Mais t'es en mode. Ah, c'est bon, je les gardais dans la main, j'étais en mode. J'ai déjà vu la carte, mais je connaissais pas ses effets en fait. Voilà. Les effets. J'ai dû la lire une fois quand c'est sorti et c'est tout. Après, l'avantage de ton deck Sky Striker, c'est qu'il est un petit peu polyvalent, non? Oui, c'est ça. Pour gérer les decks. En fait, c'est. Je peux assez facilement. C'est assez sensible face aux magies et aux pièges, surtout quand l'adversaire commence avec beaucoup. Après, en général, il y a moyen de facilement en enlever une, deux, voire même trois. Et surtout, ça gère très facilement les monstres, plus que les magies et les pièges. Voilà. D'accord. Okay. Bah, du coup, c'est, moi, en vrai, c'était pas mal, parce qu'avec mon Wabuku, bah, j'ai tenu 2, 3, 4 tours. Mais quel duel, quel duel. Je ne vais pas gagner, ce couillon, encore. Le champion du club du Guillaume. C'était. Après, là, ça marche bien sur la surprise, mais en BO3, dans le vrai championnat. Après, en vrai, là, le duel était tellement long, que sur une douille, genre, quand il a 500 et je fais c'est le time, gros, tu peux gagner sur une douille, quoi. Ouais, que ça fasse 15. Mais j'avoue que sur le... Sur souvent, enfin quand moi j'ai sorti Exodia, enfin on avait sorti l'année dernière quand j'avais joué au championnat de France, j'avais sorti un Exodia classique pioche. Et des fois je gagnais la première game, le mec sidait, deuxième game je faisais plus rien quoi. J'activais une magie, il fallait bah non, j'active pas et puis j'avais perdu quoi. Donc après, là, le deck c'est plus... de l'an passé était vraiment. Oui, était vraiment mauvais. Lui il est marrant, mais il peut passer, tu vois. En vrai, il peut passer. On fait la 2 ou ça non, fait trop de temps la première? Non, on va changer de duelliste, je pense. Parce que là, on a... en vrai, ça a duré 50 minutes. Hein. Bon, ah, d'accord. Il a fait un match, mais on c'est pas grave. Non, mais au pire. Il est 23h, il reste 1h. D'accord. Au pire, Xari, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais au pire, enfin, je sais pas que vous vouliez faire quoi là comme duel. On peut faire. Samir, tu veux game? Allez, vas-y, Samir. Au pire, faites des BO1, comme ça, il rejoue après. On fait un BO1. Allez. On fait un match. Par contre, juste Zulu, toi qui as fait le deck, il y a que deux pandas, je crois qu'il y en avait 3. J'en ai mis 2. Ok, il y en a que 2. Je vais chercher mon Madulce. Non, parce que je me disais, est-ce que j'ai oublié une carte? Il y a que 2 pandas, ouais. Okay. Non, mais attends, son deck là qui va prendre son Madulce. Pourquoi il y a une trace de chaussures? Ah, tu veux que je t'explique un peu c'est quoi son non, deck? Non, mais c'est un deck qui compte mon deck Harpy ou pas? Ça contre pas spécialement. Ouais, ça contre mais ça c'est meilleur. Quand même. Mais c'est non, enfin c'est pas forcément que c'est meilleur, c'est qu'en fait il a des cartes qui peuvent renvoyer sans cibler ou des choses comme ça. Okay. Et il a un terrain qui reste face recto et une magie continue. Ça tu peux les détruire assez facilement avec ton terrain du coup. Okay. Voilà. C'est bah, un écoute, peu dans les deux sens en fait. Samir, je t'attends, sache-le. Mais par contre il peut TTK assez facilement. Voilà. Okay, bah mais voilà. J'ai juste une question là du coup, parce qu'en parlant pour finir, cette carte là, si j'avais fait le X6 direct avant la battle phase, j'avais fait celui-là, est-ce que je pouvais gagner ou t'avais un truc pour contrer? Alors en fait, il aurait fallu... Alors le dragon canon ferroviaire libre, parce qu'en gros, j'ai fait celui-là. J'avais combien de points de vie au moment où j'ai attaqué avec les deux incarnés, t'avais 6500. J'avais 6500? Bah peut-être que tu pouvais me tuer, oui. Je crois que tu me tuais. En fait, je savais même pas que j'avais cette carte. Je vais pas te mentir. Je te dis, vu que c'est vraiment la première fois que je joue le deck. Donc, une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Elle gagne 2000 d'attaque de défense. Et aussi, le reste de ce tour, vous pouvez uniquement déclarer une attaque avec cette carte. Donc d'accord. Là, elle aurait gagné vu qu'elle avait 3 matériels. Durant chaque battle phase, cette carte peut faire un nombre d'attaques inférieur ou égal au nombre de matériels X's qu'elle a plus 1.
Et je peux détacher autant que je veux de trucs ou je peux en détacher que un? Un, je crois. Ouais, mais ça. Tu peux détacher un. Mais oui, du coup, en fait, elle passe à 6000, mais elle peut taper qu'une fois. Non, c'est deux fois. Non, elle peut taper. Ah non, parce qu'en gros. Ouais, elle pourra taper deux fois. En gros, elle, il y a les deux incarnés en dessous, donc vu que je mets ça, normalement, il y a trois matériels du coup derrière. Ouais. Donc du coup, j'enlève un. Tu détaches un, tu peux attaquer deux fois en plus. Voilà. Et je peux attaquer deux fois à 6000, quoi. Donc techniquement, j'avais gagné. Hein. Oui. Donc je suis juste un trou du cul. Mais je savais même pas que cette carte-là existait. Enfin, je la connaissais pas. Fallait lire ton deck, enfoiré. Mais je l'ai lu, mais oui, non, après, c'est les liens. C'est vraiment que mon côté, j'ai joué vraiment dans le désordre complet aussi. Ah ouais, non, voilà, mais en même temps, c'est dur, tu peux pas savoir quel. Mais en fait, c'est j'aurais dû mieux gérer mon deck, ça c'était faisable. Non, mais attends, on est en émission. Oui non, je sais, c'est pas. On te pose beaucoup de questions. Après sympa, même j'aurais perdu. Même j'aurais perdu, c'est pas grave. Hein. T'inquiète. Ouais. Ah, ça aurait été marrant. Du coup, moi je te propose. Max est déjà parti, les gens pour. Non, si je peux juste ajouter un truc, dans le chat ça dit oui, mais il pouvait pas l'invoquer, il est pas des monstres de niveau. Tu peux l'invoquer justement sur l'autre. Bah si, ouais, sur l'autre en fait. Oui, voilà. Donc tu peux l'invoquer sur celui que j'avais invoqué, mais je suis con parce que bon. J'avoue que j'ai lu les links de mon deck, mais les X6 souvent tu les fais pas trop, donc j'étais en mode. Je suppose que tu connais pas trop non plus les cartes de Samir. Je vais pas te mentir, je connais rien. C'est vrai. Okay. Ouais, c'est mon deck préféré. Voilà. Quoi, c'est ton donc deck Samir en j'avais un coup de foudre quand ça sort. Voilà, 2016, quand, après avoir gagné son Europe, il a le World et il a joué ce deck-là. Enfin, voilà. Une autre version du coup, vu que. Attends, parce qu'il faut pas qu'on parle en même temps. Mais vas-y, finis Guillaume, finis. Voilà, donc il a le World avec ce deck-là. Lequel? Le Mad Dolce. Mad Dolce, voilà. Une version. T'as joué au World avec ça? Ok, bah je vais te pulvère, gros. Je vais te pulvère. C'était une version différente vu que certaines cartes étaient bannies, d'autres sont. C'est une version adaptée. Mais c'est assez vieux comme deck. Voilà. Déjà au moment des Worlds, c'est plus personne jouait ça depuis bien longtemps. C'est un deck qui doit dater de 2013. Comment ça se fait que t'as le World avec ça du coup? Enfin, je me suis pas qualifié avec ça, mais c'est parce que je trouvais que c'était un bon choix parce que vu que c'était mon deck de cœur, je le joue tout le temps de temps en temps et je trouvais que le hasard de la bannisse commune. Le faisait qu'il était fort à oui, ce moment précis. Il y a un truc avec les Worlds, quand tu arrives aux Worlds, ils font un mix entre l'OCG et le TCG c'est au niveau ça, des bannis. C'est combiné dans le plus strict. C'est chaud ça. Et bah justement, ça crée un format unique propre aux Worlds. Et à ce moment-là, tellement tous les decks ont été hit, bah ce deck, il n'a pas été hit, enfin touché. Et du coup, ça le rendait la limite le deck le plus fort, mais personne n'en avait conscience, vu que plus personne jouait ça depuis longtemps, à d'accord. Part moi. Mais t'as fait 11ème, donc c'est ouais. Peut-être raison en fait, non? On le fera jamais. J'en sais rien. Non, c'est rien. C'est surtout 11ème sur combien? Parce que 11ème, oui. Ça fait rien dire. 11ème sur 24. Mais c'est les, entre guillemets, c'est les 24 oui. Meilleurs joueurs du monde. Oui, donc et, c'est bien. Et à prendre en compte, c'est que, c'est que c'était un très bon choix contre celui que tout le monde pensait être le meilleur deck. Parce que le meilleur deck, disait que ces monstres pouvaient pas être ciblés. Or, Samir a des deux pour envoyer des monstres sans les cibler. Ah, ok. Voilà. 6 contre 6. Mais j'ai gagné. Je vais commencer. T'es sûr? Et tu verras, je vais te montrer tout que ça ton pour deck. Un pour gagner un tour de plus. Tu verras que ton deck n'est pas si bon. En vrai toi, tu. Enfin. Toujours. Est-ce qu'il y a des decks bon, qui préfèrent. Partiellement, on croit à l'âme des cartes. Il y a des decks qui sont des entre bons decks guillemets de focus sur le fait d'OTK et eux, ils veulent être joueurs 2. Ah, ils pourraient attaquer. Mais j'avoue qu'il y a pas mal de jeux de cartes où quand t'aimes bien commencer. Quoi. Je vais 7 ça. Sauf dans Duel Links. Bah avant, dans Yu-Gi-Oh, la plupart des decks voulaient commencer parce qu'il y avait la 6ème carte en plus. Oui. Et bah, ils ont modifié les règles. Heureusement, parce que c'est tu ajoutes un égoïste élégant. Exactement, ça passe. Égotiste. Ouais, ça passe. Élégant. Tu connais même pas tes cartes. Égotiste, c'est vrai. Je suis à deux doigts de bouillir. Et putain, j'aurais pu gagner avec le super Kurasa Canon Ferroviaire Juggernaut. Dommage. Fin de tour. Je pioche une carte. Je suis pas bien. Je vais activer Tourbillon Jumeau. Ok. Je défausse une carte de ma main. Je détruis tes deux cartes face cachée. Je vais faire en draw face. Ça marche. Du coup, end phase, je vais tuto 3. C'est gentil. Je t'en prie. Qu'est-ce qu'il a? J'invoque Kurima Arc-en-Ciel. Mais c'est quoi ce truc? On n'est pas dans Digimon ici. Kuribor. C'est quoi Kuribor Arc-en-Ciel? C'est un monstre à 100 points d'attaque. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Quand l'adversaire me déclare une attaque, je pouvais te le révéler de ma main et te l'équiper à ton monstre et annuler son attaque. Et aussi, dans le cimetière, il peut s'invoquer spécialement quand tu déclares une attaque directe. Okay. Voilà. Je vais l'utiliser comme Link okay. Pour invoquer Link Kuribo. Ok. Elle fait quoi, Link Kuribo, déjà? Quand tu déclares une attaque, je peux le sacrifier pour passer l'attaque de ton monstre à zéro. Okay. Du coup, je vais attaquer directement avec le Link Kuribo. Ah,
Aïe 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 aïe. Et bah je prends 300. Hey. Et voilà, time. Je vais poser une ouais, beaucoup, carte ouais, beaucoup, ouais, beaucoup. Et je vais dire à toi. Ok, je pioche. Ah ah. Oh, attends. D'abord, end phase, j'active l'effet de Sinistrik. Vas-y, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Hey, Judge, too late. Ah oui, certains joueurs aiment bien ça. C'est trop tard, tu ne peux pas faire. Oh putain, ouais, ça c'est terrible ça. Bien vous, c'est les pires. Mais pourquoi là, ça aurait été too late, t'as pas encore pioché? Si j'avais. En fait, il avait commencé à pioché. Non, mais ça, je m'en fiche, t'inquiète. Hein. Non, mais je sais, mais mine de rien, c'est le genre de truc, faut faire attention quoi. Oui, ouais, ouais. Totalement, par contre. Ah, moi, le truc là qui me fait le plus peur avec ce deck, c'est Dodro Face, tu pioches pas. La deuxième Dodro Face, le tour dure 10 minutes, t'as oublié, tu pioches. En fait, ton avidité téméraire, je pense qu'elle est là pour comboter avec un des trucs de l'incarné qui est que, il me semble, il a un effet de style. Quand il est envoyé au cimetière, tu peux révéler ta main, enfin, tu peux révéler autant de parties d'Exodia de ta main et piocher autant. Oui, c'est et ça. Du coup, tu link oui. Avidité téméraire pour essayer de piocher un maximum. Mais en fait, de là, je l'ai utilisé, j'avais vraiment une main de merde. En fait, j'avais deux incarnés dans la main de base, enfin, j'avais rien pour comboter, j'avais le truc qui permet de récupérer les deux parties du cimetière. Du coup, ça me sert à rien. Donc, je l'ai fait juste pour essayer d'avancer sur un tour. Parce que sur un tour, techniquement, s'il m'avait pas cancel tous mes effets, techniquement je peux piocher 2, 4, 6 cartes, tu vois, et après faire des liens et tout. Attends, sauf que il m'a baisé avec ses encres trucs bidules là, et j'étais en mode bah yes. J'ai dû invoquer quand même 6 fois le mob pour que les encres elles partent quoi. Je préférais la carte que j'avais pioché tout à l'heure. C'était même très très fort. C'était même très très fort, tant pis. Invoque chienne, hein, en synchro. À tout moment, hein. Je vais invoquer ça. Oui. Mais déjà Harpie. Elle est comptée comme Harpie, je peux défausser une carte Harpie, bon. Je vais effet. Bien sûr. Donc cost. Je vais défausser harpie, harpie, harpie. Quand elle a une phase, je vais pouvoir tuto une harpie à 1500. Ça marche. Et du coup, je vais invoquer. Attends, je regarde. Remets ton micro, ça vient, parce que je crois qu'il va tomber. Ah, il va tomber. Non, il est, en fait, il est plus sur ton oreille. Ah, attention, ouais, c'est la partie oreille. Vas-y. Attends, allez. J'arrive. Non. Ah, oui, c'est vrai. Ah, voilà, c'est bon. Non, c'est bon. Parfait. Du j'ai réfléchi. Ah, Samir, as-tu un Twitter? Non, je n'ai pas de Twitter, désolé. Ah. Un peu là, du coup j'invoque en position de défense, que c'est l'effet harpie harpiste, et elle me permet tout simplement, elle, quand elle est invoquée normal. Dans le chat, on te dit par rapport à l'avidité téméraire, normal, tu peux poser un dé sur ton deck, certains le font. Ah. Voilà. De quoi? Pour l'avidité, tu peux poser un deck sur le. Un dé sur le deck, ouais. Comme ça tu t'es en mode. C'est vrai que. Et du coup, je vais chercher un égotiste. Samir, je vais chercher un égotiste avec l'effet de parfumeuse. Ça marche. Alors, je sais pas si on m'entend, ouais, je pense. Ouais, okay. Alors, pour le chat, oui, il y a un site pour, il y a plusieurs sites pour essayer les decks en ligne. Il y en a un, c'est Dueling Books. Je vais égotiste, bien voilà. Sûr. Ça se joue directement sur Google. Et il y en a un autre, c'est Yu-Gi-Oh! Pro, où celui-là, il faut le télécharger. Non, moi non plus, j'ai pas Twitter. Passe. Je le remélange pas, parce que j'y retourne. Égotiste. Oh là là, là, là c'est le tour de Zulu, là. La Zulu, il... T'as un pauvre petit Link Kuribo dégueulasse là à lui opposer, ça va faire très très peur en fait. Ne sous-estimez pas Link Kuribo. Au moins il a pas fait long. Hein. Link Kuribo il permet d'éviter des OTK des fois. La rétro pack. Voilà. Donc rappelle-moi ce qu'il fait Link Kuribo. Juste, je peux le sacrifier pour que l'attaque d'un de tes monstres passe à zéro. Mais en plus, du... oui, c'est que tu quand tu déclares une attaque. Ouais. Ouais. Ah oui, par rapport à... Il y a une question par rapport à multi-role dans le chat. Oui, on n'est plus obligé de poser les dés sur la carte haute. C'était déjà pas... c'était déjà pas obligé avant. Mais en soi, si les deux joueurs sont d'accord, ça peut être fait. Voilà. Au cas où, oui, je train sur Dueling Books, moi. Et en... En général, les meilleurs joueurs traînent dessus, mais les meilleurs joueurs jouent plutôt en vrai plutôt que sur Internet. Donc ça permet plus de playtest si on a personne avec qui jouer. Bah, disons que l'avantage du Link, c'est que c'est en ligne et qu'on fait tout manuellement, donc on peut vraiment s'entraîner à faire ses combos. Je vais lien, je fais ça. Et Zulu qui est parti là dans roue libre. Alors, Daruma. Ouais. Donc Daruma, une fois par tour. Vous pouvez cibler une magie piège sur chaque terrain et détruisez-les. D'accord. Je vais cibler ça. Ah, attends deux secondes, s'il te plaît. Quand tu l'invoques. Ouais. J'ai réfléchi. Vas-y. Daruma, c'est une carte très forte, mais très limitée parce qu'elle peut être invoquée seulement dans certains. Tu as pas activé Sinistrik ce tour, on est d'accord. Non, j'en ai pas activé. À l'invocation de ton monstre, je vais faire Trap Perfide.
Oh. Ça détruit deux monstres sur le terrain. Dommage. Je vais donc détruire ça. Et... Ouais, c'est pareil. Ça, ça aussi, c'est dans le link. C'est ça, c'est la patience est une récompense. Alors, tu me détruis ça et ça? Oui. Tellement okay. Chiant dans Duel Links, ça aussi. Du coup, à l'invocation, donc ça active pas mon effet. C'est ça. Voilà. Oh. Au cas où, oui. Oui, on a eu. Notre team a une page Facebook et un YouTube. Voilà, c'est. Vous tapez Bendo Card Player dans un des deux et vous devriez trouver normalement. Alors, pour trouver les deck lists, les nôtres actuelles, vu qu'elles changent parfois beaucoup ou autres, ça va être difficile. Mais sur YouTube, on peut retrouver des deck lists de personnes qui top à des events. Maintenant, mon Kuribo est plus redoutable. Ouais, mais non, il m'embête. Putain, il me casse. Et t'as baisé avec une petite trappe. En vrai, j'ai l'impression qu'il y a presque plus de pièges dans les decks, mais à chaque fois, c'est des pièges qui retournent le jeu, quoi. Genre Wabo. Ah, Wabo, très fort. Ah oui, non, mais un niveau 1 pour le problème avec mon deck, c'est que quand tu l'actives et si j'ai rien eu le temps de faire avant, pour pouvoir empêcher l'activation, c'est je ne peux faire aucun dégât. Écoute, battle. J'annule ton attaque entre guillemets vu que je passe à zéro, c'est pareil. Ouais. Tu fait, le fameux Link Kuribo de Samir. Je vais faire ça, fin de tour. Il t'a baisé un peu, Zulu. Ah. Au niveau de déception, t'as combien là? J'active fusion instantanée. Je paye 1000 points de vie. Ok. Ah, Zulu. Quoi t'as oublié de faire un truc. Vous m'entendez? Ouais, ouais. Oui. En fait, t'as pas. Ça, c'était pas obligatoire, mais t'avais ta harpiste au cimetière, tu l'as pas fait? C'est ouais, vas-y, pas vas-y, obligatoire. Vas-y, vas-y. Ouais, vas-y. Voilà, mais... Merci. Non, je désolé, t'en prie. Désolé. Je t'en prie, j'avais totalement oublié moi aussi. J'avais renoncé au mille-dieu. Alors, fusion instantanée, c'est quoi exactement? Excuse-moi. Ouais. Je peux payer 1000 points de vie pour invoquer spécialement une fusion de niveau 5 ou moins de mon extra deck. À la fin du tour, elle est détruite. Du coup, j'invoque le renoncé au mille-dieu. Son effet, c'est. Il me permet de prendre un monstre et l'équiper. Donc je vais activer son effet. Tu veux pas activer son effet. Tu m'annules mon effet. Je veux lire un truc sur ça. Un des effets de monstre activé par votre adversaire. D'accord. Pardon. Ah, c'est un pouvoir de Jedi. Tu ne veux pas activer son effet. Mais je vais quand même activer l'effet de Link Kuribo. Alors tu ne peux activer aucun effet. Je le chaîne à ta. Au cas où, non. C'est un effet rapide. Par rapport aux joueurs qu'on m'a demandé. Je le chaîne à ta. Non, j'en connais aucun, je crois. Demande au chat. Je crois que ça me dit rien à ce moment-là. Sacrifie. Là, ouais, spécialement. Okay. Et du coup, je vais poser une carte face cachée et je vais dire à toi. Ok. Ah oui, Samir, on paraît totalement un enfant. C'est la meilleure transition entre les joueurs compétitifs et les joueurs qui aiment l'animé. Voilà. Hey. Donc, à savoir que là, Samir, son deck ne tourne vraiment pas très bien. Ça veut dire qu'il n'a pioché aucune carte pour lancer ses combos Madolfé. Voilà. Effet de terrain. Je vais péter ça. Le signe historique. Ouais. Ouais, ça marche. Non, on joue pas ultra jeu. Samir habite donc sur Lyon. Mais il descend. J'active l'effet. Attends, je fais livre de la lune. Ok. Il descend au Link, je crois que c'est sur Nîmes. Et moi, je joue dans l'Oise. Ok, j'attaque du coup. J'active le feu à nouveau et j'annule l'attaque. Ok, très bien. End phase. Oui. Je récupère. Est-ce que je peux piocher mon deck? Oui. Alors, je joue Magnet River, c'est plus pour essayer parce que pour l'instant, ça n'a pas été très essayé. Oui, Samir, il joue à Vanguard. Il a fait top 4 au World cette année. Ah ouais. Alors, je ne fais pas trop de sous, moi. C'est plus ceux qui font des achats-revente qui vont en faire. Mais il y a des joueurs compétitifs qui en font. D'accord, t'as le cheaté. Moi, je suis plus concentré sur le jeu. Je pense ça. Hein. Oui, oui, ça marche. Et mes lots de tournant, en général, je les garde. Je vais... Bon... Ah oui, Samir, il croit totalement à l'âme des cartes. Il connaît même le champ pour invoquer la sphère de rat. Voilà. Puissance de rat. Ceci est très drôle. Quand en tournoi international, on entend Samir chanter pour invoquer Magie la sphère de rat. Effet. Alors c'est quoi? Ça va me chercher un monstre Madolchier de mon deck et l'ajouter à ma main. Ouais, mais t'as pas envie d'activer son effet. Ouais, j'ai pas envie. Pour une fois que Samir pouvait faire quelque chose. Je pioche. Non, il y a pas eu de match Samir contre moi. Après, je sais pas si avec l'heure c'est je prévu. Ouais. Effet. Yep. Ah. Oui. Ah.
Là, le fait que les sleeves soient marqués, c'est pas trop un problème parce que c'est entre nous. Voilà. Il y a eu la demande, le commentaire dans le chat. Il y a un problème avec mes sleeves là, c'est ça? Ouais, apparemment. Ouais, ouais. Voilà. En tournoi, je viens de les voir. En tournoi, c'est un problème. Allez, les gamelots se dégagent. Merci. Ah, Samir, on veut te voir avec le puzzle du Millennium, il semble. À tout moment, à tout moment. Peut-être ça va me permettre de top deck, hein, les gars. Chalant. Yu-Gi-Oh! C'est quoi ta carte? Là, juste quand elle est détruite au combat, elle va te renvoyer dans le deck. Quand elle est détruite au combat, hein? Ou par un effet. C'est quand elle est détruite tout court. Je n'ai pas peur. Tu ne me tueras pas. Je joue à Kray dans l'Oise. C'est le seul effet qu'elle a? Ouais, maintenant oui. Maintenant qu'elle a invoqué, oui. Oui, et je connais la team Yu-Gi-Oh! Je peux réactiver le fait de courir par français de l'expédition. Si je dis. S'il a pas dû changer de team. Je crois qu'il y a l'élève de Brice qui s'appelle Dinde Douce aussi. Voilà. En général, je connais pas trop les personnes qui se font dedans, mais pour le peu que je les, pour le peu que je connais, ils sont sympas. Tu ne joues pas 13 combien? 7000? Oui, il lui reste 7000. Et toi, 7700. Voilà. Tu as juste pris l'attaque du puissant Link Kuribo. Je me bats avec Kuribo tout à l'heure quand même. Samir se bat au Kuribo, hein, voilà. Le deck Cyber Dragon, c'est pas très fort actuellement. Voilà, il y a très peu de decks. Enfin, il y a mon deck Sky Striker qui joue des magies, il y en a très peu. Ça marche. Pour m'entraîner, moi j'utilise Dueling Book. Samir utilise ça aussi, même si avant il utilisait Yu-Gi-Oh! Je vais récupérer Pro. Ça comme carte. Ça marche. En World, non, t'es pas obligé de jouer avec des cartes anglaises, non. Mais après, c'est conseillé vu que c'est la langue internationale. Voilà. Ouais, bon, ça pue un peu. Pas sûr. Voilà. Alors pour les sleeves marqués, c'est en fait des fois, à force de mélanger ou autre, ça, fait, ça laisse des c'est marques des nouvelles, sur les en fait, sleeves. Je viens de les mettre. Oui, d'accord. C'est juste, on me demandait dans le check. Non, mais tu m'accuses. Non, non. Moi coup, aussi, hein, mes sleeves, elles sont, j'ai pas fait normal. Elles sont défoncées là. Mais voilà. C'est en fait, ça laisse des traces sur les sleeves. Et certains utilisent ça pour tricher plutôt que simplement par inadvertance. Ça restera ou non, je suis pas sûr. T'inquiète, prends les en main si tu veux. Par contre, t'es obligé de détruire une MP. Ah, apparemment, oui, voilà, l'effet du terrain aussi. Ah, ouais, terrain. Ouais. Il me permet. Ouais, attends, moi je détruis ça. Ça marche. Ah. Je fais pas ça du coup. Non, Beglazator, ça fait longtemps que c'est plus jouable. Enfin, jouable à haut niveau. Ah. Samir, tu nous parles un peu anglais ou. Yes, I speak English correctly. Don't bat. Je vais faire ça. Non. Je vais faire Renard. Je vais faire ça pour pas que tu joues d'effet de monstre que j'ai. Voilà. Oula. Je vais faire. Y aurait-il un OTK qui se prépare? J'ai peur. Zulu, il active même plus ses pièges, il les jette sur l'adversaire. Ouais, c'est, bah. J'avoue. Je vais faire Xyz. Après tout, Samir a juste été champion d'Europe. Oh, clair. Je vais perdre ma carte. A savoir que l'Xyz préféré de Samir, c'est Utopie. Hein. Voilà. C'est vrai? Oui. Voilà. C'est vrai. Donc. J'ai fait Xyz rang 4 Utopie et je peux mettre Utopie éclair dessus, à savoir qu'elle a un effet. Quand j'attaque, je peux détacher 1 et elle passe à 5000 d'attaque. Je détache 2? Ouais. Ok, hop, je détache alors, 2. Alors, sur Vince, je l'ai un petit peu connu parce que quand j'ai commencé à Kray, il et venait du coup, à Kray avant d'être champion de France. Bah, 3006. Mais par contre, il a jamais. 2002 du monde, mais et 2006 ça sur le jeu de cartes. Bah je crois que ça tue, hein. Je pense que ça tue. Il y a combien? Il y a 2002 et 2006. C'est ça, c'est 3400. 3008 et 3000. Ouais, c'est ça, je crois. Attends, tu peux. Alors 3006. Oui, c'est sûr. Non, c'est sûr, ça tue. Okay. 2002 et 2006, ça fait 3008, 3008 et 3006. Je suis mort. Waouh. Oh là 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 là! J'avais dit quoi de ton deck là? T'es déjà en train de voir! Petite merde! Non, j'avais mon Starryborn après! C'est le deck du gâteau, c'est pour ça! Eh, voilà. Bien joué Samir! Bien joué! Bon, j'ai galéré à le jouer! Hein. J'ai galéré à jouer mon Harpy! Oh, j'ai vraiment pas assez d'heures de jeu et tout dessus! Le... Voilà, Samir a pioché. Il a pioché une carte d'Engine que t'as contrée. En dehors de ça, il a rien pioché en fait pour lancer ses combos. Aïe aïe aïe, dommage. Après, faut dire. Mais c'est le jeu, voilà. Pour le coup, Samir, voilà. Je vais battre le Kuribo. Ça réclame un Guillaume versus Samir. Vous voulez aller à l'arrière. Il reste pile le temps, donc pour un match. Je veux bien. Parce qu'il y a Lama et Doc qui ont fait qu'un duel. Après, t'en as fait qu'un. Ah, il y a eu aussi. Et comme tu veux.
Comme vous voulez tous. Demander au chat. On va faire. Le chat a l'air de demander Guillaume contre Samir. Tu prends ton pendule, je suppose, non ? Salam Angrette, ça te dit ? Oh, Salam, vas-y. Salam, c'est genre, il choisit. Non, Salam. Allez, prenez vos decks. Dans deux minutes. Prenez vos decks, tant pis. Hein. Désolé pour Doc. Je peux t'emprunter, Salam. Et Lama qui auront fait qu'un seul duel. Mais ils reviendront, Doc et Lama. Je rappelle que vous pourrez retrouver Lama sur sa chaîne YouTube. Il a une chaîne YouTube, Lama le Crasher. Doc Seven sur sa chaîne Le Labo. Et sur sa chaîne Doc Seven, tout simplement. Et toi, Guillaume, il y a un endroit où on peut te retrouver ? Alors, nous, on a notre Facebook. Quoi ? Oui. Mais ferme-la, j'ai gagné. Il a gagné. Oui, j'ai gagné. Je fais pas. Et là, tu l'as avec le puzzle du millénium, quoi. Incroyable. Alors, ça demande un 2v2, mais 2v2, ça va être compliqué, non, là, je crois. Ça va être compliqué. On n'est pas dans le club Yu-Gi-Oh, les gars. Là, c'est, on a avec des mecs un peu. Donc, nous, on a la chaîne YouTube Bendo Card Player. Ouais. Et la page Facebook aussi. La page Facebook a été mise un moment dans le chat, j'ai vu. Mais je crois pas que le YouTube ait été mis. Après, sur le YouTube, des fois, on a des replays de matchs, de tournois. On a nos decklists qui sortent. Ou des fois, il y a des discussions. Par exemple, très récemment, il y a eu celle sur la banlist qui est sortie. Il devrait y avoir une vidéo sur une discussion sur les cartes de la dernière extension qui sont intéressantes. Ok. Voilà. Ok. Écoute, voilà, les gens savent où ils peuvent vous retrouver. Ouais, Yuri ? Ouais, si je peux faire une petite question. Vas-y. Comme ça. Oui, parce que du coup, vous jouez plusieurs decks et tout, et je me dis ça peut en intéresser, donc je vais poser la question, je vais faire l'intermédiaire. Est-ce que vous considérez donc que pour un joueur vraiment compétitif, il faut toucher à beaucoup de decks qui sont très importants dans la méta, pour bien les maîtriser et bien savoir comment réagir en face. Moi, je pense, de mon point de vue, c'est mieux de s'intéresser à un deck spécifiquement, enfin celui que tu vas choisir pour jouer, mais qu'il est important de jouer un peu tous les decks, un minimum, histoire de connaître comment la pensée de l'autre joueur que tu as en face de toi après. Ça te permet d'avoir les deux points de vue. Voilà. Moi, j'estime que ça dépend quel temps tu as playtest. Par exemple, beaucoup ont un travail ou ont leurs études à côté. Si tu n'as vraiment pas le temps de playtest un peu tous les decks, ça ne sert à rien de se lancer dans le fait de le faire. Mais essaye de jouer contre un maximum de decks. Ensuite, si tu as le temps, le mieux évidemment de tester tous les decks. Je dis pas d'autant les tester les uns que les autres, mais t'essayes principalement le deck que tu vas jouer, et ensuite tu t'accordes une certaine partie de ton temps pour essayer les autres decks. Ouais. Très bien. Bah écoute, installez-vous, messieurs. Merci à vous. C'est donc Guillaume, le champion de France en titre et champion des. LLDS. Voilà. C'est un peu moins de gueule. Oui, c'est un peu moins de gueule, je te l'accorde. Contre Samir. Yami Samir maintenant. Yami Samir, qui est un top joueur français et européen. Qui après, est là avec il est moins nous. Fort que toi, du coup. Champion d'Europe en quelle année, Samir ? 2016. Aïe. Vince, c'est quand qu'il a arrêté sa carrière, Vince ? Vince, il a arrêté en 2013. Ouais, en 2013. Voilà. Nous, on connaît pas mal Vince, du coup. Forcément. C'est le 1, c'est ça ? Oui, voilà. Divin. Je prends la main. Bon, bah, je suis désolé. Je vais m'adapter au chat. Vas-y, bonne chance. Comment ça, tiens ? Non, j'allais rejouer comme je joue d'habitude, mais. Non, c'est pas grave. Désolé. Ah, on fait des sacrifices pour c'est le chat. C'est ça, je pense que t'as mis mal aussi tout à l'heure. T'as pas l'habitude. Ah. Non ? Oui. J'invoque ? Ouais. Je vais déclarer lui en Shining 1, Gazal en Shining 2. C'est bon. Ça marche ? Résolution. Mais. Oh. Ah oui, voilà. Donc pour Vince, il a arrêté en 2013. Et moi, je l'ai un tout petit peu connu. Enfin, je l'ai très peu connu parce que j'étais entre guillemets le petit dans le là où il jouait avant quand il jouait à Creil. Ouais. Et c'était déjà avant qu'il joue à Paris. Donc ça date d'il y a vraiment longtemps. Voilà. Alors là, tu joues le même deck, on est d'accord. Effet Gazal. Oui, c'est bon. Et lui, il joue le deck de Doc. Enfin, voilà, le même archétype. Voilà. Mais toi, du coup, tu joues. Enfin, toi, tout à l'heure, tu disais version budget, version pas budget. Il y a une version plus chère que la version de base. En fait, il y a une carte qui s'appelle Fantasmé. Je sais plus le nom complet. Attends, je vais juste. Je vais essayer de le fichier. Attends. Ah, j'ai pas. D'accord. Voilà. Et cette carte-là, en fait, vaut dans les alentours de 80 à 100 euros, en fait. J'active le fait de renard, je pète pas ma magie. Oui, voilà. Là voilà, je voulais afficher. Faut que tu dises. Ouais. Ok, donc il peut servir à améliorer. Pour Ah, excuse-moi. Ouais, non, t'inquiète pas. Ok. Ah.
Et donc il apprend. Mais apprends là ton deck. Ah pardon. Il joue ton deck là. Mais bon. J'invoque. Ouais. C'est vrai. Il a dit que Doc, il a dit, il le jouera jamais aussi bien que moi. Ça reste. Activer l'effet de. Oui. Ouais, tu peux, vas-y. D'accord. Cercle. Enfin, oui. Pardon. Oui. Les règles du jeu. Voilà. Qui est apparemment cher. Oui. Et tu l'as pas eu. Et tu en as eu zéro. Ah, d'accord. Ouais. Tac, tac. Je réfléchis juste un petit peu, ça dérange pas. C'est interdit de réfléchir dans cette émission, mec. C'est vrai. On a fait 50 minutes de duel. Si ça intéresse les viewers, j'ai regardé Fantasme là sur carte marque 85 euros. Pièce. Au moment du loup, je vais activer l'effet du rugissement. Oui. Je vais la reposer face cachée. Je vais ensuite activer le jaguar. D'accord. Je fais un test de son. En Shining 1, je vais activer loup soleil. En Shining 2, je vais faire vol. D'accord. Je récupère gazelle. Oui. Dans la main. Je vais activer le deuxième effet de loup soleil. Je récupère le cercle. Oh, et Lama qui va commenter ce duel. Je vais aller jouer contre Doc. C'est la première fois que j'arrive à faire une X6-4 avec ce deck. Nickel, nickel. Tu veux l'air ? Oui. Je vais poser une carte. Toi. Draw phase. Standby phase. Main phase. D'accord. C'est bon. Bon, dueler, ça a bloqué les effets cimetière. Assez puissant. Je vais activer Cyclone Galactique sur cette carte. Logique. Voilà. Bah, vas-y. Hein. Elle est retirée du jeu, non ? Oui, elle est. Tu l'as reposée par l'effet. Oui, oui, par l'effet. C'est retiré du jeu. Voilà. Ensuite, je vais activer le terrain. Je vais poser une magie ou une piège. Et je vais activer l'effet du terrain sur la posée. Ouais, ça marche. Je révèle les trois cartes du dessus de mon deck. Non, je sais pas, j'ai vu la photo, mais. Ça joue sérieux, non ? Ça joue très très sérieux. Je vais pas si sérieux ça en fait. Voilà. Attention. Les deux autres tombent dans le deck. Ça marche. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que les viewers ont déjà vu les decks, donc. On peut accélérer. Et voilà, c'est ça. Okay. Essayez de montrer comment est-ce qu'on joue un deck compétitif entre deux personnes qui connaissent les decks. Les cartes. C'est intéressant. Bah, l'exemple. De mon côté, j'ai essayé d'optimiser mes Shining pour jouer autour des entrapes du format. Je vais activer un autre terrain. Et là, Guillaume a optimisé les trois magies aussi. Ça marche. Je vais activer Jamming Wave et je vais siffler ta carte posée. T'avais ajouté avec l'area Afterburner, d'accord ? Non, Ray. Ah d'accord, Ray. Ouais. C'est pas grave. Du coup, c'est ma faute. Je vais chaîner. Hein. Tac. Allô, on m'entend ? Je vais ajouter. On m'entend. Bon, me voilà de retour, hein. Je suis allé me substanter un petit peu. Je vais tenter de détruire. Comment se passe cette game, Lama ? Ça va, c'est assez sérieux. Hein. Sunlight Wall. Lama, il regarde les cartes du décor. Tu m'as dit, tu dois détruire loup. Je tente de détruire, voilà, Sunlight. Ça regarde un peu trop. Hein. Quoi ? Moi, sérieux ? J'ai un joueur qui essaie de shark là. De shark. Ouais, shark. Ça veut dire quoi? Shark, c'est quand t'abuses un petit peu des règles en fait. Ouais. Par exemple? Bah quand ça marche. Quand tu parles dans ton micro, hein. Parle bien dans ton micro. Je parle comme ça. Quand t'abuses un peu des règles dans le sens où tu vas jouer un petit peu sur les mots pour essayer de gagner un avantage sur l'adversaire. Genre? Donc, c'est assez mal vu quoi. Tu m'étonnes que c'est mal vu. Genre, est-ce que vous avez un exemple de shark par exemple? Bah par exemple quand t'as oublié ton effet dans le cimetière à la end phase que t'as commencé à piocher, ouais. Si Samir il avait dit bah non tu ajoutes pas parce que tu as pioché, voilà. Ouais, c'est un peu abusé quoi. Ouais. Mais Samir il a la main sur le cœur quoi. Bien sûr. C'est un homme. Il a la main sur le cœur. C'est un homme. Tourne, j'ai tolère. Après ça encore il a le droit théoriquement. Oui, ouais, en soi, il y a bien plus méchant. Là... Mais il y a beaucoup plus méchant dans le jeu. Ça c'est du shark en vrai légal. Voilà. C'est ça. Il y en a, ils poussent à la faute volontairement en fait. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Faut pas non plus voir n'importe qui va essayer de te faire respecter les règles comme un Rule Shark quoi.
Je vais tenter de taper directement. Merci à toi, Daiko Senpai. Du coup, tu prends 1500. Je vais faire l'effet. Ah oui, tu peux. En fait, tu peux perdre 1000 points de vie, tu regagnes 1800, mais tu prends les 1500. Bon, ah, non, c'est si votre monstre dure, si votre monstre combat, c'est que si un de mes monstres combat. Ah, oui. Je pensais que c'était dès qu'un monstre combat. Non, non, non. Okay. Ouais. En tout cas, il est 23h30. Vous êtes encore 4300 sur le live, alors qu'en plus, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses en concurrence. Donc voilà, merci à vous. Vous avez été très nombreux toute la soirée. C'est pas fini encore, mais je vais faire l'effet de Kagari. Ouais. C'est un grand plaisir. Je peux pas lui dire, Radou. Oui. Ouais. C'est ça. Je vais tenter d'activer Engage. Ça passe. Engage. Oh. Alors, vous jouez souvent, du coup, Samir et Guillaume. L'un contre l'autre. Ouais. Assez rarement, parce qu'on habite loin. Vous habitez loin. Ouais. Ouais. Moi, j'habite à Lyon. Et moi, dans l'Oise. D'accord. Ouais. Ok. Mais vous voyez souvent en event, non? Peut-être. Oui, oui, par contre, en event, on se voit très souvent. Et on a un groupe, de toute façon, entre toute la team de Messenger, où on parle tous les jours tous ensemble. D'accord, ouais. Donc. Ok. Ah, c'est marrant, il y a l'un qui est là et qui nous dit « Même moi, je suis là, alors que j'ai jamais regardé une partie de Yu-Gi-Oh !» Et en plus, tu regardes du compétitif, t'imagines? Eh ben écoute, merci à toi, Link, ça fait plaisir. Il doit pas comprendre grand-chose. tu nous feras un compte-rendu à la fin. Hein. Ouais, sur... Ça marche, il n'y a pas de... Faut faire des hors-série plus souvent. Et n'hésitez pas à me faire vos retours sur Twitter, dans les commentaires YouTube, si vous regardez ça en replay, ou même sur le chat. Hein, mais, Et je vais te déclarer une phase, effect. Mais n'hésitez quand pas. Quand tu rentres dans ta end phase, okay. Est-ce que t'as un speed 2 activé? Non. Ça parle technique, hein. Ça parle technique. Ça la manquerait de Rouleboul. C'est pas un speed 2, je crois, justement. T'sais, c'est pas le moment où tu peux raconter ta vie, parce que ils sont en train de... C'est un moment clé, là, dans le match. Non, c'est pas un effet rapide. Ah, le shark, bon, bientôt. Non, c'est pas grave. Je sais que t'as jamais joué le deck. C'est pas... Bah, j'ai joué genre 2-3 duels, quoi. J'ai la base. Je pense qu'il y en a pas mal qui confondent avec le petit Thunder Dragon qui a un effet rapide, lui. Oui, c'est ça. Thunderbolt, ouais. C'était mieux, Thunder. Je vais ajouter multi-roll. Ça marche. Ouais. Et j'ai 5 magies au cimetière. Voilà, okay. À toi. Donc je... Pioche une carte. Ouais. T'allais dire que Xari a failli gagner quoi contre Guillaume. Pas. C'était pas loin. C'était pas loin. Ouais. C'est un peu la faiblesse de SS. Même cra là 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 là. Enfin, après au time Guillaume l'avait quand oui, même. Oui, oui 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 bien sûr bien sûr. Guillaume a maîtrisé son sujet quoi. Ah, il a défendu son titre. Et quand même. Et déclaré douleur. T'es sur concentré les deux. Il rigole pas. Il rigole zéro. Toujours il faut. Ah oui, ça c'est très important dans le jeu aussi, parce que par exemple, il y a des cartes qui peuvent pas être activées durant certaines phases, d'autres pendant d'autres phases, voilà. C'est pour ça qu'il faut essayer d'optimiser un maximum les phases, voilà. Est-ce que vous... Oui. Est-ce que quelqu'un a un conseil à donner aux joueurs qui débutent? Admettons, j'ai repris Yu-Gi-Oh cette année, je me suis inscrit au championnat de France, c'est mon premier gros tournoi. Est-ce que vous avez un conseil à donner? Moi déjà je trouve que ça peut être la main aussi hein. Oui. Moi je trouve déjà c'est très important d'essayer de passer un bon moment au maximum, enfin ouais. de pas vivre chacun des duels en essayant de gagner à tout prix, mais essayer de faire chacun de ces duels pour vraiment jouer déjà. Moi je trouve que c'est un bon début pour un premier tournoi. Essayer bien entendu de gagner des parties, c'est normal, ouais. Ça fait partie au fond des règles du jeu, ouais. Mais ne pas perdre cet esprit vraiment de s'amuser, surtout en premier événement, pour en garder un maximum un bon souvenir, je pense. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi, Guillaume, un avis Moi, je pense que ça dépend de l'objectif voulu. Évidemment, gagner un maximum de matchs, c'est l'objectif. Mais si l'objectif, c'est de se dire bah, « je vais jouer un deck parce que je le trouve fun », voilà. Essayer d'optimiser un maximum, voilà. Après, pas forcément tout le monde a le temps, mais c'est en enlevant le facteur temps. Et évidemment, c'est ça, en fait, c'est passer un bon moment. Le problème, c'est que des fois, ça peut entre guillemets mal se passer, mais pour la plupart des gens, ça se passe bien et la communauté elle est de plus en plus grande, donc c'est ce qui en ressort. Voilà. Ok, d'accord. Lama, t'as une idée? On vous laisse poursuivre, hein. On s'arrêtera si jamais vous. Ouais, je vais rajouter un petit mot. Déclarer l'effet de ça. Je pense que au niveau des decks, peu importe ce que vous jouez, comme ils ont dit, vous amusez. Le principe des tournois, c'est que c'est des rondes suisses, donc si vous perdez beaucoup de tournois au début. Beaucoup de matchs au début, c'est pas très grave parce que vous allez vous retrouver contre des joueurs moins forts. Et au final, ça sera des matchs plus équilibrés. Vous jouez normalement contre des gens de votre niveau. C'est ça. C'est l'idée. Ouais. C'est ce qui est intéressant au final. Mais moi, je rejoins vraiment Samir. Hein. J'ai fait mon premier championnat de France l'an passé. Et c'est vrai que les premiers duels, je suis tombé contre des gens qui tryhardaient. Et moi, j'étais venu là en mode à la cool.
Et j'ai pris beaucoup, beaucoup plus de plaisir à la suite quand je suis tombé contre des mecs qui étaient là en mode un peu plus chill. J'en veux pas aux gens qui viennent pour gagner, hein, c'est, il en faut pour tout le monde. Mais j'ai essayé de le prendre du bon côté, et de m'amuser et d'en garder un bon souvenir. Et je pense vraiment qu'il a raison sur ce côté précis, quoi. Je vais le link. Ah, si je peux juste préciser un truc, ouais. Une petite précision que souvent les gens oublient sur les talents mirage, c'est que si t'as activé son effet, du coup, le reste du tour, tu peux pas activer d'effet de monstre sauf des effets de monstre feu. Oui, bien sûr. Ouais, ça, je sais. Parce que c'est souvent quelque chose qui est oublié, donc je préfère le préciser. Non, il y a pas de après, ça, je le sais. J'allais pas oublier. Ah, surtout oui, quand ça vient. Je précise aussi pour les viewers, ça fait pas mal parce qu'il y en a pas mal qui oublient. Donc. On sait que vous êtes des boss, mais. Oui, c'est sûr. Je vais déclarer effet de Nightmare Phoenix en Shining 1. Oui. Et en Shining 2, je vais déclarer Loup de Soleil et cibler Volaille. Après, si Lang, t'as un conseil aussi à donner, n'hésite pas, hein, vraiment. Tu cibles quoi avec Phoenix? Ah, pardon, avec Phoenix, je cible elle. D'accord. Moi, je rajouterais bien un petit truc, mais. Je vais chaîner ça pour bannir Jack Jaguar. Jack Jaguar? Ouais. Pas de soucis. Du coup, résolution. Je récup, je pioche un. Oui, tu pioches un. Parce que Nightmare Phoenix est calling. Je vais maintenant activer l'effet de. J'active maintenant l'effet de l'autre. Est-ce que j'attends? Mon conseil, c'est de croire en l'âme des cartes et d'activer sa carte pièce. Mais bien sûr, il faut toujours croire en l'âme des cartes. Très bon conseil. Je peux ajouter un petit truc du coup. Ouais, vas-y, Yori. Ma petite pierre à l'édifice, moi je vous dirais surtout que plus vous avancez, plus faut être curieux. Essayez de découvrir des nouveaux archétypes, essayez de vous intéresser aux nouvelles cartes qui sortent. Progressivement effet pour Chaleur manger Léo. De la connaissance. Tu fais seulement lui Pardon. Chaleur Léo, Shining 1. Ouais, t'as raison, Yuri. Est-ce que je fais les Talons Mirage en Shining 2? Ça, j'ai un doute. Et pareil, du coup, oui, niveau si, je fais les Talons Mirage Shining 2. Et Chaleur Léo, il va cibler le terrain. Tu peux pas cibler le terrain. C'est seulement dans les zones magie et piège. Ah, d'accord, ça, je sais pas. Cibler une. Eh, mon match était du coup. Vas-y, on m'a pas cheaté. Ouais, ça me va. Ah, on m'a juste demandé dans le chat pourquoi est-ce que Spinny n'est pas banni si on fait Nixis. C'est parce qu'en fait, quand vous l'invoquez par son effet, donc il est banni s'il doit quitter le terrain. Le truc, c'est que quand tu fais une invocation Nixis, tu mais passes pas autour de ça. Si on peut pas gérer le terrain. Ah, sur tu contournes ça en fait. Il est pas considéré comme en fait, c'est... Alors, comment c'est écrit exactement? Une carte dans la zone magie et piège de votre adversaire. Je profite d'un instant pour répondre à la question de Maxi Verson qui nous dit Zoulou, à quand un grand tournoi entre vous? Alors, il faut savoir que nous, déjà, on sera présents au championnat de France cette année, du 8 au 9 juin. Mais le 19 mai, on fait un tournoi ici sur le stream. on va se rapprocher. On est. Putain, t'es venu prendre la place. Hein. le 19 mai, on fait un tournoi ici sur le stream. Donc, ce sera un dimanche. Et ce sera un tournoi speed duel pour le coup. Donc, voilà, c'est peut-être pas le format que vous préférez. Mais au moins, on fera un petit tournoi et puis on verra ce que ça va donner. Donc rendez-vous le 19 mai. J'espère pouvoir t'affronter. Oh, yo, yo, yo. Ouais, énorme gazelle. On verra. Okay. Ouais. On verra. On va le rôle. Voilà, question ruling de Doc Seven pour Yuri. Tiens, regarde, prends ce contrôle. Ah, super. Mon cher Yuri, la carte destruction suivie de 3 points d'exclamation. Ça te dit quelque chose? C'est ce que Xari avait tout à l'heure. C'était la carte. Je l'ai. Vas-y. Est-ce que s'il en a deux sur le terrain, on est d'accord que il ne peut faire qu'un seul effet Qu'un seul effet. Donc il peut pas faire un coup une carte et un coup l'autre carte. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un hard once per turn. Et en plus, il est vraiment sur tous les effets. C'est-à-dire, t'en fais un seul deux, peu importe le nombre de copies que tu as. Super. Merci, c'est un peu comme Roule Boule par exemple dans Salamandre Grande, si t'en as deux au cimetière, tu peux en ramener qu'un seul des deux par toi. Ah oui. Oui, c'est un One Spur Turn aussi. Ok, merci monsieur. Bon bah je vais. Oui, j'ai déjà récupéré par contre. Alors qu'est-ce que ça donne là sur le duel? On voit que Samir a un petit peu moins de points de vie que Guillaume qui pour l'instant domine son vis-à-vis avec 8000 points de vie, mais au niveau des boards c'est compliqué. Ça joue fois deux, on est d'accord, je vais d'accord. Non, c'est un. Ah, ça joue fou. Oui. Samir qui connaît pas le deck apparemment. Normalement. Ah bah je vais découvrir si ça joue. Ouais, ok. C'est pas grave. Allez hop, c'est pas grave, je vais faire plutôt l'effet de renard direct. Ok. Désolé. Putain, j'ai pété du coup ta MP. On est sous de l'or. Ah, il fait les bruitages. Et pour ceux qui se demandent, vous pourrez confirmer, je ne suis pas enfermé dans un placard dans les locaux du stream. Je suis par Discord.
Mais ouais, alors Yori qui est là à distance, ouais. Mais, mais un de ces quatre, tu viendras attends, nous rendre avec visite. Quoi, avec ça ouais. Très attends, bientôt. Quand t'actives l'effet, je vais faire. J'espère. Oui, non, t'inquiète pas, tu viendras. Et on pourra avoir un petit peu ta petite bouille. Et on pourra te corriger en duel. Et, mais t'es sûr si je veux croire le Jaguar ? Je vais ramener. T'es sûr si je veux croire le Jaguar ? Oui. C'est, je suppose que c'est alors, la deck list de la main en plus. C'est ce qu'il y a. Enfin, c'est le deck. Ah oui, de. Il y a un. De quoi ? De Jaguar. Jaguar, un seul, normalement. Oui. C'est le deck d'Abdel, hein, mais. Ça, ça s'échange. Abdel les decks qui nous ici. Regarde sûrement si t'as mal. C'est mes cartes, mais c'est son deck. Qu'un seul Jaguar. D'accord, ok, je connais ce genre de bail. C'est mes cartes, mais c'est ton deck. C'est terrible, l'effet Falco. C'est compliqué, hein. Je me fais bien arnaquer dans l'histoire. Écoute. Surtout vu le prix du deck. Et je vais dire. Après, c'est à la main grande, il vaut pas si cher, non ? Non, non, ça vaut pas. En fait, c'est les fantasmes qui coûtent cher. Non, ça vaut pas cher. Ah, ah, t'en as combien ? 3 ? Bah, 3. Ah, après, ouais, d'accord. Pensez juste hein, qu'il est important quand même de rajouter le loup. C'est Kagari. C'est pas bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça peut être pas engage. Je suis bien. Tu n'as plus de balles lynx. Donc pour lui, je peux taper là, voir ça, faire ça, ça. Et je crois qu'il y a 3 lazy debugs dans le deck, si je me trompe pas. Ah, parfait. Non, je rigole, c'est une carte qui a été bannie, enfin, limitée récemment. Je vais. Voilà, je vais déclarer battle phase. Ouais, bien sûr. Je vais taper là. On est tous les 2500. Ok. Je vais faire l'effet de Ray. Enfin, ce qui est trop cool, si je dis pas de bêtises, hein, c'est qu'il doit avoir à peu près le même nombre de viewers aujourd'hui sur le match Guillaume contre Samir. Je vais faire l'effet. Que le stream, que la finale du championnat du monde sur le stream Europe. À mon avis, on doit être pas mal. Oh, on doit être. Au niveau et des chiffres, on doit être à peu près au même niveau. J'ai lui magie, du coup t'as 1000. La communauté FR, elle est présente. Eh hein. Ouais, ouais, oui, ouais. Ils sont là. Du coup, t'as pris 800. Voilà. Okay. Main phase 2. Ouais. C'est beau ça. C'est très très beau. Je vais faire l'effet de Cyclone Galactique pour détruire ton terrain. Oh, et en plus, j'étais suffisamment court pour pas en remettre un autre. Oui. Oui. Voilà, tu es tombé dans mon vrai piège. Et je vais déclarer end phase. Non, quand tu tentes de redéclarer ta end phase, je fais illusionniste de phase. Et à toi. Hey coup, voilà. Tu vas perdre contre quelqu'un qui sait pas jouer. Ça fait quoi hein. J'ai pas une grosse main aussi. Hein. T'as une main avec beaucoup d'extender de ton côté. Je permets juste, Samir, vu que c'est via ton deck, on te demande ton avis sur mining. Nouvelle. Sur le. Laquelle Storm. Signet Mining. Signet Mining. Hein, ah. Moi, j'aime pas trop la carte, mais là, exemple, elle va me clairement donner la win parce qu'elle va me permettre de prendre Lady Debug. Mais. En soi, la carte, je la trouve assez moyenne en vrai. Je trouve c'est. J'aurais pense c'est mieux d'avoir une carte de défense. Une carte défensive. Moi, j'aime pas mal la carte pour compenser les debugs, mais sinon. Exemple, oui, là, pas... je la préfère. Elle est pas. Coup. Sinon, elle est pas incroyable. Sign et minage. Je vais défausser. Ouais, alors, apparemment, faut mettre moins 800 en Samir. Oh, faut mettre moins 800 en moi. Bah, pas, t'as pris 800 en Battle Phase. Ah, non, oui, j'ai tapé. C'est vrai. Ça triche un peu là. Ça n'est pas de tricher là. Ça triche. C'est comme ça qu'il a gagné le championnat d'Europe. Ah, bien sûr. Avec son sourire, il est. T'as gagné avec quel deck ? Avec quel deck ? Pendule. Pendule ? Alors, faut savoir qu'on dit pendule en général, nous les joueurs, mais il y a eu plusieurs types de pendules. Et lui, c'était particulièrement pendule qu'on appelait Dracopal. Oui. Non, je. Enfin. Dracopal avec des mages spectres. Ouais, c'était. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, je te dis n'importe quoi. Ouais. C'est avec les Dracoslayers, oui. Là, qu'il est et là, moi... en 800 sur Samir, effectivement. Et moi, j'ai gagné le championnat de France, j'ai gagné avec un autre type de pendule qui était pendule magicienne. Voilà. Je trouve que tu te la pètes un peu quand même. C'est chaud à jouer. On est d'accord qu'il y a des decks qui sont plus durs à jouer que d'autres. Oui, notre deck, entre guillemets, moi, c'est surtout en mirror match que mon deck est dur à jouer. Samir, son deck est. Il y a des combos des fois qui sont difficiles à effectuer ou autre, mais des fois c'est pas mal guidé. Déjà vu que tu pointes. Oui. Mais sinon, il y a quoi ? Il y a les decks très combos. Par exemple, on a quelqu'un dans notre team qui joue qu'un seul deck depuis plusieurs années, qui est Spiral. Et on peut jouer un deck comme ça aussi longtemps ? Oui. Oui et non, en fait. Son deck est beaucoup. En fait, quand c'est sorti Spiral, c'était. Enfin, quand une des cartes du deck est sortie, c'est devenu très très fort. Ouais. Et en fait, après, ça a été touché par Balnis, mais il a quand même continué à le jouer. Donc, c'est pas aussi fort que,
que ça a toujours été, ouais. Mais c'est jouable. Après, de toute façon, quand un deck est très fort, les gens jouent des cartes pour le contrer. Oui. Et du coup, quand il est moins fort, il est moins touché par ces cartes. Le deck était tellement fort en fait que même avec les cartes pour contrer, ça restait quand même le meilleur. Ouais. C'est pour ça qu'il y a toujours des decks. D'accord, c'est ce type de deck, d'accord. Ouais. Au début, Spiral, c'est ce qu'on appelait un tier 0 quand la ligne est sortie. Enfin, en gros, c'est un deck qui fait énormément de résultats. Genre, il est 80%. C'est un coup, un effet de renvoyer. Ouais, c'était super fort et ils ont même sorti une banlist d'urgence pour limiter un peu les dégâts. Ah ouais, ouais. Ah ouais, quand ils en sont à ce niveau-là. Ah, c'est compliqué là. C'est chaud. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, ça s'est produit plusieurs reprises. Quoi que je prendrai. Je peux vous dire qu'au mois de juin, ils vont transpirer comme ils vont voir mon deck harpie. Ils vont sortir une banlist directe. Et ça va saigner quoi. Non, pas, j'ai un doute. Pas sûr. Non, ça vient du cimetière. Effectivement, c'est et pas sûr. Et l'autre, tu l'as pas normal, tu l'as. Plus, je prends serre. Ils vont te mettre sur la banlist peut-être. Ouais, ils vont mettre Zulu en banlist. Zulu limité. À prendre interdit en tournoi. Parce que je sais pas si je peux l'éteindre. Info sûr. Ils vont ressortir des nouveaux graphismes d'Exodia. Zulu interdit. C'est ça. Bon, allez hop, on va pas se faire chier. Rage, je suis un pimpin. Ok. Rage, c'est. Ah, mais non, mais c'est nul vu que je peux overlink. J'ai activé après mon. Ah tu non, peux pas, après. Tu peux pas activer directement. Mon rage. Ok. Hey, c'est la deuxième fois que je vous sors. Link. Ah, Samir qui est juste là pour s'entraîner ici. Hein. Je rappelle, on est en préparation du championnat de France. C'est arrivé un champion de France qui garde son titre d'année en année? Alors, non, justement. C'est pour ça que j'aimerais bien être le premier à le faire. Oh là 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 là. Oh là là, attention, mais... c'est dit. C'est dit, ici, c'est en live. Voilà. C'est noté. Les mots sont lâchés. Vous pouvez clipper. Rendez-vous le 9 juin sur le stream pour vivre ça. Et par contre, il y a... certains ont gagné deux fois le championnat de France. Voilà. Mais pas de suite. Vas-y, je prends Calgary. Hein, par exemple, Vince. Ouais. À la place, tu vois qui c'est? Bien sûr, Vince. Ouais. Okay. Vince d'Armatim de... Ouais, ou de Solari. Oh, pardon. Ouh, faut pas dire des conneries, là. J'ai terminé vite aussi. 1, 2, 3... Vince a gagné deux fois le... T'en as deux fois, j'en ai 7 maintenant. Pas mal. Parce que ça, moi, si je dis pas le bêtise. Parfait, bah du coup, ça tue. Enfin, ça la mangrait de chaleur. Oui. Alors, Léo. Je prends 100, je spéierai. Je tente de taper avec Kagari. Je vais faire l'effet. Et je vais réinvoquer. Shizuku. Marche. Alors, apparemment, il y a un mec qui dit la hache, c'est celle du deck Asso. Ah, toi. End phase, effet. Oui, bon, draw phase. Ils m'ont pas écouté, ils s'en foutent, je crois. Si, c'est juste. Enfin, tu disais que c'était ressorti dans le dernier deck qui est sorti. Oui, c'est le cas. Non. Ah. Non. H, apparemment, c'est celle du deck. Elle est pas dans le bon cimetière. Ça vole des H là. Okay. C'est bon, elle a été remise c'est là. Non, c'est pas H. Ok, bah ils disent. Ouais. Ça me fait deux voleurs là. Oh. Zulu, c'est qui fatigué, mais quand même. Enfin, avec le chat, on a l'habitude. Les bâtards du chat. Je peux faire un autre truc. Vous rirez moins quand je vais battre Guillaume. Oui, tu peux rendre finale, ça insensible aux effets de monstre s'il a été overlink. Ça, c'est avec la d'ailleurs, ça c'est banni du coup. Non, c'est le premier, je l'ai déjà. Ah oui, okay. Alors, on me dit Alain Lee a gagné deux fois de suite le championnat de France de mémoire. Et un autre joueur qui s'appelle Pierre Pradel. Qui en a gagné deux, mais pas de suite. Oui, non, mais Alain Lee non plus, il a pas gagné la suite. Apparemment, c'est deux fois d'affilée Alain Lee. Ah bon? Ah bah, je vais peut-être me. Eh oui, je pensais qu'il avait gagné. Pas ce privilège. Ah, pas. Non, c'est faux, pas de suite. Ok. Bon, c'était 2011-2013, je crois, lundi. Si je me souviens bien. Je vais pas le dire que je vole des sneakers. Voyons. Alors, il y a Link GG qui pose une question. Peut-on mélanger les archétypes pour avoir un bon deck? Je pense que oui. Oui. Oui, mais il faut quand même garder une cohérence, c'est important. Bien sûr. Bah, rien qu'actuellement, par exemple, Danger qui est mis dans plusieurs decks. Orcust aussi, d'ailleurs. Et Phantom Knight aussi. Avec leur link, mais voilà, faut toujours que ça soit combiné vers un but commun, quoi. Dans mon deck vendu, j'en joue 4. ou alors c'est dans des cas, par exemple, comme on a vu avec Mech Knight et Invoked, où c'est deux archétypes qui peuvent jouer en tandem parce qu'ils se gênent pas l'un l'autre, par exemple. Oui. Ça peut arriver des cas comme ça. Après. Non, c'est vrai. De toute façon, c'est pas là. Il y a eu beaucoup d'exemples d'archétypes mélangés qui est devenu après standard, justement. On considérait même plus ça comme un mélange. Ouais, je la perds. Il y a une question pour Samir. Voilà, j'en apprends comment on gagne avec Salamangrette, sachez-le. Ouais. Il y a une question pour Samir et Guillaume. Oui. Que pensez-vous du dernier deck
du dernier deck, Burn Mystic Mine. Alors moi je pense que c'est un deck surprise quand les gens savent pas jouer contre, mais une fois que les gens savent jouer contre, c'est plus assez fort. Ok, et ça peut surprendre quoi. Oui. Ça peut surprendre. Samir, il a eu une autre pensée, je la connais. Voilà. Non, c'est... en soi, justement, je trouvais le deck justement, en fait, assez mauvais. Bah, j'étais plutôt... j'étais, justement, c'était mon avis premier, celui que Guillaume a dit. Mais avec du recul, je... même si je reste un peu dans l'idée de Guillaume, je trouve comme j'ai... En fait, la carte, elle est vraiment design bizarrement. Elle est comme vraiment forte, la carte. Elle est assez abusée. Voilà. Enfin, c'est en soi, c'est à cause d'une autre magie qu'on continue à avoir qui contrôle les top decks à l'infini. D'accord, ok. Et ces deux-là combinés, on peut juste plus gagner le duel. Ok. Vous faites un deuxième match ? C'est comme sauf vous si vous voulez. Bon, là, il reste 13 minutes. Ah. Il reste 13 minutes. Ça va être chaud. Ça va être tendu, sinon on peut faire une question-réponse avec les joueurs. Après, mais si vous voulez, on peut essayer de jouer en même temps. Non, pas, non, si on arrive. Ou alors, comme vous voulez. Ça me dit ma chat. Non. Il y en a, il faut Ramadan. En vrai, déjà, je voulais vous remercier. Samir, Guillaume, Lama, il y a Doc aussi qui est venu. Mais bon, Doc, vous avez un petit peu plus l'habitude de le voir. Ça me fait très plaisir. Lama, moi, je te remercie parce que tu m'as aidé à organiser tout ça. Parce que c'est toi qui avais contact avec ces deux top joueurs que je suis très content d'avoir ici. On était à ça, hein, de voir Xari triompher de Guillaume. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. Mais en tout cas, ce con, il a failli le faire. Quoi. Ouais. Ce con, il a failli le faire. Tu sais pas comment il fait. Le mec, il a un deck, il le connaît même pas. D'ailleurs, il a perdu parce qu'il connaissait pas. Il avait une carte dans l'extra deck, il la connaissait pas et il aurait pu gagner. Bon, bah, Xari, la prochaine fois, tu feras un effort quand même. Mais en vrai, il est là, il a un deck tout penaud. Il cède des cartes en 2019 et il arrive encore à gagner, à presque gagner. Il a quand même perdu à 500 points de vie. Ça joue dur là. Oh, côté, regardez comment ils sont motivés. Xari concentré. Oh là là. Posé. Mais c'est ça la puissance de Xari. Il regarde même pas les cartes. Il regarde même pas les cartes. Il joue et il arrive à gagner. Aïe aïe aïe. C'est marrant. En tout cas, c'est cool parce que Xari, l'an passé au championnat de France, c'était son premier. Il a joué un deck Exodia et cette année, il va jouer un deck Exodia un petit peu plus amélioré qui peut prendre des games tout comme le deck. Vous l'avez bien mis. Non, qu'est-ce que c'était quoi le message? Xari, c'est un secteur Aga. Apparemment, le premier champion de France a gagné 2003 et 2004 d'affilée. Ouais, mais à l'époque, il y avait 20 personnes dans la salle. Quoi. Oui, c'était. À l'époque, le championnat de France, il fallait se qualifier rien que pour le championnat de France et c'était très limité. Ouais, oui. Après, il y a aussi des histoires bizarres à cette époque-là, mais passons. C'est le passé sombre. Il y a du dossier à lâcher, vas-y, on t'écoute. D'ailleurs, cette année, il y a un championnat de France qui, pour l'instant, est complet. Apparemment, ils sont en train de réfléchir à... ils cherchent à trouver une solution. Oui. Donc voilà, sachez que si vous n'êtes pas encore préinscrit pour le championnat de France, ça va être compliqué. Vous pouvez quand même venir faire des side events, vous mêler à la foule, faire des échanges, voir des gens de la communauté, tout ça, ça peut être cool. Konami ou Abyss, je ne sais pas laquelle Abyss. Entité des deux, c'est certainement Abyss. Ouais. Ils sont en train de chercher voilà un moyen voilà d'essayer de faire plaisir à tout le monde, de contenter et potentiellement accueillir peut-être plus de joueurs. Mais en tout cas, ça va être un beau championnat de France parce que l'an passé, on était 500-600. Cette année, on sera 900. Pour le moment, c'est 900 et les places sont limitées. Ouais. Ouais, donc voilà, déjà, il y aura plus de monde que l'an passé. On espère voilà, qu'ils trouveront une solution pour accueillir plus de monde. Mais en tout cas c'est bien cool. Je rappelle que vous pouvez retrouver Lama sur sa chaîne YouTube. Lama qui fait... Lama le crasher. Lama le crasher, c'est quoi ta dernière vidéo là? Alors ma dernière vidéo, bah d'ailleurs c'était sur un deck spiral. J'étais au un petit tournoi la semaine dernière. Ouais. Et du coup il y a quelqu'un qui a joué spiral. Comme il a expliqué Guillaume, c'est un peu moins fort, mais il a quand même fait un bon résultat. Donc j'ai décidé de le présenter sur la chaîne. D'accord. Et voilà tout simplement. Sinon j'essaye d'expliquer un petit peu la méta, comment ça fonctionne. Et globalement pour que les nouveaux joueurs puissent reprendre. Donc ils arrivent, ils débutent avec toi, Club Yu-Gi-Oh! Et après, au fur et à mesure... Après, il step up, c'est ça, il passe à meilleur que moi, c'est ça. Non, c'est cool. En vrai, moi, hier, j'étais en live sur ma perso et j'étais en train de faire les decks de Xari. T'as fait des petites ouvertures, à ce qui paraît. Ouais, j'étais en train de faire les decks de Xari et de Max, hein, parce que j'ai fait un deck Green Majou pour Max pour le championnat de France, parce qu'il m'a dit, oh, écoute, je suis chaud pour participer. Au départ, je ne savais pas trop s'il allait être là avec le 3, mais au final, il sera certainement là. Donc s'il participe, c'est cool. Et voilà, j'ai fait les decks, j'ai ouvert
des displays, bon, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Mais en vrai, c'est cool. Moi, je suis très content de voir de semaine en semaine et de mois en mois que la communauté Yu-Gi-Oh! se densifie avec plein de youtubeurs Yu-Gi-Oh! qui se mettent à faire des vidéos, qui persistent et petit à petit, bah voilà, ça donne un truc vachement cool avec des émissions comme Club Yu-Gi-Oh! Mais il y a plein de contenu Yu-Gi-Oh! Aussi à aller découvrir sur YouTube. Je pense à la chaîne de Doc, mais à la chaîne de plein de Yu-Gi-Tubeurs, hein, Yu-Gi Muto 91. J'ai commencé à en citer un. Alex Yuki. C'est plutôt Duel Links. Il y en a plein. Non, mais c'est vrai, comme ça, il y en a beaucoup. Tous les goûts. C'est vrai que nous, sur Club Yu-Gi-Oh! On fait du rétro, mais voilà, il y a d'autres chaînes qui font du compétitif. Cette semaine, aujourd'hui, c'était un test avec du compétitif. C'était la première fois qu'on ramenait des cartes liens dans Club Yu-Gi-Oh! Avec des decks compétitifs un petit peu plus charnus. Et ça a l'air de vous plaire. Donc on est très contents. On en refera certainement, peut-être. Je ne peux pas vous donner de date, mais très, très concrètement, j'ai l'impression que ça vous a plu. Donc vous en reverrez. Lama, un petit mot peut-être ? Un mot de la fin ou pas encore ? Bon, écoute, je sais pas. On peut appeler peut-être Xari et Doc. Ouais, ce serait bien. Doc ! Xari ! J'aime bien ce côté très professionnel. Ils arrivent. Ça y est. Sauf Doc. Moi, je vous avoue, j'ai joué au tout début de Winnings. J'ai joué au tout premier format. D'ailleurs, j'ai atteint maître des jeux. Ramène Doc, là. Ramène le jeu. Il arrive. Paroi des jeux. Il essaye d'essayer de passer 5000, mais il n'y arrive pas. Avec juste les premières cartes, j'avais trouvé l'OTC avec... Bref. Il essaye d'arriver à 5000 d'attaque pour essayer de passer mon Exodia, mais... Ah là là, il va être bloqué. Doc, on a fait un petit bilan de cette soirée. T'as un petit mot à rajouter, je sais pas. Voilà, j'ai précisé aux gens qui pouvaient te trouver sur ta chaîne. Le deck Endymion est jouable en tout cas. Doc Seven pour ta chaîne principale. Après, moi je trouve qu'il a un souci d'être très dépendant du dé, mais en soi il est très fort. De quoi il parle. Il répond à ses fans. Du coup, ta dernière vidéo Yu-Gi-Oh! C'est quoi ? Là, il y en a une nouvelle qui va sortir. J'ai reçu une énorme collection. Je vais bientôt sortir ça. Mais surtout, le plus important, c'est que vous soyez là le 19, parce qu'il y a le super live. Mais ouais, le tournoi. C'est ça, nos actus surtout. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça va être très excité de faire ça. Ça va être ça, une journée complète. Mais c'est vrai, on me demandait tout à l'heure hein, quand est-ce que vous faites un grand tournoi. Ce qui est compliqué, c'est comme vous l'avez vu aujourd'hui, on n'a pas pu faire beaucoup de matchs en 4 heures. Du coup, bah, voilà, le format speed duel correspond plutôt pas mal à ce type de tournoi. C'est un essai. Si ça marche bien, bah, pourquoi pas faire prochainement un tournoi à tout moment. Hein. Mais voilà, commençons déjà par le speed duel. Mais voilà, ce sera le 19 mai. Xari, un petit mot peut-être à ça d'être passé champion de France. Ouais, bah, j'aurais dû mieux lire mes X6, quoi. J'avais 15 cartes dans l'extra deck et j'avais pas trop le temps, donc j'ai lu que les links et voilà, ça me perdra. Putain, le pire, c'est que Guillaume, il nous dit... Putain, s'il avait la 6000, là, j'étais mort. S'il l'avait. Et là, je regarde, je fais, ah, c'est celle-là. Dommage. Bah, c'est pas grave. Aïe, 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 dommage. En tout cas, voilà, moi, j'ai passé une très, très bonne soirée. J'espère que vous aussi. Allez checker la chaîne Bendo. Bendo Card Player sur YouTube, c'est ça ? Oui. De Samir et de Guillaume, hein, c'est leur équipe. Je remercie la régie avec Tom et Théo qui étaient là pour la réalisation de cette émission. Dans un instant, c'est personne, c'est ça ? C'est Dodo là. C'est Dodo. Allez, c'est un suppo au lit et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Club Yu-Gi-Oh! Mardi 20h. J'ai un dernier mot. Bon courage à tous ceux qui font le championnat de Belgique ce week-end. Voilà. Et ben voilà. Ah, alors, voilà, c'est ce week-end. Et n'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires et sur Twitter. Au revoir. Yu-Gi-Oh!